Bonjour à tous! Ça me fait plaisir, j'ai vu plein de petits massages très sympas bonjour dans le à chat. À oh, je m'entends un écho. J'ai vu oh, Attendez, Attends, je vais régler Attends, à ça. Attendez, je vais régler Voilà. Normalement, l'écho est supprimé. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait un petit écho. Vous l'avez entendu l'écho? Vous avez entendu l'écho ou pas? Vous avez vu, que je l'ai réglé en deux secondes quand même. Ça a bien changé depuis les débuts. Vous avez, eu, vous avez eu le petit écho vous aussi ou pas Ouais, voilà. <laughs> Je disais que j'ai eu... Ça me fait plaisir, j'ai vu plein de petits messages très sympas dans le chat. On n'avait pas commencé, comme par exemple, salut, oh merci. Oh, mais c'est Sushi Poops, reine, euh, qui m'a envoyé de délicieux chocolats bio euh, au travail et un, un excellent café aussi, qui sub en plus. C'est presque trop. Merci euh, Carugier, pour le sub aussi, un instant, vous êtes cool. Oui, les petits messages que je lisais, Nico Manga par exemple, n'oubliez pas ce soir sur France 2, euh, le Téléthon Gaming, il euh, ben, y aura PA, il y aura Domingo, il y aura Trivia, il y aura Little Big Way, effectivement, il y aura Flo, Florent-Georges que nous, on va présenter ce soir comme un... Merci Pifomètre. joli pseudo, pour le soutien. Euh, Florent-Georges que nous, on va présenter ce soir comme un, un historien du jeu vidéo, parce que... Bah, c'est une grande première, alors le Téléthon Gaming existe depuis quelques années déjà sur, euh, sur France Télévisions, sur France 2 c'est pas nouveau euh, du tout, ce sont des, des streamers, merci Casamaling, euh, ça sub à mort, vous êtes cool, euh, des streamers qui se mobilisent pour euh, les Téléthons, euh, ça fait un mois hein, qu'ils streament euh, chacun sur leur chaîne pour collecter des fonds pour euh, le Téléthon, donc ça, ça existe depuis quelques années, mais la grande première c'est que France 2 consacre une émission en direct, ce soir, ouais c'est ce soir, ce serait-on que je m'y mette d'ailleurs minuit 30, il va falloir prendre un petit peu de café, euh, vous comme moi, euh, minuit 30, deux heures, donc une heure et demie de live. Alors Téléthon Gaming ce soir, bah, c'est simple, c'est euh, évidemment une mobilisation pour le Téléthon, mais c'est la première fois que ce sera en direct sur France 2 autour du gaming, euh, avec, euh, merci Keizu pour le sub, des jeunes, des personnes en situation de handicap bien sûr, qui euh, sont gamers d'ailleurs, puisque c'est le fil rouge de cette soirée, euh, Téléthon Gaming, minuit 32h sur France 2, euh, des valides aussi, euh, des streamers qui seront avec nous en direct, qui seront sur leur, ch leur chaîne en train de streamer pour continuer à collecter des fonds, des invités, à l'instant effectivement euh, Nico Man Manga les évoquait, il y aura notamment ce soir euh, l'ami Domingo de Popcorn, je suis super content qu'il ait accepté, tout de suite en plus, voilà, alors qu'on sait que l'ami Domingo est super... Euh, occupé. Euh, trivia aussi, euh, Marianne, Little Big Wild, elle a accepté pareil tout de suite, c'était vraiment super gentil. Euh, C'est le côté Téléthon, je crois, euh, qui les a touchés. Et puis euh, il y aura aussi Florent, Florent euh, Gorge, j'espère que je n'ai pas prononcé euh, Georges je pense qu'on dit Gorge, euh, qui est un une espèce d'historien du jeu vidéo, puisqu'on va parler de jeux vidéo, on va parler de gaming, on va parler de de streaming, on va parler de l'histoire du jeu vidéo, de l'actualité du jeu vidéo, du futur du, du jeu vidéo, du jeu vidéo euh, adapté aux personnes en situation de handicap. Là, on pense à des manettes particulières. Ça va être top. Voilà. Et puis, je disais d'autres messages très très cool. Euh, euh, par exemple, Sandrine, Ninine, j'ai adoré ta journée d'hier. On y reviendra rapidement, mais c'était rigolo ce stream de 7h20. Ce ce stream de 7h20 hein <laughs> hier. Caméra allumée à 2h30 du matin, donc le moment où je quitte la maison, allumée dans le taxi qui m'emmenait à France Télévision, avec la permission euh, du chauffeur, qui était super sympa d'ailleurs. Donc c'était rigolo. On a commencé, j'étais totalement dans le noir dans le taxi. Et l'idée, c'était de vous faire vivre les coulisses de la matinale de France Info. C'était un super moment. Bah, on a streamé quand même ouais, euh, 7h20, euh, de 2h30 à 6h dans les coulisses. L'arrivée du rédacteur en chef, enfin il était déjà là quand je suis arrivé d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le chef. Euh, des chroniqueurs, des journalistes, des techniciens. Euh, donc, on a vu la préparation. Chacun dans son coin, le spécialiste éco, le spécialiste politique, euh, plutôt la spécialiste euh, politique, la spécialiste culture. Ibisha, merci pour ton soutien. Euh, le spécialiste sciences. Donc, là, on parle de Manu Tissier, de David Lefort, de euh, David Delos, d'Alix Bouillaguet, d'Alix Doge. Euh, voilà. Et puis, on, on a vu la préparation de leur travail. Et puis, après, 6 heures, prise d'antenne. Et on était toujours en stream aussi sur France 2 pour commencer 6h 6h30, une première demi-heure d'actu sur France 2. Et puis euh, 6h30, 8h30, la matinale de France Info, que vous pouviez à la fois suivre euh, à la télé et en coulisses, puisque je continue à streamer d'ailleurs ceux qui, ceux qui étaient très attentifs pouvaient voir pss, poser sur le, sur le bureau. Merci de Tsano pour le sub, vous êtes trop cool. Poser voir sur le, le, mon, le bureau où on était tous, euh, le, le plateau, quoi. Le, le, le petit téléphone qui allait bien avec son petit bras stabilisateur, c'était cool. Voilà. Euh, c'était vraiment un chouette moment, vous avez été très nombreux. On a eu des raids de ouf. On a été raid dans la nuit trois fois, notamment par Zerator. Zerator qui streamait tard et qui a eu la gentillesse de me raid. Alors ça, ça m'a beaucoup touché. Le, voilà, le patron Zera et Little Big Whale qui, est à son tour, un petit peu après, dans la nuit, toujours, merci Clogan pour ton sub, à raid aussi. C'était super, recueillit beaucoup de monde. Euh, si on compte les replays, ça fait 160 000 vues déjà ce matin. 160 000 vues pour ce stream, donc ça vous a plu. Et, euh, et ça a beaucoup plu, sachez-le, aux équipes de la matinale de France Info, Vivi dit IMC, merci pour ton sub, c'est gentil. Ça a beaucoup plu à l'équipe de la matinale, qui était très contente de faire découvrir bah, la, à la fois euh, la façon dont elle travaille, son implication, son engagement. L'idée c'était de vous montrer qu'on n'arrive pas à une demi-heure avant l'antenne, mais plutôt trois heures pour préparer tout ça, donc il y a beaucoup de travail. Merci, Bicha. Euh, donc, son implication, son engagement, sa rigueur, et puis aussi la, la bonne humeur, la, la bonne ambiance qu'il y a dans cette équipe, génial. Et puis, ça a beaucoup plu aussi à France Télévisions, puisque ça a été regardé avec beaucoup d'intérêt par euh, le patron de l'info, Laurent Guimier, qui s'intéresse de toute façon beaucoup à Twitch, qui a trouvé ça génial, et par euh, la patronne de France Info, euh, qui, euh, qui m'a donné l'autorisation de le faire d'abord. Voilà. Donc, ça c'était cool, était, elle n'était pas obligée de le faire, et puis qui a trouvé ça super réussi. Voilà. Et puis je voyais des petits messages aussi de manufacture, par exemple, ça ça me fait plaisir. Je suis en congé aujourd'hui, pour une fois je peux voir la rue de presse en direct. <laughs> bon, bon jour de congé. Euh, Est-ce qu'il y a des modos Bien sûr, c'est Sekdo, s'il y a des modos. voilà Je vais saluer d'ailleurs. Euh, Gandalf, Listari ils sont déjà deux, et Xineko, merci à vous. Euh, sans vous, il n'y aurait pas Twitch. Merci pour euh, votre travail. Et regardez, par exemple, il y a Hiro qui a écrit, ça aussi ça m'a fait plaisir les enfants sont à l'école. Mon euh, grand aussi il est parti tout à l'heure et moi posé dans mon canapé avec un café pour vous écouter. Ici, on est en double dose puisque la caféine est euh, mon petit carburant. Un petit café au lait ici, et un petit expresso pour bien démarrer la journée. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un petit téléthon gaming, mais on va en parler aussi. Allez, je lis encore quelques-uns de vos messages parce que euh, je suis allé voir quelques messages postés tout à l'heure, il y a 5 minutes, alors qu'on était dans le sommaire. Je vois plein de petits messages sur la journée d'hier. C'est cool, merci beaucoup. Ah, il y a de, de l'IOSIS. Qui nous, qui nous écrit impossible de décrocher tellement c'était intéressant. Merci euh, Levantin, 89, pour ton soutien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de viewers qui ont regardé l'intégralité. 2h30, moi euh, ouais, j'ai 9h45, ouais. euh, 7h20, <laughs> parce qu'ils trouvaient ça cool. Car on inline, 93, merci beaucoup pour ton sub. Et euh, bah, ça m'a surpris, mais ça m'a fait très plaisir. C'était un double, un double pari, c'était de vous, de vous montrer comment on bossait. Voilà, et que ça travaille sérieusement, quoi. Euh, et qu'il euh, qu y ait une super ambiance parce que j'ai euh, la chance de bosser avec une super équipe. Ça, c'est le bonheur. Donc, merci pour vos tout petits messages sur ce qu'on a fait hier. Merci, eto et tous, hello, pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci, 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 Meul, c'est super gentil. Euh, quelques messages encore. Pas de petit T. Si, si, je me suis mis au T aussi. Merci, Elo lastico Merci, Crypt, pour ton soutien. Euh, je me suis un petit peu mioté aussi pour diminuer ma dose de caféine, puisque le médecin m'a dit que 12 cafés par jour c'était trop. Donc j'ai. Euh... <laughs> Donc j'ai baissé. Il y a Simple Terrien qui me fait rire, c'est pour ça que je rigole comme, une... comme un idiot, qui me dit pour l'opinion avec télématin, et ce qu'ils ont vu l'emprunt Parce que tous les matins à France Info, j'ai tous les journaux papier, euh, Le Parisien, Le Figaro, Les Échos, euh, L'Humanité. La Croix, le, les, les Hebdo, le Canard enchaîné, Conseil le Mercredi, etc., etc. L'équipe, bien sûr. Mister Oops, merci pour ton soutien. Mais il me manque l'opinion. Je ne sais pas. On reçoit plus l'opinion un journal que je trouve très intéressant. Je l'ai lu ce matin. Ne me dis pas que j'ai oublié de dire l'opinion. Oui, ok, j'ai oublié de dire l'opinion. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai oublié de dire l'opinion. Oh. Il est là. Et bon on va le lire en direct ensemble. Regardez, hop, il est là. Il est là. L'opinion. Avec une une sur euh, le résultat de la, du premier tour de la primaire LR. Qu'on s'intéresse ou pas à la politique, c'est vraiment très intéressant cette histoire, parce que c'est une énorme surprise. Que ce soit ces deux-là qui sont dans le sein de K, qui, qui soient au, au deuxième tour. On parle d'Éric Ciotti et de Valérie Pécresse. Il euh, y a énormément de papier là-dessus, parce que c'est une énorme surprise. Donc, euh, c'est pas grave. On, son, on rattrapera notre retard. Si j'oublie... Vous savez quoi On va faire une capture d'écran en direct. Hop <laughs> Là, c'est les coulisses de la matinée étienne Une petite capture d'écran, parce que je avec ma mémoire de... Moineau, je vais oublier. C'est pas grave, on lira l'opinion ensemble. Voilà. Et donc l'opinion le matin, j'ai pas la version papier à Télématin, et donc je me faufile vers 2h30 à mon arrivée dans, dans les bureaux de Télématin pour parce que je l'ai pas sur France Info. Donc et je me faufile pour leur chiper, mais ils ont plusieurs exemplaires. Et donc ça, vous l'avez vu en direct. Et a priori, ils ont pas vu euh, l'emprunt. Voilà. Donc voilà pour euh, la petite remarque de simple terrien. Euh, et merci Loulou Relou. Joli pseudo pour ton sub. Voilà. Euh, ouais, ce qui était rigolo, c'était de gérer finalement une double antenne, un double direct, puisque, notamment quand on a commencé l'antenne sur France 2 et France Info, donc j'étais à l'antenne pour pendant deux 2h30 non-stop. Hein, on n'a on a pas le temps d'aller. Euh, on n'a pas le temps de quitter sa chaise et d'aller prendre un petit café ou de faire autre chose quand on boit trop de café. Euh, on est vissé sur sa chaise parce que ça va très vite pendant 2h30. Et j'étais aussi en stream en même temps. Et donc, dès qu'il y avait un reportage, euh, une, en général, un reportage c'est 1 minute, une minute 30. Euh, je m'adressais euh, <laughs> au stream pour expliquer ce qu'on faisait. Un espèce de double direct qui était vraiment rigolo. Voilà. Ok, alors encore quelques messages parce que je vais vous lire les journaux quand même. Est-ce que j'aime bien le thé au final Ça commence, ça commence je commence à apprécier le thé. Ouais, Ouais, 12 cafés par jour, c'est un petit peu trop. On est d'accord. Est-ce euh, que j'ai travaillé avec Pépin sur l'alerte enfant euh, Pas encore. Ah, par contre, euh, euh, l'alerte raid animée de Pépin, de Pépipin. La géniale graphiste qui travaille sur mes émotes, il y en a plein de nouvelles, euh, doit être prête ou sur le point d'être prête. Mais on va travailler sur l'alerte enfant. Bon, là, je crois que Solal est en train de dormir, Malo est à l'école, donc on doit être cool au niveau des alertes enfants ce matin. Voilà. Ok. Tu prépares mieux ta matinée à la France Info que ton stream Twitch. <laughs> <laughs> non, j'essaie d'être aussi rigoureux dans les deux. Euh, c'est pas trop frustrant de répéter globalement plusieurs fois la même séquence lors de la matinale. Question de Steven, c'est vrai que euh, certaines choses se répètent. Par exemple, les chroniqueurs euh, politiques, économiques, sciences. Hop, la tablette s'est éteinte. Euh, les chroniqueurs lisent deux fois leur chronique principale parce qu'ils ont aussi une petite. Pour l'éco, pour la politique, pour le sport, etc. Deux fois, mais à des heures très différentes. Parce qu'en fait, une... il est rare que les téléspectateurs consomment pendant 2h, heures, 2h30, heures une matinale. Souvent, on vient le matin pour un quart d'heure, une demi-heure. Donc, on sait qu'on ne parle pas au même téléspectateur. Voilà. On le sait. Et puis, comme, euh, comme il y a une bonne ambiance, euh, certes, c'est la, la même actu, mais euh, souvent, euh, on, on dit d'autres choses, on réagit différemment. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas barbant pour moi. Et, euh, merci, euh, Tam Moiret pour le soutien et puis aussi, euh, bah, l'actu, c'est compliqué donc euh, entendre parfois deux fois la même chronique sur un sujet un peu pointu, c'est pas trop. c'est pas de trop. c'est pas de trop. <laughs> pas de trop. Euh, triple direct. oui, france 2 france info twitch, c'est vrai. en quelque sorte. et aujourd'hui, double direct puisque je serai sur france 2 à minuit 30, ce soir de minuit 30 à deux heures. est-ce que j'avais le droit d'annoncer à l'antenne que tu étais en stream pour montrer les coulisses? Je suppose que non. Question de Riyad. En fait, je ne me suis pas posé la question, mais je pense que j'aurais pu le dire parce que France Info, c'est très rigoureux, mais c'est cool aussi. C'était validé par la direction. J'aurais pu tout à fait dire aux, aux téléspectateurs de France Info qu'on était aussi en stream. Je n'y ai pas pensé. Peut-être la prochaine fois. Ouais, mais il faudra que je demande l'autorisation. On fait pas n'importe quoi. Mais c'est une bonne idée en fait. Ouais. Ok. Voilà. Merci beaucoup euh, Satanas Diabolo. Alors ça, ça me rappelle des souvenirs. Euh, Satanas Diabolo. excellent dessin animé. C'était fous du volant, je crois, pour les plus jeunes. Voilà. Et, euh, et merci pour le soutien. Merci Yoxineco. Merci pour vous êtes vraiment super cool hein, de soutenir l'activité du papy streamer. Ça va me donner envie de vous faire ple encore plein de surprises sur cette chaîne. Il euh, y en aura d'autres. Euh, les chroniqueurs n'avaient pas l'air d'être embêtés par le live. Euh, dit Jojo non bon, ils sont très habitués au direct quoi M même les plus jeunes donc euh, c'est juste un live de plus quoi et j'avais pas vu Pouh, merci là c'est attends il y a combien d'abonnements j'avais pas mais attends c'est pas possible attends 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 il y a, quel... a quelqu'un qui a offert il y a OS Blackfall qui a offert j'arrive pas à compter combien d'abonnements la communauté je n'arrive pas à compter c'est pas marqué c'est au... mais c'est au bas mot. Où... Je... je vais compter avec mon doigt parce que sais, normalement c'est dit, mais c'est fou, mais qu'est-ce qui se passe Eh, hey, merci, c'est trop gentil. Allons compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, au moins une trentaine. Euh, OS Blackfall, je ne sais pas ce que j'ai fait de bien dans une autre vie, mais merci pour les 30 abonnements offerts à la communauté là. Ça, c'est carrément cool. Merci beaucoup. Waouh, waouh. Wow, wow. Ouais, comme le dit Pépin Camille, c'est la fête aujourd'hui. 30 subs, 30 subs. Euh, c'est la première fois. Euh, là, on est à 4 mois de stream pour cette saison 2. 4 mois de stream pour la saison 1. Ça y est, on a, on a, dé, on a dépassé le, le premier record. Mais là, on va aller beaucoup plus loin puisque maintenant, c'est stream non-stop. Makinax, merci aussi pour ton soutien. C'est la première fois que je reçois 30 subs d'un coup. Pour la commu. Ah, ça, c'est vraiment super gentil. Waouh! Waouh! Folie! Folie. C'est vraiment sur un. Vraiment sûr, hein. Xineco, merci aussi pour ce troisième mois d'abonnement, c'est gentil. Et Luco à l'instant, merci pour le soutien. Pardon, j'étais en train de lire les, les messages, du coup, j'ai pas vu les, tous ces subs, notamment les 30 subs. Waouh! C'est bien de voir à quel point les chroniqueurs sont pros aussi, me dit le son nom. Ouais, c'est exactement. Euh, C'était mon pari, je voulais vous montrer. Merci, Glo Glory Hammer 3 pour le soutien. Euh, c'est ça en fait, c'est parce qu'on bah, ne on, on les voit pas, les coulisses, on voit pas comment les gens bossent, et on voit pas que les gens ils arrivent à, en pleine nuit à 2h à pour les premiers, 2h30, 3h. Voilà, merci euh, Rums Bullet pour ton soutien. Et il y a vachement de boulot en fait, sans compter que il y a les 2-3 heures du boulot du, de, du matin, avant l'antenne, mais ce travail il commence la veille bien sûr. Hein. Les chroniqueurs que vous avez vus, les journalistes échangent avec l'équipe, avec le rédacteur en chef notamment pour commencer. Merci Bourliam, merci beaucoup. Qui com pour commencer à parler des sujets. Voilà. Donc ils propose des sujets, le rédacteur en chef euh, en propose, il y a des échanges, je suis d'accord, je suis pas d'accord, non, il faudrait plutôt parler de ça. On se met d'accord, en boucle, hein, on a des, des boucles WhatsApp, euh, on se parle beaucoup, on se renvoie des mails. Euh, Société Simulateur, je n'avais pas vu ton soutien, merci beaucoup. Euh, et, euh, et puis à un moment, on se met d'accord, le rédacteur en chef tranche, et puis on part sur telle ou telle actualité. Et après, le journaliste, le chroniqueur, bah, va chercher les informations, les vérifie. Slovier, merci pour ton soutien, les vérifie, écrit son sujet, va chercher les images, fait des demandes d'illustration, d'infographie aux infographistes, euh, éventuellement euh, demande euh, à une équipe de tournage d'aller tourner des images, faire des interviews. Voilà, le travail il commence la veille. Donc, on voulait, enfin, je voulais vous montrer ça, voilà, cet énorme tra travail qui est en amont. Un, et deux, l'ambiance géniale qu'il y a entre nous. Et du coup, ben, c'est cette ambiance qu'il y a à côté, en coulisses. C'est vrai que malgré nos vies un peu chargées, on se voit un petit peu en dehors, on se fait des petits cafés parfois, euh, des petits moments, euh, deux, trois fois à l'année, pour, euh, des... pour se parler euh, en dehors du boulot, pour parler aussi de ce qu'on fait. Et, euh, et, et, euh, et cette super ambiance qu'il y a au quotidien entre nous, et c'est précieux, j'espère que vous avez la chance d'avoir ça dans, dans votre boulot, dans le cadre de vos études, euh, ben, ça se voit à l'antenne après. Parce que cette complicité... Euh, qui, et ce plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble, elle se voit à l'antenne après. Et voilà, c'est euh, ça qu'on voulait vous montrer. Euh, merci Makinax pour ce quatrième mois d'abonnement, puisque c'est. Merci sur le bureau aussi, euh, parce que ça y est, on est au quatrième mois d'abonnement, puisque quatrième mois de live. Euh, Est-ce qu'il y a un Téléthon Gaming ce soir Oui, Charlie Galls. Charlene Galls, c'est comme un charling Galls de la petite maison dans La prairie, mais au pluriel, je kiffe. Euh, oui, on en parlait tout à l'heure. Euh, un téléthon gaming sur France 2, minuit 30, 2 heures. On parle de jeux vidéo, on parle de streaming, on parle de solidarité, on parle du téléthon avec des streamers, euh, avec des, des jeunes, des personnes en situation de handicap qui sont des gamers et avec notamment, notamment, merci HQuality euh, pour ton sub, notamment Domingo, l'ami Domingo et l'ami Little Big Whale qui sera mon invité dans quelques semaines d'ailleurs sur cette. Chaîne. Merci, La Link, Merci, Gloria Meur. Je t'écoute pendant mes révisions de partiel. Merci pour ta bonne humeur dès ce matin. Merci et merci à Pig. Pig. Pigsac. Pour ton soutien. Euh, bon. Et ah, j'avais pas vu Roms Bullet qui offre aussi 5 abonnements à la communauté. D'être trop gentil. Ça va générer, me dit, un nouveau respect envers la profession. vous inquiétez pas, les nouveaux, les nouvelles. On va lire les journaux ce matin. Mais je trouve que cet, cet exercice, euh, au-delà du fait qu'il se soit bien déroulé, merci euh, Telk071 merci beaucoup euh, il est, il, il, est il, il, il illustre tout ce que je veux faire ici, enfin je suis surtout venu passer du bon, du bon temps avec vous parce que j'aime je, je, bien cet échange qu'on a au quotidien sur l'actualité, parce qu'on essaie de la comprendre ensemble et en échange d'ailleurs merci Flomelki76 pour ton soutien mais aussi c'est quelque part l'idée que j'aime ce métier euh, que, qui est un rêve d'enfant réalisé, j'ai toujours voulu être journaliste et je trouve que le regard des, des, des Français, notamment sur ce métier, il est dur. Hein. Dans les enquêtes d'opinion, on dit vraiment euh, pique-pendre des journalistes. On a une sale image. Et alors, je comprends les reproches, certains reproches qui nous sont faits, mais quand même, je trouve ça très dur. Et donc, euh, à, à, à mon modeste niveau, j'essaie de montrer comment on bosse et que euh, parfois on fait des erreurs. C'est un travail humain. Parfois, on se trompe dans nos analyses. Euh, merci, Steida. Euh, pour ton soutien et il y a Bridgette qui m'indique que Pépin Camille avait offert 25 subs hier. Ça quand je suis. Merci Pépin Camille. Quand je quand je suis en quand je suis en live sur le téléphone je vois pas je vois pas tout. <laughs> Notamment je vois. Très peu, très mal les subs. Donc merci Pépin Camille et merci euh, de Jouaris à l'instant. Et donc, eh ben euh, les coulisses hier de notre travail, c'était bah, euh, toujours cette idée de vous montrer comment on bosse et que voilà il y a, y a à défaut d'être parfait, en tout cas il y a de l'honnêteté, il y a de la rigueur, il y a du doute, il y a de l'interrogation. On parle beaucoup ensemble, euh, voilà. Euh, et je pense que ça peut contribuer effectivement à bah, créer un, un meilleur lien entre les les, les citoyens et les journalistes. Lishanis. Slovier, merci beaucoup pour tous ces soutiens, vous êtes trop cool. Euh, merci, princesse Nanou, adorable. Voilà. Et puis, il y avait y a Gandalf qui parle, qui est à la fois euh, follower, abonné et euh, <laughs> modérateur, le combo, quoi, qui dit, j'ai aussi aimé vos échanges en off, notamment avec Lorraine, Lorraine qui était euh, au JT hier. Alors, c'était une très belle découverte parce que... Euh, la journaliste titulaire des journaux le matin, c'est euh, Clémence de la Baume, qui est géniale et qui est un petit peu souffrante, donc était absente quelques jours. Et c'est Lorraine qui l'a remplacée pendant deux jours. Jeune journaliste, elle est vraiment à ce tout début, mais alors elle a une aisance à l'antenne étonnante, une rigueur dans l'écriture de ses textes. Voilà. Moi, je suis un vieux machin, je dois avoir deux fois son âge, et donc je, regarde, je, je suis toujours très attentif à la façon dont les jeunes journalistes qui rejoignent l'équipe travaillent, bien sûr. Et là, j'ai été totalement bluffé, quoi. Euh, J'espère que j'aurai l'occasion de retravailler avec elle. Ok. Euh... Ok, ok. Désolé, mais tous vos messages sont tellement cool qu'on va peut-être prendre un petit peu de retard ce matin dans la lecture des journaux. Euh... Tu penses pouvoir faire la même chose avec question pour un champion, me demande Belou. Euh, je vais être tout à fait honnête, je vous cache rien, totalement transparent. Je vais saluer, je, je fais un petit coucou à mon épouse parce que vous avez entendu quelqu'un tousser à l'instant. Ça va ma puce T'es pas malade parce que Hélène est en télétravail euh, ce matin, voilà. à mes côtés, donc ça, ça, je suis toujours super content quand elle est là, à côté de moi. Euh, Question pour un champion, j'avais prévu de le faire, j'avais prévu un stream de 11h dans les coulisses de Question pour un champion, toute une journée de tournage, six émissions, on allait se régaler, et puis au dernier moment, eh ben, à France Télévisions, il y a quelqu'un qui a dit, ah ouais, mais du coup, on va spoil les émissions qui vont être diffusées un mois, un mois et demi plus tard, euh, et, euh, et du coup, bah, du coup on ne l'a pas fait. Voilà. Moi, je pense que c'est... Franchement, ce n'est pas grave parce que je, le public de Twitch et le public de questions pour un champion n'est pas forcément le même. Je pense que spoil une émission en mode dégradé, puisque vous auriez vu euh, vous auriez à peine vu les candidats jouer, vous m'auriez vu, j'aurais mis la caméra sur moi pendant qu'on jouait. Voilà. Euh, donc ça aurait été quelque chose de très, très dégradé. C'était plus pour vous montrer ce qu'il y avait entre les phases de jeu. Mais je, merci, Macnav pour le soutien. Je n'allais pas, pas couper le stream à chaque fois qu'on commençait une phase de jeu. Il y a trois phases de jeu. Par émission, 9 points gagnants, quatre à la suite, face à face, il y a six émissions par jour, ça faisait 18 phases de jeu, je n'allais pas faire 18 streams dans la journée, ça a aucun sens. Et donc, euh, euh, bon, je, pense, moi je, suis pas, je pense que c'est dommage parce qu'effectivement, au spoil, une émission qu'elle allait être diffusée un mois ou deux mois plus tard, euh, dont tout le monde allait oublier, avec des candidats qu'on allait à peine voir jouer, en tout cas, puisque ça aurait été en mode très dégradé sur ma chaîne, bah, ce n'était pas très grave. Mais, euh, évidemment, je ne stream pas sans l'autorisation de ma direction. C'est une autre direction, puisque ce n'est pas la direction de l'information, c'est la direction des programmes. Je pense qu'ils vont réfléchir à ça et peut-être qu'ils vont venir vers moi. Après avoir vu notamment que la matinale de France Info, les colis, c'était cool. Donc pour, pour question pour un champion, en tout cas, j'ai mis ça de côté. Moi, je ne force pas. Euh, Napoléon, merci. Qui s'abonne, euh, qui s'abonnera pour Noël. <laughs> merci. Pour son quatrième mois d'abonnement. Voilà. Donc euh, peut-être qu'ils vont, ils vont, ils vont revenir vers moi. Mais après, c'est compliqué, hein. Vu du monde de la télé, le stream, Twitch, les nouveaux écrans, voilà. comment on s'adapte, comment on crée des passerelles Il faut aussi préserver les intérêts de, de, de la chaîne. Hein. C'est vrai que. Euh, Bractar, merci pour ton soutien. C'est vrai que le côté spoil d'une émission dont on réserve la primeur aux téléspectateurs d'une chaîne quelques semaines après, ça a du sens. Hein. Moi, je comprends l'argument. C'est pour ça que je ne me suis pas mis en colère. Euh, merci. Nice12. De toute façon, il ne faut pas se mettre en colère dans la vie. c'est pas bon pour la santé. Mais peut-être qu'on le fera plus tard. Euh... Merci beaucoup Shadow Homans pour ton très gentil message. Euh... Ok, on va peut-être commencer dans un instant. Vous savez combien... ouais, 28 minutes quand même qu'on discute ensemble, c'est cool. <laughs> euh... Ok. Allez, un petit dernier. Et puis on... et il puis, et puis faut que je lise les journaux quand même. 30 minutes, c'est bien. Faut pas Parce qu'après, on... Hein on oublie les journaux. Un petit dernier. Euh... Ah merci, fan fan. fan. C'est très gentil. J'adore le blabla matinal, me dit Just. Oui, mais... <laughs> C'est quoi, on, fait un, on va faire un sondage euh, Est-ce qu'on continue le blabla encore 10 minutes ou est-ce qu'on commence les journées euh, Je vais lancer un sondage dans un instant. Juste, euh, fan fan me dit, ça me touche, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et de ne pas te braquer sur les déconvenus et de le prendre pour devenir plus fort. Euh, C'est juste qu'en fait... Euh, il y a tellement de choses à faire dans une vie, dans une journée, que quand il y a un truc qui ne marche pas, quand on a fait ce qu'il fallait, eh il ben, faut passer à autre chose. Quoi. Euh, sinon, c'est une perte de temps euh, de, de ressasser un truc qui n'a pas marché. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui euh, marche ou ce qui va marcher. Par exemple, le, quand, quand j'ai compris que pour France 3, ce serait compliqué de streamer euh, Question pour un champion, le lendemain, j'ai proposé à France Info de faire l'émission sur les coulisses de la matinale. Euh, le jour d'après, ils acceptaient et bim, c'était parti. Ça, je pense que c'est la bonne attitude. Hein vous n'êtes pas d'accord On enfin, fait un sondage Vas-y, vas-y, ça n'a pas marché. Alors, nouveau sondage. Alors, encore 10 minutes de babla alors, alors, que, 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 que faisons-nous Est-ce que vous entendez la douce musique du clavier d'Hélène à côté J'adore. Ça bosse, ça bosse. Peut-être même que quelqu'un bosse dans cette maison. Que faisons-nous euh, Dix minutes, encore dix minutes de blabla. C'est vous qui... La, ici, c'est la démocratie. Voilà. Ou, ou on, commence les, on, on commence les journaux. Voilà. Voilà. C'est vous qui votez. 10 minutes de blabla, d'échange sur, sur ce que vous voulez. Ou on commence les journaux. Et c'est vous qui votez. Comme ça, c'est cool. C'est parti. Euh... Ok. Merci Anonyme31, c'est super gentil. Ah, le petit émo de sondage <laughs> C'est Pépin qui l'a fait. Euh, Google 35, merci. Il est vilain peut-être Ou c'est ton âge Dans tous les cas, c'est cool. Euh, la petite... Ouais, c'est Pépin qui a travaillé sur cette émo de sondage. Elle est jolie. Alors, voyons le sondage. Ok. Euh, ah, on commence les journaux 59%. Ok, 60. 40 pour 10 minutes de blabla. Eh, ça va être les journaux il n'y a pas de problème. C'est cool. Bah, ça tombe bien, c'est prêt. Voilà. voilà. Mon personnage préféré de la petite maison dans la prairie, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est très loin. C'est très, très loin. Euh... Bah, J'aime bien le papa, il avait l'air trop gentil. Le, 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 la famille sympa, là, parce qu'il y avait les méchants, là, il y avait les... Hélène, tu te rappelles la petite maison dans la prairie là, Il y avait les gentils, il y avait les Ingalls. Oui, t'es trop, trop jeune pour avoir connu ça. Elle est trop jeune. Elle vient, vient de me mettre un gros taquet là. Et, euh, je ne savais pas que c'était autorisé, les tacles au niveau des genoux viennent qui vient de me dire « C'est trop vieux, c'est trop vieux. Je n'ai pas vu, tu n'as pas regardé. » Ok, bon je n'insiste pas parce que là je prends très cher, très très cher. Donc moi c'était la famille des gentils hein. le papa qui était trop cool, toujours calme, toujours le sourire. Il pouvait avoir les pires problèmes, il était zen, la maman trop gentille. Voilà. Puis la petite fille, celle qui se cassait la margoulette. Merci Cropiette, dans les hautes herbes pour le générique. Pour ceux qui n'ont pas connu, pour les plus jeunes, euh, ils doivent se demander ce que je dis. Ok, le sondage est super clair. C'est On commence les journaux. Voilà, c'est 60-40, mais il y a une majorité. Donc, let's go. Ok, c'est cool. Voilà. voilà. Bon. Les journaux, les voilà. Euh, Ground Coffees. Merci pour ton soutien. Donc, on va commencer par un petit sommaire. Donc, on s'est mis l'opinion de côté parce que j'ai oublié. Pour ceux qui sont là 10 minutes, enfin on va dire un quart d'heure, 20 minutes encore, eh ben vous allez avoir l'essentiel. Hein, voilà. Donc, même si vous n'êtes pas avec moi 3 heures ce matin, vous aurez euh, Cropiette, merci beaucoup. Et Melo Rainbow aussi, pour euh, le soutien. Euh, et donc, ceux qui sont. Euh, non, l'horoscope, c'est pas maintenant. Vous n'avez que 20 minutes, allez, je vous donne l'essentiel. Et après, on prendra le temps et on, on lira euh, tout ça. Euh, le Parisien. Alors, il y a deux choses. Vous voyez euh, l'affiche de, du deuxième tour de la primaire à droite, LR, pour la présidentielle, qui sera le champion, la championne du, du parti LR à la présidentielle. Euh, bah, c'est donc quasiment tous vos journaux ce matin parce que c'est une grosse, grosse surprise. Euh... Ponce, Ponce, Ponce Non, c'est Ponce, Ponce je vois un message de Ponce, mais c'est Ponce, 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 le Ponce. En vrai, non, mais en vrai. Est-ce que c'est Ponce, Ponce, mais c'est Ponce, le, le Ponce. C'est pas, pas possible. Il y a Ponce, il y a Ponce qui vient d'écrire. Oh Samuel, petite anecdote. J'ai enseigné les maths dans un collège en 2015. Ça, je savais que Ponce avait été enseignant et j'ai été recruté vers le bon coin. Et justement, on va en parler ce matin. Regardez, prof absent, le bon coin à la rescousse. Mais et donc, euh, c'est le Ponce. Vous me le confiez. C'est lui Non Balancez les fleurs, quoi. Balancez. Non, mais sérieux Waouh Mais c'est folie. On se fait raid par Zera hier on se fait raid par Little Bigwell. Et, et Ponce est là Pff, Bon, ben bah, voilà. Je... Mais je suis béni des dieux, ou quoi. Alors, je savais. Ben, merci d'être là, c'est cool. Euh, effectivement, ben, je savais que, que, que Ponce avait été en, euh, enseignant euh, à un moment, euh, avant tout ça. Et. Euh, alors ce que je savais pas et ce que ponce vient de nous dire c'est que hop j'en viens sur le message parce que c'est vachement intéressant parce que c'est exactement la une du Parisien en fait. Voilà, ça y est, les fleurs seront là, c'est cool Génial. Voilà. Euh, petite anecdote, j'ai enseigné les maths, les maths dans un collège. En 2015, j'ai été recoté par le Boncoin. Merci Chili pour le soutien à l'instant. Ah, oh, c'est incroyable Voilà, ben, lisons justement ce papier. C'est tellement cool de... Non mais genre t'as as un des plus gros streamers français. Merci. Euh, qui, qui, qui est là, qui passe, euh, qui regarde, merci Zidane, et en plus euh, nous, nous apporte une info qui contribue à, à cette histoire. Le bon coin à la rescousse, donc de quoi s'agit-il euh, Où sont les professeurs Bon, il y a un vrai problème en France, euh, on a plein de professeurs, enfin plein, n'exagérons rien. Euh, il y a des professeurs qui ne sont pas remplacés, donc c'est très, très, très problématique pour les élèves, bien sûr, voilà. Euh, et, euh, et en plus, il y a un problème de, de vocation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats aujourd'hui au poste de professeur. Quelqu'un me dit que Ponce a remis un message, évidemment, je l'ai raté. Euh, Dites-moi dans le chat ce que Ponce a dit, s'il a ajouté une info sur cette, euh, cette histoire. Parce que je là Ah euh, Là, je, je, je laisse celui-là. Euh, je passe parfois le matin, mais. Pff, merci. Et puis, je vois que tu Et en plus, tu as le petit, le petit badge du, 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 du sub, quoi. Euh, je passe parfois le matin et ce titre m'a marqué, donc je, je me suis permis l'anecdote. Ok. Mais pff, bon, euh, écoute, je suis un peu, ça se voit, je suis un petit peu troublé parce que je ne savais pas que tu, que tu passais le, sur la matinée, Étienne, de temps en temps, et ça me touche vachement. Je vais reprendre mes esprits quand même pour avancer sur cette histoire, mais merci, merci. Donc, où sont les professeurs Depuis la rentrée, il n'y a jamais eu autant d'absences non remplacées dans l'éducation nationale, donc c'est problématique. Euh, tous les moyens sont bons pour tenter d'y remédier. Appel à des enseignants retraités et même petites annonces sur Internet. C'est ce que Ponce nous disait un instant sur Le Bon Coin ou à la radio. On va se pencher tout à l'heure là-dessus. Vous voyez, ces profs qui manquent à l'appel. Oh, J'avais raté le, le jeu de mots tout à l'heure. Euh, ces profs qui manquent à l'appel. Je valide. À l'appel. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Euh, il manque à l'appel aussi l'appel qu'on fait en classe par exemple euh, voilà donc on lira ça j'avais loupé le jeu de mots et puis alors beaucoup d'articles ce matin sur cette finale totalement inattendue comme le dit le parisien euh, entre ben, ces deux personnalités voilà euh, Eric Ciotti considéré comme euh, à droite de la droite c'est à dire qu'il est il est chez LR le plus proche euh, du rassemblement national je, Enfin, dans ses idées, ses propositions. Euh, il, a il a déjà indiqué, par exemple, dans le passé, que lors du second tour, Macron, Marine Le Pen, il n'avait pas voté. Et il a aussi dit déjà que s'il fallait choisir entre Macron et, euh, euh, et Éric Zemmour, il voterait pour Éric Zemmour. Donc, je, dire, je, pense, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'il est chez LR, mais il est toujours chez LR, c'est ça qui est important aussi. Hein. Il n'est pas en dehors. Chez LR, il est le plus à droite. Voilà. Et Valérie Pécresse. Merci euh, Snack Remus pour ce troisième mois d'abonnement, qui, euh, par ailleurs, euh, a beaucoup durci son discours aussi, notamment sur euh, l'immigration. Donc, cette, ce, ce second tour est très inattendu. Il y avait des rumeurs depuis quelques jours qui disaient que Eric Zemmour, là, ou le lapsus, oulala, oulala, clippez pas ça, euh, que Eric Ciotti pouvait créer la surprise. Moi, j'y croyais beaucoup et se retrouver au second tour. Euh, donc, ça, surprise confirmée. Et Valérie Pécresse, grosse surprise, puisque Xavier Bertrand était, euh, malgré ses soucis avec les militants, puisqu'il avait quitté le parti, il était revenu après, était quand même parmi les, les favoris, puisque euh, dans, un, dans les sondages du premier tour de la présidentielle, c'était lui, oubliez le lapsus, dans les sondages pour la présidentielle, non pas auprès des militants, mais des Français, c'était lui qui était en tête, voilà, sauf que là, ce pas les Français qui votaient, c'était les militants. Donc euh, il n'est pas là, Michel Barnier qui a un moment aussi dont on a dit, l'ancien commissaire européen, euh, qu'il euh, était parmi les favoris, bah, voilà, il est out aussi. Donc beaucoup de papier ce matin à la mesure de la surprise. De la surprise. Euh, on parle un tout petit peu du Téléthon aussi avec le programme sur France Télévisions euh, pour aujourd'hui et euh, demain, avec donc un, un, petit, un petit programme présenté par votre serviteur sur France 2. C'est parti, le premier qui me donne son signe astrologique, il a le droit, c'est la petite bataille du matin, à son horoscope. Et c'est... Taureau. <laughs> je vais en lire deux parce qu'on a déjà fait Taureau la dernière fois. Euh, donc MMG, euh, trop rapide. Je me demande, c'est pas la... C'est pas, pas la première fois que tu gagnes, toi. Et on lira euh, Scorpion aussi, avec Riyad qui arrive en deuxième position. Ça y est, je vois les signes astrologiques qui défilent, qui défilent, qui défilent, défile, défile, c'est trop tard. Je prends que le premier... Et comme on a lu taureau récemment, et ben, ce cas scorpion aussi. Euh, taureau, on commence Coeur. vous avez trop tendance à vous sous-estimer ce qui freine votre relation. Bah ben alors, elle est taureau. Moi, je suis taureau, moi. Hélène, vous avez trop tendance à vous sous-estimer ce qui freine votre. Tu trouves que je me sous-estime Pas trop, hein, j'ai plutôt un gros boulard. Hein. J'ai plutôt un gros melon. Elle ne le dit pas, mais moi, je le dis. Donc ça, c'est bizarre. Euh, réussite, vous remettrez volontiers en question vos capacités professionnelles. Bon, en tout cas, ouais. <laughs> Et, à ah, forme, le stress diminue. Tant mieux, j'ai un direct sur France 2 ce soir. Ok, ça c'est taureau. Et j'ai dit scorpion exceptionnellement, je fais deux signes aujourd'hui. Donc, scorpion, on descend. Cœur, c'est le moment ou jamais pour prendre un nouveau départ. Hey, Bon, c'est cool si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple... Euh... Euh, les, les, comp les compagnons, les compagnes des scorpions, là, attention, hein, c'est le moment venu pour prendre un nouveau départ. C'est pas bon, ça. Hélène, t'es pas scorpion, hein Non, c'est okay, rassurant. Réussite, voici une bonne période pour les contacts professionnels. Oh, en vrai, scorpion, c'est cool. Et forme, vous avez besoin de vous détendre. Ah, voilà. Euh, bah, Hélène, elle est, Hélène, elle est bélier. Je lis juste. N'écoute pas, Hélène, hein. Vous serez sur un petit nuage de bonheur, quelle que soit votre situation. Hélène, cœur, vous serez sur un petit nuage de bonheur. T'as vu bah, J'espère que c'est grâce à bois. Elle dit, bah oui, mais bon, quand même. Hein euh, réussite. Ah, ça, c'est très important, réussite. Vous aurez du pain sur la planche, mais vous ne serez jamais pris de cours. Alors, c'est exactement ça, parce que Hélène, elle a repris ses études en plus du taf, parce qu'elle a un peu, comme moi, un petit rapport au travail un peu étrange. Et donc, euh, elle fait un un MBA, MBA, en plus du taf, et les examens approchent. Donc là, on est au top, Hélène. On est au top. Vous aurez du pain sur la planche, mais vous ne serez jamais pris de cours. Euh, forme, besoin de repos. Alors je ne, crois, je, je ne crois vraiment pas trop aux horoscopes, mais le tien, <laughs> c'est la vie d'Hélène, quoi. Incroyable. C'est fou. Ça y est, je recrois aux horoscopes. Euh, Borquette, merci pour ton soutien. Non, pas en NBA, en MBA, un MBA, Master of Business Administration, un truc comme ça. C'est des études, c'est des études, voilà. voilà. Bon, les études, euh, Hélène va être bientôt bien plus diplômée que moi. Voilà, c'est imminent, ça va se passer d'ici euh, une semaine. Voilà, dans le domaine, euh, dans, dans, dans quel domaine Dans le domaine euh, du numérique, Internet, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, la, la, la geek à la maison, c'est euh, Hélène. Euh, regardez, quand je vous disais que cette histoire de Ciotti et de Pécresse, c'était la une de vos journaux. Hein. Voilà, il y a Inch qui valide à mort cette une. C'est vrai qu'elle est top. Hein, c'est le détournement d'un célèbre tableau. Donnez-moi la rêve, je l'ai plus. Je sais que c'est le détournement d'un célèbre tableau d'un peintre américain, mais j'ai totalement oublié le nom de cet artiste. Pouvez-vous. Euh, c'est American Gothic. Voilà. Non, c'est pas la Joconde. C'est American Gothic. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Merci. à ah, Qui. Qui, 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 C'est American Gothic. On va aller voir. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je, je voyais où ça allait, mais je ne me rappelais plus du nom du tableau. Célèbre tableau. Je crois que c'est Grant Wood, le peintre. C'est ce le résultat que j'ai là. Voilà. On y est. Voyons. Ting, Ça, c'est un écran noir. Et ça, c'est ce qu'on cherche. American. American Gothic, c'est le nom du tableau. Hop, voilà, il est à droite, là, vous voyez. Tac. Donc effectivement, si vous prenez, euh, hop, Libération. Oh, mais... Ah mais c'est ouf. Mais non, mais non. Ce qui est, ah mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait le le monsieur du tableau. Ah non, mais il a la tête de Ciotti Ah mais non. Ah non, mais moi je je m'arrête parce que je trouvais rigolo de d'avoir détourné le tableau mais, mais c'est le même Hélène Hélène regarde ok ça c'est le tableau d'accord là ça c'est la lune de Libé c'est le même c'est ouf oh mais uh, Nubi One merci pour ton soutien ah non la folie la folie et regarde derrière quoi ah oh, là j'avais pas vu la fenêtre oh, ils sont trop... Oh non mais j'avais pas vu j'avais pas vu alors sur le tableau sur le tableau il n'y a personne à la fenêtre d'accord voilà je oh, j'avais pas vu. Et il y a Xavier Bertrand à la fenêtre. Oh, Allez, ah, génie. Alors, ils en font, ils en font des belles unes. Ils en font des belles unes. Mais alors là, ils se sont surpassés, quoi. Ah, mais j'avais raté, en fait. Bon, j'avais vu la une, mais ouais, c'est cool. Euh, voilà. Euh, c'est bien ce petit détournement de... Mais j'avais pas compris, en fait. Ah, c'est fou. Ok. On retourne sur euh, American Gothic pour voir un peu l'histoire du tableau, parce qu'on est aussi là pour être plus savant. Hein, Peut-être que vous viendrez jouer à la question pour un champion bientôt pour gagner plein de, plein de choses. Donc, American Gothic, tableau de. Quelle année déjà 1930, de Grant Wood. Voilà. Euh, manifestement, on peut le voir à Chicago. Wood, inspiré par une maison atypique, donc celle où on voyait Xavier Bertrand tout à l'heure, conçue dans le, un style d'Europe médiévale. Quand on faisait une maison un peu étrange qu'il avait vue. C'est cette maison, ça je connaissais l'histoire effectivement, qui lui a donné l'idée de ce tableau. Voilà, notamment la présence d'une fenêtre supérieure avec. Euh, une ogive euh, enfin trois arcs en ogive précisément comme dans les églises gothiques voilà. et du coup il a vu cette maison c'est vrai que l'histoire je l'ai lu une fois il a vu cette maison et il a essayé d'imaginer les personnes qui pourraient vivre dans cette maison voilà et donc euh, a priori on représente ici un paysan avec sa non pas son épouse d'ailleurs parce que tout le monde pense que son épouse euh, pour le peintre c'est sa fille à côté merci Miss Mellis pour ton soutien c'est sa fille euh, célibataire, précisait le peintre. Voilà. Donc la fille célibataire, c'est pécresse pour le coup pour Libération. Et pour euh, et, et le, et le, et le, le, le père agriculteur, c'est donc Eric Ciotti. C'est drôle. C'est l'une des images les plus connues de l'art américain du XXe siècle. Souvent parodiée dans la culture populaire américaine, et de, on, va, on va modifier l'article de Wikipédia. Euh, par libération donc. Wow. Alors, juste un mot du contexte parce que c'est ça qui est important aussi. C'est aussi une explication du succès du tableau. Euh, le tableau a été peint donc en 1930. Je vous l'ai dit juste euh, après la, le, le crack l'énorme craque boursier de euh, 1929, voilà. avec la crise énorme aux États-Unis. Les gens sur les rues, dans les, dans, sur les routes, je veux dire, à la recherche d'un emploi. Enfin, c'était, ouf. Après, elle est arrivée un peu plus tard en, en, en Europe cette crise. Et donc, du coup, la situation du monde rural se dégrade. Euh, les paysans doivent rembourser leurs dettes précipitamment. Enfin bon, c'est voilà, le bordel, excusez euh, l'expression. Et du coup, ce, ce, ce tableau est aussi euh, une illustration de la détresse des Américains de l'époque, notamment dans le monde rural. Voilà. Euh, là, je, je me suis un petit peu pris pour euh, la mi-étoile. Hein un petit peu là, dans mes explications. Euh, retournons quand même à libération parce que c'est ce qui nous a intéressé de prime abord donc en tout cas masterclass de libé là avec cette une c'est totalement fou lr austère même le mot hein. lr austère moi je le comprends comme vous vous le comprenez comment le jeu de mots la trétrix qui me dit regarde le titre le jeu de mots est absolument incroyable lr austère moi je, je le prends comme est eh, lr toi est l'air austère. Ah ou l'air austère. Ah ouais. ouais. Moi je le vois comme plutôt est, toi, est l'air austère, puisque chaque candidat quasiment a durci son programme à droite vers, euh, en matière notamment de, de lutte contre euh, l'immigration. Voilà. Donc c'est l'air austère parce que ça paye élector électoralement. Mais ce que vous me dites aussi, c'est euh, l'air, l'air, l'air. L'époque est austère aussi. Euh, c'est intéressant ouais. mais moi je, je pense que l'idée de l'idée de, de, de cette injonction donnée aux, aux, aux candidats de droite de durcir leur, leur discours justement parce qu'électoralement c'est payant <laughs> Ciotti, il est au deuxième tour c'est l'illustration de ça à mort ça peut être ça aussi donc allons sur l'actualité je suis censé être dans le sommaire hein. le sommaire le sommaire de deux heures quoi vainqueur surprise du premier tour de la primaire le très droitier Député des Alpes-Maritimes affrontera la présidente de la région Île-de-France. Le mieux placé dans les sondages, Xavier Bertrand, il est là, est éliminé. Ok, donc on lira ça. Édito de Paul Quignot, très droitier. Qu'est-ce qu'on est qu serré au fond de cette droite Donc euh, ça, c'est encore un détournement de libération, mais de la chanson de Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'on est qu essaierait au fond de cette boîte C'est la chanson Les Sardines, parce que c'est une grande culture musicale, très exigeante comme vous le voyez. Et là, c'est qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette droite libération très en forme. Bon, après c'est un journal de gauche qui l'assume totalement, donc en général, en général libé pour taper sur la droite, euh, c'est de, de bonne guerre. Hein. Le Figaro fait ça de l'autre côté, euh, ils sont en forme. Voilà. Qu'est-ce qu'on est serré au fond, voilà. Euh, et puis euh, j'étais pas en stream quand euh, Monsieur Eric Zemmour a, a dévoilé sur Internet sa, sa vidéo d'annonce de, de candidature. Oh le, ça y est, ça s'arrête. Ça vous êtes toujours là. Voilà, il y a l'ami euh, Poulpe. Euh, et la chaîne Chez Poulpe. Chez. Chez Poulpe. Voilà. Double raid. Ah bah l'autre va s'afficher dans un instant aussi. Qui raid avec 371 viewers. Merci à vous. C'est le... devenu un raid quotidien de l'ami Poulpe. Voilà. Et un autre va peut-être suivre dans un instant. Mmh. Euh, et fait, ça fait vraiment très très plaisir. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Euh, on était en train de lire les, les journaux et je vous disais... Euh, ah, ah j'ai une invitation à manger D'accord. Ok. Euh, pourquoi Parce que <laughs> la, 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 la blague, c'est que les amis qui nous raident ce matin euh, euh, mettent des petits messages dans, la, dans leur bio. <laughs> euh, merci, Simple Tarien, pour le soutien des petits messages dans leur bio euh, avec des petites blagues destination de, de nous. Voilà, il faut les lire. Voilà. Alors, hop. Attendez, il faut que... ah oh, mais j'arrive pas à... Euh... Attendez, j'ai pas fait le bon truc. Oh, ça me le dit... tienne. Voilà. Alors, allons, voir, allons voir. Mais j'arrive pas à accéder à tout. J'ai accès, à... accès qu'à moi. Je, je veux pas accéder à moi. Je veux accéder aux autres. Ah, voilà. Voilà. Ah ben bah je vois, hop, voilà. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh, c'est... Mais non, mais ça, ça... Non, ce, cette bio, on l'avait déjà la dernière fois. Euh, chez Poulpe, stagiaire sur Twitch. Euh, je compte décrocher un CD, la force de mon mental. Ça va venir, t'inquiète pas. Euh, Samuel Etienne, reviens à la maison, tu nous manques. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour les enfants. Je te ferai ce clafoutis au Mirabel que tu aimes tant. Je crois que c'était... Euh, c'était déjà... C'était déjà, euh, déjà, euh, déjà, euh, déjà le, la bio de la dernière fois. voilà Mais ça me fait toujours aussi plaisir. Donc, euh, je vous disais que quand Eric Zemmour a dévoilé sa, sa fameuse vidéo, son annonce de campagne, eh ben, euh, je n'étais pas en stream parce que j'étais en double journée. France Info, question pour un champion. Merci Huroulon pour ton soutien. Et du coup. Euh... Non, ça fait pas trop. Il y a Huroulon qui demande est-ce que quatre sucres dans le café, c'est pas trop Quatre mois d'abonnement Non, c'est très très bien. Et euh, je n'ai pas, pas, pas pu vous en parler. Mais bah, on a un article ce matin de Libération qui a donné la parole à deux spécialistes. Euh, L'une est sémiologue, donc spécialiste des mots, okay et euh, l'autre, historien des cultures visuelles, qui décortique la vidéo. Bon, alors c'est. C'est Libération qui en parle, donc vous imaginez que ça n'est pas très, 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 très positif pour Eric Mais bon, c'est des éléments de réflexion, puis après, vous les prenez, vous vous, vous les vous les, vous, vous les appropriez ou pas. Moi, je ne propose que des lectures d'articles, de, des arguments, des, des réflexions. Et, euh, et après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Shadow Mans dit Lis-nous cet article, on va le lire, bien sûr, tout à l'heure. Mais là, c'est sommaire. Regardez, le Figaro. C'est aussi la Une Figaro, cette histoire. Ciotti et Pécresse ont duel pour incarner la droite. Alors le Figaro, euh, bizarrement, euh, comment dire Beaucoup moins gêné que Libération par ce deuxième tour. Voilà. Euh, ligne droite, regardez l'édito en bas. Ligne droite. Ligne claire. Voilà. Libération est content de ce. Ils le disent ce matin, de le Figaro, de, de ce durcissement du... du du discours à droite, du glissement vers un peu plus de droite, notamment sur la question de l'immigration, ils s'en félicitent vous verrez. Donc c'est pas du tout la même lecture, la même lecture que Libération, et c'est tant mieux parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, comme ça, ça nous donne différents regards. Regardez la victoire de la méthode et de la clarté. La victoire de la méthode et de la clarté. Donc c'est quand même extrêmement clair. Non, Leb Pascal, c'est Figaro qui est content, c'est pas Libération. Suis un petit peu. Enfin, bon. Euh, tout à l'heure, on, on se penchait sur la une du Parisien sur, euh, comment dire, le, les profs pas remplacés, le problème que ça pose aux, aux enfants et aux parents. Euh, le Figaro se, 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 se penche sur ce rapport de la Cour des comptes qui dénonce ça et, euh, et dit que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et les enseignants sont pas d'accord avec ce constat. et disent que c'est moins grave et qu'il ne euh, faut, faut, faut pas exagérer. Bon, on lira ça aussi. C'est un truc qu'on a suivi ces derniers jours. Euh, vous savez, monseigneur Opetit, donc l'archevêque de Paris, a, a présenté sa démission au pape. Et euh, la surprise, elle étant une de la croix, il a accepté très très vite. C'est pas du tout euh, l'habitude du pape François. Et puis en la matière, euh, euh, l'Église aime bien prendre le temps. Ah, j'avais fait un lapsus, pardon. En fait, pardon Pascal. Pascal me dit que j'avais dit que Libération était content. Donc je me suis trompé, pardon pour le lapsus. Et donc en fait le pape François a super vite accepté la démission de Monseigneur au petit. Et bon, on verra pourquoi. Est-ce qu'il a eu une liaison avec une femme Est-ce que c'est pas une autre explication voilà, un petit peu mystérieux. Et ben, parce qu'on avait lu des articles là-dessus, on s'était vraiment demandé, mais euh, pourquoi Pourquoi... Euh... Qu'est-ce qui se passe Et maintenant, on comprend. On comprend un peu mieux grâce à cet article de La Croix. Et puis, je trouvais bizarre de ne pas avoir d'article ce matin sur euh, la crise sanitaire. Voilà. Et là, j'ai trouvé un joli point dans La Croix. Vraiment La Croix aujourd'hui, journal, euh, plein de choses à lire, sympa et intéressante. Enfin, sympa, je sais pas si c'est le mot, mais bien foutu quoi. Euh, et notamment, on a un point sur la crise sanitaire en France. Euh, variant Omicron, la France sur le qui vive. On dit Omicron, j'en ai déjà parlé, parce que c'est une lettre grecque, comme Epsilon. Ce n'est pas Omicron comme le président Macron, c'est Omicron comme la lettre grecque. Voilà, donc on va se pencher là-dessus, sur les éléments d'inquiétude, les éléments d'espoir aussi, c'est important dans cette crise sanitaire avec la cinquième vague et le variant Omicron et les inquiétudes qu'il qu provoque. Et qu'est-ce qu'on a encore euh... Qu'est-ce qu'on a encore, pardon Je lisais un commentaire dans La Croix. Et ben ce duel, surprise, à droite, entre Ciotti et Pécresse. Et puis, là, on fera un petit pas de côté. Euh, comme j'aime faire parfois, parce que je vous lis les gros titres, bien sûr. Euh, et là, ben en fait, euh, on se penchera sur le, le parcours d'un religieux. Bon, on est dans La Croix. Hein. Euh, le frère Benoît Dubigeon, qui est franciscain. Alors pourquoi Parce qu'il est aumônier dans une prison à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. En fait, il va au contact donc des, des détenus, des condamnés, pour les petites peines, pour les plus grosses. Et, et en fait, c'est extrêmement touchant. Voilà, parce que son quotidien, c'est de discuter avec les des, des détenus. Parfois, certains ont fait des trucs horribles. Et euh, alors là, c'est le, le côté lumineux de la religion, puisqu'on parle beaucoup dans l'actualité... Euh, il y a Evo qui dit que c'est la plus grande prison d'Europe euh, qui s'interroge. Je crois, en tout cas, elle est très très grande. À un moment, l'article en parle effectivement. Euh, et comment dire euh, Oui, on parle beaucoup dans l'actualité du, du côté obscur de la religion. Euh, J'ai eu des remarques un instant à propos de Monseigneur Au Petit sur les, les, les crimes euh, sexuels euh, dénoncés euh, par le rapport Sauvé dans l'Église catholique en France depuis les années 70. Merci de 40 robots pour ce troisième mois d'abonnement. Donc on, on a beaucoup parlé de ça ici, bien sûr. La religion, ça n'est pas... Ce n'est pas que ça, évidemment. Euh, ce ne sont pas que les, les, les crimes commis... Euh, alors parce que, merci euh, Cherge, c'est pas Serge, hein, c'est Cherge. Merci Cherge pour ton soutien. Euh, la religion, ce n'est pas que les crimes commis au nom de la religion, même s'il y en a, c'est bien regrettable. l'histoire de, Dans toute l'histoire des religions d'ailleurs, c'est bien triste que les hommes à un moment oublient le, le vrai message de la religion qui est « religion c'est relié à hein, », c'est se relier à l'autre. C'est aimer son prochain à la religion. Donc, les crimes commis au nom de la religion, c'est juste la négation totale du message de la religion. C'est ce qu'en font les hommes, qui ne va pas. Ce n'est pas le message originel. Et d'une, et deux après, il y a les hommes d'église qui commettent des délits ou des crimes. Évidemment, ça c'est le côté obscur de la religion. Mais parfois, parfois, y a des, parfois, on rencontre quand même des, des, des membres de, de, ici de l'église catholique, eh bien, qui sont au plus près du discours originel de la religion, qui est de de prendre soin de l'autre. Voilà. Il y a Shadow Mantz qui rappelle, c'est ce que j'évoquais à l'instant, religion vient de religérer, religérer en latin, relier. Alors, relier à Dieu, hein, voilà. et donc la religion pour moi, euh, moi je ne suis pas pratiquant, hein, euh, mais la religion c'est relier à Dieu, c'est un échange avec Dieu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'église pour discuter avec Dieu Je ne suis pas sûr. Et puis c'est relié aux autres aussi. Et effectivement, eh ben, cet aumônier, vous verrez, c'est super touchant. C'est super touchant parce que voilà, on sent, euh, on sent, on sent euh, dans, son, dans son regard sur euh, ces, ces hommes qui ont fait parfois des les choses atroces, et ben de, toute l'humanité qui devrait y avoir dans, toujours dans les religions. Hop. Donc je vous lirai ça parce que c'est intéressant, c'est ce monsieur-là. Le frère Benoît Dubigeon. OK voilà, vachement intéressant. Euh, ah Ça, c'est bien. On en parlait sur France Info hier, c'est une vraie surprise. WTA, la WTA c'est l'instance euh, du internationale du tennis féminin, a suspendu toutes les compétitions de tennis féminin, comme le dit Manushka, décision dingue de la WTA, c'est ça Toutes les compétitions du tennis féminin en Chine hein, pour protester contre euh, l'histoire euh, de la disparition et de la réapparition extrêmement étrange de la joueuse Peng Shui. Ok c'est très surprenant parce que personne ne s'y attendait. C'est des millions de dollars en jeu, puisque du coup, c'est des tournois qui ne vont pas se, se dérouler, alors que la plus grosse partie des revenus de la WTA vient justement de ces compétitions organisées en Chine. C'est extrêmement surprenant. Donc, ils ont mis la thune de côté, le patron de la WTA, avec le soutien a priori. Euh, oui, poum, tu as loupé un épisode. Réapparition, j'ai loupé quelque chose. Je, vais, je, je, te, je te dirai ce qui s'est passé. Avec Peng Shui. Elle est réapparue. Mais réapparue, ça ne veut pas dire qu'elle est libre. Voilà. Et donc, ils ont mis la thune de côté et ils ont dit euh, non, tant qu'on n'aura pas des assurances sur la liberté de Peng Shui, parce que c'est toute l'histoire. Donc, bon, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, Peng Shui, c'est une joueuse de tennis euh, chinoise qui, à un moment, a eu un, bon, un très bon niveau international. Euh, sur Internet, sur l'équivalent du Twitter chinois, il y a quelques, quelques temps, elle a mis un message pour accuser un haut dignitaire du parti de l'avoir euh, agressé sexuellement. Le message a été effacé très très vite. Euh, sur ce fameux Twitter chinois, on pouvait, pendant quelques heures, on ne pouvait plus taper son nom, on ne pouvait même plus taper le hashtag tennis. Et puis elle a disparu. Plus de nouvelles. Voilà. Donc tout le monde s'est un petit peu inquiété. Et puis, euh, et puis elle est réapparue d'abord dans une vidéo où elle était au restaurant avec son entraîneur voilà. et puis après lors d'une compétition de tennis en Chine où elle remettait un prix voilà. mais on s'est énormément interrogé sur euh, euh, eh bien, euh, euh, le degré de liberté que euh, la joueuse donc Peng Shui, euh, avait et donc on se demande si elle n'est pas en fait sous liberté, liberté extrêmement contrôlée et donc la WTA dit ben tant qu'on n'a pas d'assurance sur, sur ça eh ben euh, eh ben on suspend les compétitions en Chine. C'est assez énorme. Okay l'humanité qui se penche sur eh bien, ce, ce conflit au sein de l'hôpital. Voilà. C'est ce week-end, c'est demain. 80 associations, c'est pas, pas rien. Hein 80 associations et syndicats appellent à se mobiliser. Demain, partout en France, l'hôpital public s'écroule sous nos yeux. Alors C'est vrai que quand on lit l'humanité ce matin, on se rend bien compte que l'hôpital, ça va pas. Donc l'humain a donné la parole à des professionnels de santé. Ici, il y a une neurologue, par exemple. Voilà. Le pourquoi de ce conflit. Là, c'est une infirmière, c'est Stéphanie, interrogée par euh, Luma qui, qui explique pourquoi ça ne va plus et que ça ne peut pas durer comme ça. Voilà. Euh, les échos. Ah, la vaccination obligatoire. Ouais, pas intéressante, cette une sur euh, les... la vaccination obligatoire. Le débat qui monte en Europe. Ah, vaccination obligatoire ou pas L'Autriche, c'est décidé. L'Allemagne, ils sont sur le point de le, fa le faire. L'Allemagne, ils sont sur le point de décider la vaccination obligatoire contre le Covid-19, bien sûr. Et en France, en France, c'est pas d'actualité. C'est ce, ce que disent les échos. Et donc, euh, on va se pencher là-dessus. Pourquoi euh, l'Allemagne y pense Pourquoi en France, c'est pas euh, d'actualité Et puis, il y a aussi euh, du... Du Ciotti Pécresse dans les échos. Et l'article m'a intéressé parce que on parle beaucoup d'Éric Ciotti ce matin. Et eh ben, cet édito, cet article se penche surtout sur Valérie Pécresse, qui est donnée favorite. Mais alors là, on va rester très prudent pour le deuxième tour euh, du... de la primaire LR. Voilà, Donc normalement, on devrait avoir le résultat euh, samedi, demain. Voilà. C'est marrant, j'ai parlé 10 secondes de. De vaccination obligatoire, et... oui, c'est parti. Hein. C'est parti. Dans le chat. On en parlera tout à l'heure, euh, on prendra le temps, on fera même un sondage, si vous voulez, là-dessus. Donc là, l'article est sur Valérie Pécresse, et ça m'intéresse parce que du coup, euh, c'est quand même elle la favorite. Mais méfions-nous des pronostics en la matière. Euh, la petite affiche officielle du Téléthon. Voilà, je voulais juste vous la montrer parce que je l'ai trouvée ce matin dans l'Humanité. Voilà, le Téléthon, 35e édition. Ça commence cet après-midi sur France Télévisions, sur France 2. Pour Commencer sur avec Nagui, Sophie d'avant, euh, après une, Sophie d'avant, pas sur France 3 avec l'ami Cyril Ferro, tout ça. Donc, c'est le programme. Et puis, minuit 30 ce soir, votre serviteur sur France 2, minuit 30, 2h pour Téléthon Gaming, une émission pour le Téléthon, pour soutenir le Téléthon avec des gamers, avec des streamers. On parlera du jeu vidéo, de l'actualité du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, du futur du jeu vidéo. On sera avec des gamers en situation de handicap évidemment. Et ce sera notamment avec l'ami Domingo et avec l'ami Little Big Wave. Voilà, à partir de minuit 30. Euh, donc on lira cet article sur la vaccination obligatoire peut-être bientôt en Allemagne. Et euh, les échos qui nous disent pourquoi la vaccination obligatoire n'est pas toujours la solution, notamment pour la France. Okay. Euh, ah Je vous lis beaucoup d'articles très pessimistes, puisque... L'actualité, c'est ce qui ne va pas de soi. L'actualité, c'est le train qui déraille, hélas, plutôt que le train qui arrive à l'heure. Pourquoi Parce que c'est en parlant euh, de ce qui ne va pas que peut-être on peut euh, essayer de les arranger. Longtemps, je me suis insurgé contre le fait qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles dans les journaux. Beaucoup, en tout cas, en disant, mais pourquoi il n'y a pas plus de bonnes nouvelles On entend ça beaucoup. Et puis finalement, je me suis dit, euh, c'est bien de parler de ce qui ne va pas. Parce que c'est en parlant de ce qui ne va pas bah, qu'on peut peut-être essayer de les transformer. Voilà. Donc euh, là, il bon, là, euh, y a un article positif sur, un article positif sur le Covid-19. Je suis assez content qu'on ait trouvé. Euh, voilà, et qui parle de la formidable résilience de nos sociétés face à ce truc. Eh ben c'est intéressant. Hop, je vous l'ai mis de côté. Euh, ça aussi, c'est un peu complexe. J'ai eu plein d'articles ces derniers temps là-dessus et je ne vous ai mis aucun article de côté parce que c'est complexe. C'est. Euh, l'histoire de, 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 de boîtes d'entreprises et de banques ont fraudé le fisc avec une, une technique qui s'appelle comment ça s'appelle c'est un nom Zarbi cum cum ou cum cum je sais pas comment on dit voilà parce que je suis pas, je suis pas banquier mais c'est des, des sommes énormes qui ont échappé au, au fisc avec un petit un petit un petit tour de passe passe là voilà. euh, ça a été dénoncé notamment par des euh, journalistes dans des enquêtes et, là, et en fait on apprend dans les échos que la euh, ouais, je sais, le nom est un peu bizarre. Ouais. Je sais que le nom, je savais que le, ça s'écrit c u, -M -C -U -M, je savais que ça allait vous faire rire. J'en étais sûr. Je sais. Arrêtez, on parle de finance, on parle de fiscalité, c'est très important. Mais ne tapez, ça, ne tapez pas ça quand même sur Google, parce que je pense que vous allez avoir sur les trucs, vous allez arriver sur les trucs bizarres, effectivement. Donc, on essaiera d'être sérieux quand même. Vous êtes grave, vous êtes grave. On parle de fiscalité. Non, de fiscalité, j'ai dit. Oh là, c'est pas possible, nom de dieu. Ça va être chaud cet article. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le fisc bosse le dessus, fisc, <laughs> depuis euh, quelques années déjà. Oh, vous êtes grave. Oh, je lis pas les commentaires là-dessus. Oh, je ne. Je vous laisse les lire hein, parce que vous êtes parti. Mais vous êtes parti tellement en sucette là. Oh là là là. Hélène, ils sont partis en sucette. Oh, Hélène a mis son casque, elle n'en peut plus. Tu m'entends plus? <laughs> <laughs> elle a mis son gros casque de gameuse. Oh, j'aurais tellement envie de vous montrer ça. elle a mis son gros casque de gameuse, mais j'ai pas le droit. Hélène, elle ne veut pas trop apparaître à la télé. Non. Mais elle a un gros casque de gameuse. Voilà. Donc c'est tout C'est tout ce que j'ai Non, j'ai l'équipe. Ouais. Ah, bah, souvent, Enfin parfois, elles ont dit, ah, il y en a la marre du foot. Il euh, y en a la marre du foot. Euh, notamment une de l'équipe, c'est toujours du foot. Bon, c'est pas toujours du foot. Eh, la preuve, championnat du monde de handball. Féminin! Hein, Ballon d'or. Ben oui, parce que c'est euh, quand même les championnes olympiques en titre, les françaises. Ah! Hein, vous vous rappelez de ça? Euh, championnat du monde, France, Angola, 18h, premier match des Bleus. Donc c'est du handball, c'est du handball féminin. Euh, elles sont super fortes. Après l'or olympique décroché à Tokyo l'été dernier, vous sonnez? Euh, les Bleus se retrouvent en Espagne pour le championnat du monde où elles devront assumer un statut de favorite. Hein, c'est pas forcément euh, facile. Et puis, il y a le nom de Messi juste au-dessus. Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes très, très observateur. On parle un petit peu de Messi aussi. Le revers de la médaille, en fait, euh, nous explique qu'après leur titre olympique, ben, euh, les joueuses, ça a été difficile. Comme un coup de blues après. Voilà, et c'est compliqué. Mais euh, euh, voilà, elles vont quand même essayer de, de confirmer ce statut de favorite. Ce n'est pas toujours facile d'être favorite. Regardez Michel Barnier et Xavier Bertrand. Hein euh, voilà. Messi bute sur la Ligue 1, je vous lirai ça aussi parce que bon, y a un moment, euh, ça va devenir bizarre, quoi. Hein, c'est combien sept Ballons d'Or C'est ça C'est le sept Non, c'est le septuple hein, septuple Ballon d'Or. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde, euh, il a marqué un but en Ligue 1, quoi. À un moment, ça devient bizarre, quoi. Donc euh, voilà, euh, Messi bute sur la Ligue 1. Alors l'équipe est super gênée, dit oui. Euh, on sait bien que c'est une légende, on sait bien que c'est une star, on sait bien que c'est un des plus grands joueurs attaquants au monde. On sait bien qu'il a 7 ballons d'or, mais, mais le mec, il n'en met pas une, quoi. <laughs> il n'en met pas une dedans, quoi. Un but, quoi. Donc. Euh... Euh... Ah, mais, ah oui, il des... je ne suis pas un spécialiste. Pantoufle du dimanche, je t'entends. Hein, dit, Messi, c'est pas un attaquant. J'y connais rien. C'est pas, pas un goal non plus, non? C'est quoi son poste Attaquant, pour moi, c'est un mec qui marque des buts, mais. Attaquant droit, Dubin dit si si. Euh, il dit quoi, dit, dites-moi. Bon, a priori goal non, milieu, <laughs> milieu défensif. Euh, Donnez-moi le. Quelqu'un me dit, il est pas attaquant. Il, il est pas attaquant. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Ceci, si, si, Meneur de jeu. Ok. C'est un attaquant, me dit John Terry. Ok. Euh, c'est un marcheur, c'est juste ça qui marche beaucoup. Ouais. Si c'est un attaquant, me dit PMK. C'est un attaquant, mais c'est pas un buteur. Bah j'ai dit attaquant moi, mais c'est pas un buteur. Ben c'est bon alors. En tout cas, il joue devant. s'il ouais, joue devant, c'est un attaquant, non C'est un milieu offensif, me dit euh... Ah. C'est un attaquant, mais pas la pointe de droite. En fait, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. voilà. C'est un, un milieu offensif, peut-être Allez, bon, on s'en fiche. Il est quand même été, Je pense qu'il a été embauché pour mettre des buts et faire des passes décisives. <laughs> même pour les passes décisives, c'est pas ça non plus. Donc, l'équipe s'interroge là-dessus. Ça se penche là-dessus et puis là on va faire un truc euh, que, que je fais pas souvent enfin, quand je suis très très distrait c'est que ce matin j'ai oublié l'opinion j'ai oublié de lire l'opinion voilà. ça ça mérite ça voilà. ça, mérite, euh, ça mérite comment je pourrais euh... non j'ai pas de musique pour dire que c'était naze voilà. j'ai voilà. oublié de lire l'opinion donc on va le parcourir en direct Vite fait, let's go. Euh, donc, bah, encore une, une sur euh, la primaire LR, le duel surprise des outsiders. Un édito qui a l'air sympa d'ailleurs, qu'on lira, tiens. Sur, euh, pour les républicains, le plus dur reste à faire. 113 000 votants ne font pas la France. Ok. Donc, il y a ça. Hop, allons voir l'opinion. Toc. Toc. Ici. Hop, en direct. Qu'est-ce qu'il y a dans l'opinion Okay. le dossier sur Ciotti et Pécresse. Ok. Elle est marrante cette photo d'ailleurs. Même si Valérie Pécresse et Eric Ciotti ont de bons rapports, leur match aura l'avantage de la clarté. Ils n'incartent pas la même droite. C'est vrai. Euh, le déplacement du président Macron au Vatican. Ouais. Ok. Euh, les économies que Marine Le Pen estime pouvoir faire sur l'immigration, 80 milliards. Bon, en général, quand on se penche sur ces chiffres, ces calculs de l'extrême droite, euh, Eric Zemmour, on euh, a fait récemment aussi ce genre d'annonce, on se rend compte que ça ne marche pas du tout, quand des économistes sérieux se penchent là-dessus. Voilà. Ouais, les son papier le travailleur son papier oh, J'aurais dû le lire, il y a plein de choses. Hein. Le wokisme encore. Quota, vestiaire non rangé, salle de prière. Non, non, genré. Pas rangé, Samuel. Les vestiaires non rangés, c'est pas grave. Euh, quota, vestiaires non genré, salle de prière, les entreprises françaises résistent au wokisme. Encore un truc sur le wokisme. Non, j'en ai, ai lu quelques-uns. Il y en a tellement. Euh, Quelqu'un me demande si l'opinion, c'est un journal de droite. C'est un journal libéral. C'est un journal qui se présente comme libéral. Qui est surtout libéral sur le plan économique. Euh, le truc de, de l'opinion, c'est euh, laisser faire les entreprises, hein. Arrêtez avec les lois, les trucs, les impôts, les machins. Laissez les entreprises faire leur job. Euh, voilà, c'est vraiment le credo très libéral de l'opinion. Du coup, politiquement, euh, bah, ils sont un petit peu plus à droite qu'à gauche, quoi. Voilà. mais c'est plus un truc économique en fait. Voilà. Je répondais à une question qui était dans le chat, l'Allemagne. Voilà. Et puis un petit supplément très sympa dans l'opinion euh, du. En fait, l'opinion publie chaque jour des articles traduits du Wall Street Journal. C'est vachement bien fait. Donc là, on est sur Austin. Austin, Texas, hein, je ne dis pas de bêtises. Nouvelle capitale américaine de l'immobilier de luxe. Bon, d'accord, ok. Bon, manifestement, c'est la teuf. Oh là là. Ils ne sont, sont, sont pas très bons, les garçons. Là. Pourtant, c'est la Floride. Ah, ce serait la Floride, Austin Merde. Non, c'est Texas. C'est bien Texas. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il a Elon Musk on parle. Ah oui, le siège doit être là-bas. D'accord. Bon, c'est bien fait en général. Voilà. Souvent, je trouve des articles sur euh, la tech qui sont, euh, qui sont bien faits dans le Wall Street Journal. Donc dans les pages, euh, dans les articles traduits par euh, l'opinion. Beaucoup de gros streamers à Austin, tiens. Me dit Buff, Daddy. Ok. Ok. Texas, nouveau siège de Tesla. Ouais, j'avais vu ça, effectivement. Okay. bon bah voilà pour le sommaire. En vrai, c'est pas mal hein. Je trouve que c'est un jeu un joli menu ce matin. Hop, 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 voilà, le sommaire. Euh, 1h15, c'est bien. 1h15, on a discuté. On, on s'est parlé de, de plein de trucs, de, des coulisses de France Info a, sur lesquelles on a streamé hier. Euh, on, a, on a parlé de la soirée Téléthon ce soir, Téléthon Gaming à minuit 30 sur France 2. On a fait un sommaire, 1h15, c'est bien. C'est bien. Maintenant, on va lire les, les journaux. Merci Pulsar pour le petit message, c'est très gentil. Il y a Lost in Translation qui me donne son signe astrologique. C'est trop tard, c'est trop tard. On, on l'a lu déjà. J'ai lancé un débat sur le wokisme sans faire exprès, là. Euh, ouais, Je n'ai pas prévu de vous en parler ce matin, mais on, on, aura. on aura. On aura, on aura. Pourquoi si tard le Téléthon Gaming Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. Du coup, je vais aller faire une petite test cet après-midi. Voilà, mais c'est pas grave, vous serez là quand même. Minuit 30, pour vous, c'est tôt. Minuit 30, c'est que là. Minuit 32 heures. Hein, vous, tu, tu mets France 2, euh, d'un côté, tu mets ton, ton stream préféré. Euh, je sais pas si, euh, qui va streamer ce soir, euh, Ponce ou euh, Étoile. Euh, voilà, tu mets ça d'un côté, euh, France 2, euh, ça, va être, ça va être la fête. Ça va être la fête. Hein? on s'appelle pas étoile ah oui c'est sûr voilà comme le dit euh, Clyde TV pour les gamers à minute 30, c'est le réveil c'est le réveil non non je crois pas allez on y va euh, maintenant on va dire tout ça en commençant par on a une petite visite de Ponce tout à l'heure c'était drôle qui dans le chat nous disait bah oui moi quand j'étais prof et eh bien effectivement euh, j'ai été embauché su, en, après avoir lu une annonce sur le Bon Coin et euh, Ponce est arrivé sur le, le stream au moment où on lisait cette une du Parisien. Je sais que c'est un cliché pour les streamers qui se lèvent très tard, c'était une, une, une blague en fait. Je ne sais pas si le second degré était très évident dans ma voix. Le bon coin à la rescousse, prof absent. Ouais, Ponce a été prof, vous ne saviez pas Prof de maths, je crois. Euh, en tout cas, il est passé sur le, sur le, le chat, ça m'a fait bien plaisir. Et la a sub en plus. Et la a sub en plus. Euh, mais où sont les profs Où sont les profs Vous vous souvenez de la chanson euh, Depuis la rentrée, il n'y a eu jamais autant d'absences non remplacées dans l'éducation nationale. Tous les moyens sont bons pour tenter d'y remédier. Appel des enseignants retraités et aussi petites annonces sur Internet ou à la radio. C'est fou, non Ces profs qui manquent à. Mais je ne vous ai même pas mis la scène. Vous ne me dites rien. Hey, quand, je, quand je suis distrait comme ça, il faut me dire, voilà la lune du Parisien, voilà l'article, et on a, on a validé à mort tout à l'heure le, le, le titre ça me, ça me, que je n'avais pas vu à la première lecture, euh, Ces profs qui manquent à l'appel, à l'appel, la l'appel et l'appel. Hein en vrai, c'est pas mal. Ces profs qui manquent à l'appel, il euh, n'y a jamais eu autant d'absences non remplacées dans l'éducation nationale, ça pose des, des problèmes pour les, pour les enfants, pour les élèves. Hein euh, et pour les barons aussi, Caral, un phénomène qui s'est accentué avec la crise sanitaire et provoque la colère des familles. Euh, puis quelqu'un vient d'écrire dans le chat et on va en parler, ben ils ont qu'à mieux les payer les profs. C'est une des données de l'équation. Oui. Lisons. Mon ami, ma grande amie Lison que j'évoque très souvent. Mais où est le prof L'article de Thomas Poupeau. Cette question, je zoome un peu pour vos petits yeux, cette question, euh, des milliers d'élèves se la posent depuis trois mois. Partout en, France, donc, donc, partout en France, des classes entières sont sans enseignants, des professeurs absents, sans remplaçants à l'horizon. Des parents se sont rassemblés hier encore devant le rectorat de Versailles pour manifester. La semaine dernière, c'était en Seine-Saint-Denis. Manif ben, aussi. Des dizaines de parents rassemblés. À Toulouse, le recteur a lancé un appel à la radio à d'éventuels auditeurs intéressés par un contrat de professeur. Vous vous rendez compte le rectorat Le recteur, il va à la radio pour lancer un appel, pour trouver des profs. Dans l'heure et en Seine-et-Marne, l'éducation nationale appelle des retraités, tandis que des annonces sur le bon coin pour trouver un remplaçant dans un collège sont publiées avec la bénédiction des autorités éducatives. Comment un prof peut-être absent en vrai, demande PMK. Bah, euh, il est malade par exemple bah, Ici, il est malade le problème, c'est qu'il n'est pas remplacé. Ou qu'il est en formation. Les, les profs, ils ont des formations, comme beaucoup de salariés. Et bien, il n'est pas remplacé. Bah, C'est ça. Comment un prof peut être absent bah, Comme n'importe quel salarié peut être absent. Hein Tout simplement. Le problème, c'est qu'il n'est pas remplacé quand il est absent. Pas toujours, c'est le problème. Continuons. Au ministère, on reconnaît effectivement que les besoins non couverts ont augmenté depuis 2020. Donc déjà, le ministère reconnaît qu'effectivement, on remplace moins. Essentiellement dans le second degré, puisqu'à l'école, en cas d'absence, les enfants sont répartis dans d'autres classes. C'est vrai que chez les petits, euh, c'est souvent le cas euh, un prof est malade ou absent, bah hop, les enfants basculent dans une autre classe. Laisse tomber euh, le nombre d'élèves dans la classe, du coup, et le taf pour euh, l'enseignant ou l'enseignante, euh, ou l'instituteur ou l'institutrice dans ces cas-là. Mais bon, l'entourage du ministre, Jean-Michel Blanquer, tempère les professeurs absents représentent 0,4%. Du total des professeurs des collèges et des lycées. Donc, Blanquer, il dit 0,4%. Il dit, il dit pas que ce n'est pas, pas embêtant, mais il dit que c'est 0,4%. À vérifier. En tout cas, ce n'est pas le ressenti, notamment des, des parents. Pour remédier à ces absences, que font les autorités Elles font appel à des contractuels. Les contractuels, on va rappeler, en tout cas, c'est ce que dit Parisien, ce sont des personnes qui n'ont pas suivi le cursus pour être enseignantes. Et en cinq ans, la part. Alors là, j'hallucine du chiffre, je ne sais pas s'il est vrai. Euh, oh, Tata Zozo, je dois vous laisser pour aller chercher ma fille qui s'est blessée à l'école. J'espère que c'est pas trop grave. Tu l'embrasseras de notre part, Tata Zozo. À très vite. La part des contractuels à l'école a bondi en 5 ans de 14,5% à 22% des effectifs. Vous vous rendez compte C'est énorme. 22% des effectifs, ce seraient des contractuels. Bon, là, il y a un truc quand même. Il hein. y a un truc. Le problème d'attractivité, je pense, dont on a beaucoup parlé déjà ici, de ce métier d'enseignant. Euh, la parole de, euh, au syndicat SNES-FSU, effectivement, qui dénonce un manque global d'agents fausses, faute d'attractivité du, du métier. En toile de fond, il y a des démissions en, haut, en hausse. Non seulement, effectivement, euh, l'éducation nationale a du mal à recruter, mais ça démissionne, pas massivement, mais ça démissionne plus qu'avant. La parole à la FCPE, c'est la Fédération des parents d'élèves. Euh, qui dit il y a sans doute des endroits où tout va bien, mais il y a aussi des zones en, très en tension où les élèves paient les pots cassés comme en région parisienne par exemple. Voilà. Donc, euh, alors selon qui on, on écoute, le, le ministère ou euh, les parents ou les syndicats, le problème n'est pas le même. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un souci. Ces professeurs qui sont pas remplacés. Hein. Et puis. Euh, et puis, et puis, et puis ça, 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 ça pose à nouveau la, la question de l'attractivité de, de ce métier. On lira un autre article qui va un petit peu plus loin tout à l'heure. Je crois dans la croix. Donc, on n'a pas fini avec ce thème. Passons à la politique. On reviendra à l'école tout à l'heure. Congrès LR, la finale inattendue. Bon, on se l'est dit pendant le sommaire tout à l'heure. C'est euh, euh, très surprenant. Ce n'est pas ce qui était prévu. Certains disaient qu'Éric pouvait créer la surprise d'arriver au deuxième tour. Ça, s'est fait. Et Valérie Pécresse au deuxième tour, c'est aussi. Une surprise. Je lis le Parisien, page 4. Contre toute attente, Eric Ciotti est arrivé légèrement en tête. Il est, il est arrivé premier en plus, hein, alors que même les plus optimistes le donnaient euh, second. Voilà. Mais il est arrivé légèrement en tête devant Valérie Pécresse, que vous voyez à droite. Mais pour le second tour qui débute ce matin et qui va se terminer demain à 14h, euh, je crois, euh, vous vérifierez l'info. Euh, eh bien, elle a déjà reçu Valérie Pécresse le soutien des trois autres candidats. Donc. Euh, Xavier Bertrand a appelé à voter pour Pécresse. Euh, L'ancien commissaire européen Michel Barnier a appelé à voter Pécresse. Et Philippe Juvin, euh, médecin, euh, qui était le cinquième candidat, celui qui a fait le, le moins de, de voix, a aussi appelé à voter Pécresse. Tout à l'heure, on, on verra pourquoi. Les trois appellent à voter Pécresse. C'est une vraie question quand même. Hein. Lisons, mon ami, lisons. Euh, il est 14h47, c'était hier, donc au deuxième étage du siège du Parti des Républicains, quand le patron Christian Jacob, c'est le président de LR, annonce les résultats. Il est entouré de la présidente du Conseil national, du secrétaire général, du trésorier du parti, tous peinent à masquer leur stupéfaction, les visages sont figés. C'est donc le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti qui crée la surprise en arrivant en tête, 25,59% des voix, talonné par la présidente d'Île-de-France Valérie Pécresse, 25%. Suivent non loin, ils sont pas loin, hein, Michel Barnier, 23,92%, Xavier Bertrand, 22,36. Ça se joue à pas grand-chose et loin derrière Philippe Juvin, 3,13%. C'était assez serré entre les quatre premiers. Euh, Jacob, donc euh, c'est euh, quelqu'un aussi qui, a euh, LR, dit ça, euh, Jacob, donc le, le président du parti, Christian Jacob, ne s'attendait pas à ce que Ciotti soit au second tour. Voilà. D'où les visages un peu surpris. Euh, surtout, personne ne s'attendait à ce que Xavier Bertrand, que les plus hauts cadres du parti jugeaient mieux armés pour aller à la présidentielle, eh bien finissent quatrième. Alors Xavier Bertrand, l'équation Xavier Bertrand, était, elle, elle est simple. Xavier Bertrand, dans les sondages auprès des Français, c'était celui qui avait le qui faisait le meilleur score à droite. Qui voilà. n'était pas qualifié pour le deuxième tour d'ailleurs, mais qui faisait le meilleur score à droite. Le problème, c'est que là, ce n'est pas les Français qui votaient, c'était les militants. Et depuis notamment qu'il avait quitté le parti, avant d'y revenir pour l'élection, mais peut-être un petit peu tard, depuis qu'il avait quitté le parti LR, comme Valérie Pécresse d'ailleurs, bon, ce n'est pas la seule explication, ben, les militants avaient un petit peu une dent contre lui. Et euh, peut-être qu'il n'a pas réussi sa campagne. Les observateurs disent que Valérie Pécresse a plutôt réussi sa campagne de, du premier tour de la primaire. Et, euh, et donc, du coup, surprise quand même. Éric Ciotti, alors large sourire, estimant que... Éric bon, Ciotti, comment il analyse sa victoire Il est quand même arrivé en tête, donc euh, comment on analyse sa victoire Lui, il dit que c'est sa clarté vis-à-vis -vis du président Macron, son opposition, hein, comprenez, et son programme de rupture qui l'ont porté. Il assure maintenant qu'il est le seul à droite à pouvoir battre Macron en rassemblement, en rassemblant pardon, le peuple de droite. Et d'assurer qu'un positionnement. Je lis certainement de vos commentaires aussi là-dessus pour voir s'il y a des infos que je n'ai pas. Et d'assurer qu'un positionnement trop centriste et trop proche de Macron ne permettrait pas de gagner à présidentielle, euh, Tacle implicite à Valérie Pécresse, parce que là, on arrive au second tour, hein, qui va euh, être son adversaire au second tour. La Francilienne, donc euh, la Francilienne, c'est la présidente de la région euh, Île-de-France, bien sûr. Euh, a eu très vite... Les trois autres au téléphone, Juvin, Bertrand et Barnier, et tous ont appelé publiquement à la soutenir. Dans la foulée, ça a été très rapide. Euh, Valérie Pécresse estime alors la, la, totalité de la, la totalité, la quasi-totalité des observateurs Valérie, disent c'est Valérie Pécresse qui va gagner. Moi, je dis en matière politique, euh, rien n'est jamais sûr. Mais bon, tout le monde ce matin dit c'est Pécresse qui va gagner. Moi, je dis qu'il faut être toujours prudent dans la matière. Valérie Pécresse est clairement favorite, mais attention à ce qui n'y pas un vote province contre Paris, dit un autre cadre LR. Le second tour débute ce matin à 8 h, donc les militants votent depuis ce matin, depuis 3 h. On lira plein d'autres articles ce matin sur cette histoire pour essayer d'analyser de, de, encore plus finement ce qui vient de se passer. Voilà. Euh, juste un mot sur, regardez, petit, page 11, dans le parisien, vous avez un petit, petit article sur le, le Téléthon, notamment sur le. Le sommaire de ces deux journées, ce qui vous attend. Donc, vous savez que France Télévisions est partenaire du Téléthon depuis, euh, depuis des années euh, déjà. Voilà, moi, j'ai eu la chance de participer au Téléthon depuis. Je suis arrivé à France Télévisions il y a 13 ans, donc depuis, depuis cette époque-là, et j'en suis très, très fier. Euh, côté petit écran, donc France Télévisions va proposer 30 heures d'antenne en direct. Le coup d'envoi de cette 35e édition sera donné aujourd'hui à 18h40 sur France 2. Je regarderai d'ailleurs, par Sophie Davant et Nagui en compagnie du parrain Soprano. Soprano est le parrain du Téléthon cette année. Pour l'occasion, Luan, Kenji, euh, Girac, Patrick Fiori et M. Pokora interpréteront un titre. Donc, ça, c'est ce soir. Euh, 21h15, ça bascule sur France 3. Toujours avec Sophie Davant et Soprano, mais avec Cyril Ferraud, euh, l'animateur de jeu, mon copain de France 3. Il y aura aussi beaucoup de personnalités du service public. Il y aura Nolwenn Leroy, il y aura Benabar. Nouveauté, écrit Le Parisien. Nouveauté, à minuit 30 sur France 2, Samuel Etienne, pas qui c'est lui, euh, devenu une star sur Twitch, voilà, ça c'est l'exagération le, des journalistes toujours, proposera de recueillir des dons grâce aux adeptes de jeux vidéo. Bon, ça c'est vrai. Minuit 30, on va tenter de réunir euh, la communauté des streamers, des gamers, pour donner pour le, pour le téléthon avec donc une émission téléthon gaming, euh, avec euh, je le disais, euh, des invités, des gamers, des streamers, euh, un spécialiste de l'histoire du jeu vidéo. On va euh, parler de gaming, de streaming, euh, du jeu vidéo d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Il euh, y a Li Yonggi qui dit Domingo passe, je crois, mais c'est bien plus que ça. Domingo et Little Big Whale vont être là 1h30, du début à la fin. Donc euh, je ne les ai pas invités. Euh, cinq minutes, euh, c'est un peu mes invités d'honneur en fait. Euh, et euh, Domingo et euh, Little Big Well, ils vont être là 2 h 30 à 2 heures du matin, les pauvres. Et euh, j'espère qu'ils ont bien compris d'ailleurs, qu'ils ne vont pas me dire, hey, « Eh non, mais je ne veux pas rester une heure et demie, moi. » euh, Et en fait, ils vont être là. Non, c'est mes, mes deux invités principaux fil rouge, voilà. Ils vont être là du début à la fin. Et puis, il y aura aussi euh, Florent Gorge qui est euh, historien de, de jeux vidéo pour une séquence justement sur l'histoire du jeu vidéo. Voilà. Donc, euh, ça va être super sympa. On va parler de tout ça. Euh, et puis, c'est sur France 2, hein, c'est pas sur France 3. Et puis, il euh, y aura un stream. Il y aura un stream avant, il y aura un before de deux heures, je crois. Euh, c'est sur France 2, hein, c'est pas sur Twitch. Entendons-nous bien, ce soir, c'est minuit 30 sur France 2. Euh, et par ailleurs, sur Twitch, il y aura un before sur la chaîne Twitch France Télévisions. Voilà. Euh, les deux heures avant, donc je, dirais, je crois que c'est à partir de 22h. À partir de 22h, il y a un stream sur Twitch, sur la chaîne de France Télévisions, qui sera animé par des, des gens de France Télévisions, notamment par Anthony, qui, est, qui, qui se passionne pour tout ça, qui maîtrise vachement. Euh, voilà, Donc c'est 22h, un bifort, jusqu'à minuit 30, je pense. Et puis minuit 30, 2 euh, heures on est sur France 2. Et moi, je ferai peut-être un bifort au bifort. <laughs> Je vais, je vais arriver en fin d'après-midi après une petite sieste là-bas, euh, au studio, parce que pour, pour bosser, pour bosser sur les textes, pour rencontrer les invités, tout ça. Et donc, euh, je vais arriver, je pense, vers 18h là-bas. Et puis, peut-être qu'avant le, le before sur Twitch de 22h, peut-être que je ferai un before au before sur ma chaîne euh, pour, euh, bah pour vous montrer les coulisses. Bah là, tout à l'heure, en fin d'après-midi, je sais pas moi, pourquoi pas un 20h-22h, un truc comme ça à 20h-22h euh, euh, pour vous montrer les coulisses de la préparation de cette émission voilà. Euh, et puis après on fera un raid sur, vers la chaîne de France Télévisions, ce sera rigolo et puis après euh, l'émission euh, en stream sur France Télévisions appellera à regarder France 2 voilà donc c'est ce soir, et puis c'est pas tout bien sûr, suite de, du Téléthon samedi demain, Maya Loquet qui est une copine, Damien Thévenot aussi vont consacrer leur télématin à l'opération donc toujours sur la 2, suivi d'une émission spéciale sur les traitements. En fin de matinée, Soprano sera chez lui à Marseille pour récolter des dons. L'après-midi, le Téléthon, samedi donc sur France 3. Euh, avant un retour sur la deuxième chaîne, 18h40, pour Chantons, le Téléthon et la grande fête du Téléthon des 21h. Où Sophie Davant et Nagui vont accueillir notamment Pascal Obispo, Julien Clerc, Juliette Armanet, Zaz, Trio, Native, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà. Florent Gorge qui a fait un excellent travail sur l'histoire de Nintendo, entre autres choses dit gros gros 17, n'hésitez pas à lire ses livres, c'est intéressant, exactement. C'est pour ça qu'on l'a invité ce soir, je vois que vous connaissez. Voilà. Euh, bon, l'horoscope on l'a déjà fait. donc Ah par contre on a parlé de la météo, tiens. Con. Moi j'adore la météo, c'est con, mais... Hélène, t'as vu la météo aujourd'hui ou pas Pour demain, voyons si demain euh, on peut se promener. C'est plus tout le temps. à ah, regardez, elle, est, elle, elle a raison. C'est moche. Donc là, c'est aujourd'hui. C'est cet après-midi. Bon, là, là, là. là pardon, sud-est. Là, c'est gris, c'est pluie, hein. D'accord. On regarde, euh, on regarde demain pour voir si c'est un peu plus cool. Ah, c'est non, c'est c'est pas plus cool. Ah, c'est un peu plus lumineux sur la moitié nord, mais c'est gris, c'est pluie quasiment pour tout le monde. L'après-midi, voilà. soyons optimistes, c'est mon côté optimiste. Oh là là, c'est pourri, oui. Pourri, il fait froid. Ouais, il y a un peu plus de lumière là. Paris, il n'y aura peut-être pas de pluie l'après-midi. Oh là 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 Allez, dimanche. Allez, soyons joueurs. Allez, ça va se dégager, il va faire beau. Je crois pas trop. Ouais, sur le nord-ouest, vous avez vu, ce sera un peu moins mouillé quand même. Sud-est aussi, ça s'améliore un peu dimanche. Allez, se... est-ce que samedi après-midi, dimanche après-midi sera parfait Et. Ah, j'ai cliqué deux fois parce que je pensais que ça n'avait pas marché. Non, c'est la même chose en fait. Ok, super. Bon, ben, ce sera. Le week-end, c'est devant la télé. Hein. Ou devant euh, Twitch. <laughs> oui, t'as raison. Il y a Best Puppy Smile qui dit qu on est en décembre, Samuel. Ouais, c'est ouais, pas oui. Oui, c vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Vrai. Euh, vous êtes nombreux à me parler euh, des rafales. Alors il se, je pense qu'il y a eu un gros contrat de rafale vendu. Le problème, c'est que, évidemment, l'info a dû tomber trop tard pour la presse écrite. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir un petit article là-dessus pour vous tenir au courant. Euh, bon, J'ai l'impression que c'est le Huffing Post le plus complet là-dessus donc contrat de 80, 80 rafales non pas des rafales devant les avions enfin Oh, ce caoutchouc de pub là ah voilà la france annonce un contrat à 80 rafales avec les émirats arabes unis mm -hmm. accord qui intervient alors que le président macron est en visite en, à dubaï ah oui oui je vois le nom c'est pour ça que ça intéresse beaucoup regardez la, la question que pose l'article sur le Huffington Post qui est un bon site d'info d'ailleurs qui est plutôt bien fait Emmanuel Macron tient-il Je me cale un peu. Euh, sa revanche après la crise des sous-marins. Vous vous rappelez, l'Australie qui a annulé le... les sous-marins, on en a parlé pendant des jours et des jours. Ce vendredi, l'Elysée a donc annoncé que les Émirats Arabes Unis ont signé un accord pour 80 avions de combat Rafale. C'est beaucoup, hein C'est beaucoup. C'est beaucoup et, euh, et c'est très cher. Donc, c'est une très belle opération pour le constructeur d'assaut aviation. Ok. Il y a un petit montant là, on sait combien ça s'est vendu. Ça, euh... ah ouais, selon un porte-parole du ministère des armées, l'accord représente le plus gros contrat d'armement de l'histoire à l'échelle de la France. Ah, bah oui, c'est bah pour ça que vous m'en parliez dans le chat depuis tout à l'heure. Certains, son montant global avoisine les 16 milliards d'euros. Voilà. Ouais, et il y a et, et effectivement, comme vous me le précisez d'ailleurs. Je suis passé dessus un petit peu vite, mais il y a d'autres appareils vendus. Il y a 12 hélicoptères aussi, Caracal. Voilà, d'où ce budget énorme. 16 milliards d'euros. D'accord. Alors, est-ce que c'est prix catalogue Est-ce que c'est comme pour l'aviation civile avec un prix catalogue Et puis, parfois, il y a des remises. Et puis, on n'a pas, pas forcément les bons chiffres, mais c'est quand même beaucoup d'argent. D'accord. Bon, il n'y a, a pas un mot... Euh... Ah si, j'allais dire, il n'y a pas un mot dans l'article sur le... La question des droits de l'homme aux Émirats euh, arabes unis, mais si, 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 si c'est la fin de l'article. A euh, noter que ce succès, ah, quand même, à noter que ce succès commercial à l'international n'est pas sans contrepartie en termes d'image. En 2019, une note des renseignements militaires révélée par la presse, hein, comme quoi les, les journaux ça sert quand même un petit peu, montrait que des armes vendues par la France, dont des Mirage 2000, avaient été utilisées dans le conflit au Yémen. Où l'Arabie Saoudite, je me souviens de ça, et ses alliés des Émirats Arabes Unis sont soupçonnés de crimes de guerre par des ONG comme Amnesty International. Voilà. Euh, voilà. Donc évidemment, dans les jours prochains, on va vous allez entendre des voix se réjouir de cette vente hein, pour, le, pour le commerce extérieur de, de la France, pour la balance commerciale, pour les emplois, et puis des voix aussi s'élever en disant mais est-ce que est-ce que est-ce qu'on doit se réjouir que la France soit un des plus gros vendeurs d'armes au monde. Vous connaissez ce débat. C'est important d'en de, parler aussi. Hop, je vais. Je, retourne, je continue ma lecture des journaux. Parce qu'on n'est pas en avance ce matin. Hop. Euh, ah, qu'est-ce qu'on a ri tout à l'heure. On est Pendant le sommaire, on a découvert cette une de, de libération. Qu'est-ce qu'on a ri euh, Donc, ça, c'est bon, une une sur le, le, le premier tour de la primaire LR. On a ri parce que. Euh, du coup j'ai plus le... Pour ceux qui n'étaient pas là, on va aller chercher le... Oui, c'est connu ce tableau, mais en fait on a. On a, on a ri tout à l'heure. Euh, American. Le... Le... La tableau s'appelle American. Euh... Comment c'est déjà Rappelez-moi le nom du tableau. Qu'on rigole. Euh, American. Euh... gothique Voilà, merci. Pas... Non, pas Psycho. Voilà. Et on a ri parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Parce que oui, j'avais la rêve du tableau. Donc, je trouvais très drôle d'avoir remplacé les têtes des deux personnages du tableau de Grant Wood par les têtes de Ciotti et Pécresse. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je n'avais pas mesuré à quel point, dans le tableau original, <laughs> il a la même tête il a la même tête, Ciotti. C'est le même que ce monsieur qui était un agriculteur américain dans les années 30 aux États-Unis, puisque le tableau était peint en 1930. C'est le même. Alors, Pécresse, ce pas tout à fait la même. C'est le même. C'est une photo. Voilà, c'est une photo. C'est dingue. Alors là, je ne sais pas qui, à Libération, à un moment, a eu l'idée de cette une. Voilà. Alors, ce qui est très drôle aussi, et vous l'avez vu, euh, c'est ça c'est qu'effectivement, ils ont glissé en plus une vanne avec Xavier Bertrand à la fenêtre voilà, caché là euh, comme pas emprisonné mais bon euh, voilà, super heureux non plus quoi voilà, mais en tout cas là, bon la une est vraiment euh, réussie le titre aussi l'air austère alors on, on, dans l'analyse du titre tout à l'heure on, on était divisé alors certains me disaient oui alors c'est l'air l'air est austère le fond de l'air est austère l'air est austère voilà et puis moi je disais c'est est, peut-être AIE, euh, impératif, alors peut-être AI du coup, peu importe. Hein? Aie l'air austère. Il faut que tu aies l'air austère, puisque c'est ce durcissement du discours des candidats euh, de droite qu'on observe, notamment sur la question de l'immigration, et qui manifestement est payant en termes euh, électoraux, hein, puisque euh, Eric Ciotti, c'est, vous le savez, le plus à, à droite des cinq candidats de, de la droite. On le dit très, très, comment dire. Euh, RN compatible, hein, rassemblement national compatible, sans exagération de ma part, puisque il a déjà déclaré, c'est très officiel, que lors de la dernière présidentielle, au second tour, il n'avait pas voté pour Macron face à Marine Le Pen. Il a aussi dit Eric Ciotti que s'il y avait demain un second tour Macron Zemmour, il voterait Zemmour. Donc là, c'est pas lui faire injure de lui dire qu'il est à la droite du parti LR. Hein, on est d'accord. Euh, donc euh, on s'est penché de, de, déjà sur l'article du Parisien sur la question, puisque c'est une vraie surprise. Il y a beaucoup d'articles. Vainqueur surprise du premier tour de la primaire, le très droitier député des Alpes-Maritimes affrontera donc la présidente de la région euh, Île-de-France. Euh, le mieux placé dans les sondages à droite, Xavier Bertrand est éliminé. Il est là. Marco Le Gaulois, euh, il va se désister au profit de Zemmour, je suis sûr. Euh, je pense pas alors. Non, je pense que je fais de la psychologie de bas, de, 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 de bas étage, mais là, il a, fait, il a il, je pense qu'il a fait un score. Euh, Lui-même s'y attendait pas. En privé, il dit euh, Oui, je peux, faire, je peux faire un coup sur la primaire, mais je ne je, je peux pas la gagner. Euh, et, là, je, et là, je pense qu'il est en train de se prendre à, à peut-être à rêver, à espérer. Pourquoi pas gagner la primaire Pourquoi pas gagner la primaire À mon avis, se dit aujourd'hui Eric Ciotti. Il est arrivé en tête après tout. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas gagner la présidentielle? Donc euh, peut-être que ce n'était pas son ambition euh, il y a deux jours. Et euh, peut-être que ça l'est aujourd'hui. En tout cas, euh, lui n'a pas quitté le parti. Donc certes, on peut, le, on peut, on peut dire qu'il est très très proche des idées de Zemmour. Ouais, mais, euh, mais il est toujours chez LR. Moi, j'ai l'impression qu'il Enfin, euh, il le dit d'ailleurs. Hein, il, il dit qu'il est très bien chez LR, Ciotti, mais il dit. Euh, on, ne, on ne répond pas euh, à nos électeurs qui, eux, veulent des, 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 des réponses plus dures sur certains sujets comme euh, l'immigration. Je ne vois pas du tout Ciotti. C'est l'analyse, ça n'engage que moi. Je vois pas du tout Ciotti je... de... oui, bon. hein. euh, s'effacer aux côtés de, de Zemmour au second tour. Et en même temps, je viens de dire qu'en cas de second tour, Macron-Zemmour. Il appellerait à voter Zemmour, donc... C'est con, ce que je dis. Il l'a dit. Il a dit qu'en cas de second tour, Zemmour-Macron, il, il appellerait à voter Zemmour. Alors, à ce moment-là, quand il a dit ça, ah, c'est là où ça se complique. Au moment où il a dit ça, je pense qu'il n'imaginait absolument pas euh, pouvoir éventuellement remporter la primaire. Donc, être en capacité de représenter LR... C'est là où, 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 ça, où ça se complique par rapport à l'équation, puisque je pense qu'il est quand même très attaché à son parti. Bon, c'est assez fou quand même ce qui se passe. Voilà. Lisons l'édito de, de Paul Quigneau dans Libération, très droitier. Bon, le, la, le regard de Libération, qui est un journal de gauche sur Ciotti, ne va pas trop vous surprendre. Mais de toute façon, tout à, à l'heure, on lira un autre regard qui est celui du Figaro, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner différents regards sur l'actualité. Et après, à vous de réfléchir, à vous de vous faire les idées, hein, vos idées. Lisons l'édito de, de Libération, puis on ira celui de Figaro. Tout à l'heure, c'est pas du tout la même analyse. Le grand brûlé, ah oui, Libération écrit Paul Quignot. Il y a un grand brûlé et une mauvaise nouvelle dans cette histoire. Le grand brûlé, bah, c'est Xavier Bertrand qui méditera sans doute longtemps son double revirement stratégique. D'une part, quand il s'est résolu à intégrer cette compétition après avoir clamé pendant des mois qu'il ferait coûte que coûte cavalier seul. C'est vrai qu'il voulait pas y aller, hein, Bertrand à la primaire. Il voulait imposer que sa candidature, que sa candidature soit naturelle, qu'à droite on dise « bon, c'est clairement toi le plus fort dans les sondages, donc t'y vas tout seul, pas de primaire ». Bon, il a perdu ça, et puis finalement il a dit « ok, je veux bien faire la primaire ». Donc, premier renoncement. Euh, idéologique aussi, ce revirement pour Libé, quand il s'est abîmé en rejoignant le cœur, estime Libération, des cassandres obnubilés par les questions identitaires, migratoires, sécuritaires. Il a dès lors laissé sur le bord de la route sa propre identité de représentant de la droite sociale anti-RN qui s'était forgée après son succès dans les Hauts-de-France au régional. Alors, ça, c'est vrai. Merci, uh, Drabel, pour le soutien, pour le sub. C'est super gentil. Euh, Marine Le Pen ne peut pas. Merci, uh, Nico Penning, ça sub, c'est gentil. Merci beaucoup. Marine Le Pen ne peut pas blairer Xavier Bertrand. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Euh... Marine Le Pen ne peut pas blérer Xavier Bertrand dans les réactions à son élimination. Allez voir la réaction de Marine Le Pen. Elle a dit un truc là-dessus. Elle ne peut pas le blérer. C'est vrai que dans, dans la région, il s'est un peu présenté comme le champion anti-Marine Le Pen. Ça, c'est ça c'est vrai. Et puis il, il s'est un petit peu laissé, comment dire, en Estime Libération, entraîné par, je reprends les mots, le cœur des Cassandres obnubilé par les questions identitaires, migratoires, sécuritaires. Et lui aussi avait commencé un petit peu à muscler son discours. driser, merci. Une petite série de subs là, notamment avec Prime. Qui font bien plaisir, merci à tous. Voilà. Alors, l'édito se poursuit en plaçant en tête le sudiste très droitier Eric Ciotti. Les adhérents de LR auront, c'est un classique préféré, l'original. Aux copies, Bertrand, euh, Barnier, Pécresse qui avaient durci leur discours, donc je vous le disais. C'est la mauvaise nouvelle de ce scrutin. Il confirme la porosité des militants LR au discours d'extrême droite. Ça, c'est l'analyse de Libé. Le vainqueur du premier tour a ainsi annoncé qu'il voterait sans hésiter Zemmour, je vous le disais, plutôt que Macron au second tour en 2022, même si Eric Ciotti ne part pas favori pour l'emporter samedi. Bescar, merci encore pour ce, cet abonnement avec Prime. N'hésitez pas à piquer l'abonnement Prime de la famille pour le transformer en sub pour vos streamers préférés. <laughs> euh, même si Eric Ciotti ne part pas favori pour emporter samedi son score, on saura demain son score euh, et son nouveau statut de premier couteau vont peser pour la suite et pour Libération cette inquiétance, cette droitisation du parti LR. Et euh, S4 Julio s'abonne aussi avec Prime, donc vient d'écouter mon conseil. <laughs> et Mister Fizzo aussi, donc ok, donc ça, ça pique l'abonnement de Prime, euh, que ce soit le sien ou celui de la famille, et, et ça le donne aux streamers. <laughs> Désolé. Et ce qui souligne qu'effectivement, j'incite au vol de Prime. Voilà. Euh, je suis vraiment un grigou. Je suis vraiment un gros grigou. C'est clair. Euh, vous connaissez la chanson de Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette. Tiens, je vais m'afficher les paroles, tiens. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Paroles, les, f... les sardines. Vous ne connaissez, les... connaissez pas les sardines Qu'est-ce qu'on a serré voilà. parce qu'en fait, euh, j'ai une excuse quand même. J'ai une excuse pour les sardines de, de Patrick Sébastien, parce qu'en fait, je suis, je suis le, le fier et heureux parrain d'une association qui s'appelle Pompiers Raid Aventure, qui est une association de pompiers qui court avec des enfants handicapés. D'ailleurs, je vais vous dire un truc à ce propos dans un instant. Euh, depuis, voilà, c'est des mecs super, c'est des pompiers qui emmènent des enfants en situation de handicap aux quatre coins de la planète dans des pays très lointains parfois, pour les emmener sur des courses à pied dans des, des petites chaises particulières, qu'on appelle des joëlettes, avec une roue au milieu, deux bras devant, deux bras derrière, comme une chaise à porteur un petit peu. Et donc en fait, euh, ces pompiers qui sont géniaux, qui sont euh, bon, avec qui je cours un petit peu moins en ce moment, parce que je, je, je manque d'entraînement de, et je stream un peu trop, mais je suis leur parrain toujours, et euh, j'espère les retrouver bientôt sur les chemins. Et, euh, et en fait, ils chantent les pompiers en courant, parce qu'ils sont tellement forts qu'ils rigolent. Euh, sur, sur un marathon ou sur, euh, ou sur plus long, ils, ils rigolent, ils chantent, ils chahutent. Euh, ils font mine de balancer les enfants à l'eau, ça les fait beaucoup rire. Donc euh, dès qu'il y, qu y a une rivière, dès qu'il y a un lac, euh, ils font mine de, de balancer euh, les, les, nos petits-enfants en situation de handicap à la flotte. Voilà, ça les fait rire. Voilà, ça fait, ça fait beaucoup rire les enfants. Justement, ils sont contents que... Ben, on, voilà, on, on oublie un peu le handicap et on les, on les regarde comme des enfants, comme les autres. On les, les enfants sont abandonnés dans les bois. Enfant, les enfants sont abandonnés dans les bois. C'est-à-dire que quand on est en forêt, c'est une blague récurrente. Il bon, faut imaginer euh, dizaines de pompiers ils sont en orange en plus, on les voit de très loin ils sont dans la forêt. Voilà, parce que on, en, on emmène parfois un enfant, deux enfants, trois enfants sur des joëlettes. Et puis, on est au milieu de la, de la forêt. Et à un moment, on va poser la joëlette, la chaise, contre un gros arbre. Et tout le monde se barre, quoi. Voilà. Et l'enfant handicapé est laissé à l'abandon au milieu de la forêt. Euh, on part pas loin. Hein, on part à 10 mètres. Hein. Mais bon, voilà, ça fait rire tout le monde. Et surtout les enfants, puisque c'est l'objectif de ces sorties. Et pourquoi je vous parle de ça euh, C'est parce qu'en fait, euh, ils chantent. Et ils chantent notamment du Patrick Sébastien. Voilà et euh, chante les sardines voilà, donc euh, là j'ai le... donc le refrain pour ceux qui ne connaissent pas ça donne ça Hélène si tu veux chanter les sardines avec moi 1 de... hein? cela il aime bien donc ça donne... qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte chante les sardines chante les sardines qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte chante les sardines entre l'huile et les aromates hey voilà donc c'est ça ça c'est le refrain et, euh, et donc en fait les Pompiers cou courent et chantent dans les tunnels. Dans les marathons à Paris ou ailleurs, à un moment, on rentre dans des tunnels. Et donc, faut imaginer 10, 15, 20 gaillards pompiers et votre petite Samuel Etienne qui se mettent à chanter les sardines ou d'autres chansons du même niveau très fort dans les tunnels. Et vous pouvez avoir des milliers de personnes dans le tunnel, vous n'entendez que les pompiers. Ça rigole. Et euh, voilà pour les sardines. Et ça va me permettre d'ailleurs de faire un petit peu de pub à cette association. Parce qu'il y a un truc important qui se passe aujourd'hui pour les Pras. Pra, pompiers, raid, aventure. Voilà. Euh, je ne pensais pas vous en parler ce matin, mais puisque, euh, puisque l'occasion fait le larron. Voilà. Je vais vous montrer ça. En fait, ou plutôt je vais vous laisser. Euh, je vais laisser quelqu'un en parler. À ma place, euh, ces pompiers, il y a quelque temps là, sont allés monter le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique, d'accord euh, Parce que c'est juste des, des grands malades, quoi. Et ils ont emmené deux enfants avec eux, Oscar et Arthur, qui sont des parce qu'en fait euh, les enfants de, rentrent dans l'association et on fait pas une course avec eux, on fait une course puis une deuxième, puis une troisième. C'est une espèce de grande famille. Et donc ils sont allés courir. Merci Little Majora pour le sub. Ils sont allés courir, ils sont allés monter le Kilimanjaro, donc une expédition de ouf, quoi, je crois qu'on est à 6000 mètres, avec des Sherpas, tout ça, et avec ces deux enfants en situation de handicap, euh, Oscar et Arthur, que je connais bien. Euh, Arthur, c'est un, un petit breton. Et euh, ils les ont. Moi, j'étais pas là parce que je ne pouvais pas, en termes d'emploi du temps, je pense même sur un plan physique, les accompagner. Et ça a donné un film, un documentaire. Un documentaire qui a été primé. Voilà. Il y a eu un, 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 un documentaire, un long métrage qui a été tourné sur ta, cette aventure qui s'appelle Objectif Kilimandjaro et qui est diffusé aujourd'hui seulement dans 120 salles euh, CGR, le réseau CGR aujourd'hui. Donc si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, Maxander 42, merci pour le soutien, eh ben, aujourd'hui ce film, Objectif euh, Kilimandjaro, qui est cool, qui a été primé, euh, qui a reçu plusieurs prix je crois, eh bien, est diffusé et justement Alix Doge donc la spécialiste culture de la matinale de France Info, que vous voyez ici, la jeune femme blonde, là. en a parlé hier matin sur France Info. Alors complètement par hasard, et là je suis tout à fait honnête avec vous, j'avais pas demandé à Alix d'en parler. Euh, c'est juste que Alix, on en a, on a entendu parler, a reçu, a vu, a reçu un communiqué là-dessus, a décidé d'en parler aux téléspectateurs de France Info. C'est une vraie histoire. Et euh, quand elle m'en a parlé la veille, euh, en me disant, tiens, j'aimerais parler de ça, je lui ai dit, bah, écoute, c'est très très drôle parce que je suis le parrain de cette association. <laughs> ça, ça me fait très plaisir. Je vous montre la chronique d'Alix, c'est elle qu'on parle le mieux. Comme ça, si jamais vous avez envie d'aller voir ce film euh, aujourd'hui, c'est dans le réseau CGR, let's go. Et Alix, ce matin, a décidé de nous parler d'un très beau projet, oui. un très beau film qui sort demain, vendredi, seulement une journée. Donc si vous voulez le voir, il ne faut pas le rater, seulement dans quelques salles de cinéma seulement une journée. Oui, alors c'est un film documentaire qui s'appelle Objectif Kilimandjaro, un film de Dominique Barnio. Alors vous l'avez dit, il sort demain pour seulement une journée et dans seulement 150 salles de cinéma en France. Alors pourquoi demain Eh bien demain c'est la journée internationale des personnes handicapées et ce film absolument magnifique. Ça c'est important, aujourd'hui c'est la journée mondiale des personnes handicapées. La journée internationale des personnes handicapées, c'est aussi pour ça que ce film est diffusé aujourd'hui dans ces salles. CGR, objectif Kilimanjaro, Oscar et Arthur, vous les voyez les deux petits là, dans leur fauteuil sur le toit de l'Afrique. Raconte l'histoire, raconte l'aventure incroyable d'Oscar et d'Arthur. Ce sont deux copains, deux adolescents en fauteuil roulant et ils se sont lancés dans un pari complètement fou, monter tout en haut du sommet le plus haut d'Afrique, le Kilimanjaro, 6000 mètres d'altitude. Alors le film parle bien plus euh, que, que de l'handicap, c'est une vraie leçon de vie, ces euh, deux garçons ont une vraie force euh, de caractère, un courage euh, complètement remarquable. On regarde un, un extrait de la bande-annonce. Je suis heureux comme je suis et euh, moi je changerai mon fauteuil pour rien au monde. Alors, vous l'avez vu, ils n'étaient pas seuls. Hein. Ils ont fait cette, cette ascension avec. Euh, ils étaient accompagnés d'une vingtaine de, de bénévoles de l'association Pompiers Raid Aventure. C'est une association qui permet à des enfants à mobilité réduite, eh bien, justement, de pouvoir vivre euh, ce genre d'aventure absolument euh, exceptionnelle. Ça sort donc demain dans quelques salles euh, en, en France. Et vous pouvez facilement retrouver euh, s'il y a une salle de cinéma, justement, proche de, de chez vous sur Internet. Objectif Kilimanjaro. j'étais très content quand Alix m'a dit hier qu'elle allait parler est de hasard. ce film. Parce que le hasard. Mais on n'en avait pas parlé avant. veut que je suis le parrain depuis plusieurs années de oh. l'association Pompiers et d'aventure et ses deux enfants Oscar et Arthur. fait exprès. J'ai couru avec eux, donc j'étais super content. Mmh. Alex, qu'on pouvait annoncer ça. Ce sont, c'est une très belle association. C'est un très beau documentaire. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est super. Voilà. suis un peu ému parce que c'est gens, tous les tous les coureurs là qu'on vient de voir. Je les, c'est des copains. ils m'ont accueilli dans leur famille parce que c'est une famille. Pompiers et d'aventure. Il y a quelques années, je suis leur parrain, je crois, depuis 5 ans. Voilà, j'ai beaucoup couru avec eux, beaucoup de courses, beaucoup de marathons, un peu moins maintenant et je m'en excuse parce que je suis moins disponible. Mais j'ai qu'un qu espoir, c'est de pouvoir retrouver du temps pour les rejoindre à nouveau. Deux choses rigolotes dans cet extrait. Le petit, le petit téléphone à droite là, avec le bras stabilisateur, parce que j'étais en plein stream hier matin pour vous faire découvrir les coulisses. Et puis je vous ai dit, ils ont, ce sont des garçons, les pompiers dont je parle, et ils ont des jambes d'acier et des cœurs en or. Et puis c'est des foufous aussi, ça danse tout le temps et à un moment on le voit... Des mecs qui sont quand même en haut du Kilimandjaro, voilà, avec euh, donc ça c'est Oscar et avec Arthur qui est ici. Ce garçon à un moment qui dit euh, je l'échangerai pour mon fauteuil pour rien au monde. Voilà un petit Breton hyper gentil. Et alors, tout, tous ces pompiers je les connais. Et quand je vous disais qu'ils font les fous, ils sont en haut et ça et voilà et ça fait le des fous à un moment les voit danser. Je recherche voilà et regarde et, et ça ils le font dans toutes leurs courses <laughs> y compris. Plus euh, que, que de l'handicap, ouais. ça a une vraie leçon de vie. <laughs> euh, deux garçons ont... Y compris en haut du guinée Et juste le monsieur que vous voyez ici, là, <laughs> avec la veste rouge, les lunettes, c'est Jérôme. Travers, c'est Jérôme, c'est le pompier. Euh, c'est le président. C'est lui qui a créé l'association. Voilà. C'est le. C'est El Presidente, puisqu'on a tous un t-shirt orange avec euh, son, son pseudo dessus. Voilà. Donc, lui, c'est El Presidente, parce que c'est le président. Euh, un autre qui a été baptisé 50%, soi-disant, parce qu'il fait 50% des courses, ce qui est faux. Chacun un petit pseudo sympa. Et moi, euh, mon pseudo, c'est le parrain, ce qui est plutôt classe. D'ailleurs, Jérôme, c'est lui, c'est le président. Je suis un petit peu ému parce que c'est les gens que j'aime beaucoup. Donc, comme le disait Alice, n'hésitez ben, pas à vous euh, à vous renseigner. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'est. Euh, euh, comment dire C'est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, je, alors je me demande s'il n'y a pas des, des pompiers des, de, de l'association, des pras qui sont là. Parce que je sais que certains sont sur le stream parfois. Voilà. Euh... Maxander, Little Majora, je vous ai remercié tout à l'heure. Je voulais voir s'il y avait des. Voilà. Que quel... J'ai vu quelqu'un qui disait j'y Et je me demande si ce Jifu c'était pas justement un, un des pras. Voilà Mais c'est très très beau, quoi. Voilà. Je, je, je regarde juste. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez aujourd'hui l'occasion. Euh de, de, de voir ce film vous tapez euh, opération Kilimanjaro et CGR parce que c'est le réseau de salles de cinéma qu'ils propose aujourd'hui euh, n'hésitez pas voilà. c'est quelque chose d'assez fort et ça vous montrera ce que font ces, ces pompiers euh, et, ces, et ces enfants et c'est juste incroyable voilà. allez on retourne à l'écoute des journaux pardon pour cette petite parenthèse euh, je ne sais plus ce qui nous a amené à la faire ah bah si c'est drôle quand même l'esprit d'escalier donc on salue le titre de Libération, Qu'est-ce qu'on serré au fond de cette droite voilà. qui nous renvoie à Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte la chanson de Patrick Sébastien. La Patrick Sébastien, eh bien, les pompiers chantent cette chanson, donc je pense au PRA, et là je me rappelle qu'aujourd'hui il se passe quelque chose de très important. Voilà. Donc le titre, on le valide, Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette droite Et euh, Libération nous propose aussi, et ça c'est intéressant, le regard de deux chercheurs, deux spécialistes sur Eric Zemmour. La fameuse vidéo que vous avez peut-être vue, je ne vais pas vous la diffuser. Si vous l'avez pas vue, vous, vous irez la voir sur internet. Si vous l'avez vue, tant mieux. Je ne vais pas vous la diffuser ici. Euh, voilà, parce que je me la suis déjà tapée une fois. Ça va. Et puis en plus, de toute façon, vous savez qu'elle pose plein de problèmes puisque euh, Eric Zemmour a emprunté plein d'images, notamment de films, sans en avoir les droits. Donc. Euh, de toute façon, je ne peux pas la montrer parce qu'elle est pour partie euh, de illégale. Voilà. Donc, mais si vous avez envie de la voir pour euh, essayer de comprendre sur le fond, euh, libre à vous. En revanche, Libération, moi je ne streamais pas ces derniers jours donc je n'ai pas pu vous en parler. Libération, demandez à deux spécialistes un petit peu d'analyser la vidéo et c'est ça qui est intéressant ce matin. Ce que sa vidéo de candidature dit de lui. À travers son film de lancement de la campagne présidentielle, Eric Zemmour utilise les images pour mieux asseoir son discours idéologique sans aucun souci de vérité. Deux spécialistes décryptent ce mode de propagande. Lisons. Une vidéo YouTube postée à l'heure du déjeuner, alors moi je me la suis tapée vraiment quasiment en direct parce qu'en tant que journaliste j'avais vraiment envie quand même de voir ce qu'il disait. Eric Zemmour a donc officialisé sa candidature à la présidentielle en frappant les esprits par un film aux images violentes. Où les ennemis étrangers, musulmans, intellectuels, élites sont désignés, désignés comme le veut la tradition d'extrême droite. Euh, un peu plus de 5 minutes. La vidéo était beaucoup plus longue pour moi, elle faisait 12 minutes. Euh, vous, vous avez l'info ou pas J'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus longue que 5 minutes. Elle faisait pas 12 minutes Non, c'est 5 Ouais, gros dit 10 minutes. Ouais, je suis d'accord. 11 minutes dit croque-mou du genou, joli. Pseudo. Ouais, 10 minutes, ok. Je suis en train de check, c'est 7 minutes. Ah bah, c'est bizarre. Il n'y aurait pas eu deux versions Parce que, voilà. Parce que moi, je l'ai vu à 12. Certains me disent 10. Et certains sont en train de checker à 7. Je pense qu'il y a eu plusieurs euh, versions. Voilà. Vous, êtes, vous êtes quand même pas mal à avoir vu à 10-12. de me demande s'il n'y a pas eu plusieurs versions, peut-être pour l'histoire des, des images et des droits. Voilà. Libération, c'est pour ça que je suis un peu surpris de Libération qui parle de 5 minutes. Peu importe, c'est pas ça qui est important. C'est ce qu'il y a dedans. Donc, un peu plus de 5 minutes d'Ilibé, où est évoquée une France au bord du gouffre, au gouffre identitaire, vision ultra pessimiste et paranoïaque d'un pays gangréné par la violence. Tel un speaker des années avant-guerre, arrimé à son micro... Zemmour compte une histoire basée sur la théorie du grand remplacement. À l'appui des images, donc, c'est ça qui est intéressant, sorties de leur contexte pour mieux servir un propos, sans aucun souci de vérité, rue ou prix des musulmans, lieux publics, métro, hôpitaux où règne l'embouteillage humain, la confrontation, l'insécurité, le trafic de drogue, les explosions, une vidéo où aucune mesure politique n'est proposée, ça c'est important. Une vidéo où aucune mesure politique n'est proposée. Seul compte la longue déploration de cette France fantasmée entre génie politique et littéraire, Napoléon, De Gaulle, Hugo, La Fontaine, Molière, industrialisation triomphante, le pays du Concorde, le pays du nucléaire, et film de Claude Sautet. Pourquoi Deux spécialistes, justement, à la demande de Libération, ont regardé ce film de propagande politique d'un nouveau genre. La sémiologue, spécialiste des mots, donc, Virginie Spies, S-P-I-E-S, Spie peut-être, et l'historien des cultures visuelles, euh, à euh, le à H E S ESS, S, -S -E, c'est les études des hautes études c'est quoi déjà L'HE, c'est le, -E, le j'ai plus la ref euh, H E on s'écrit école des hautes études en sciences sociales ouais, dû, dû moi j'aurais dû le deviner moi tout seul voilà. André Günther la parole d'abord à Virginie Spi ou Spiess pardon si elle est avec nous euh, en lisant ses fiches dit cette sémiologue, cette spécialiste des mots, il se met et dans la position de celui qui produit un discours de sauveur, c'est en haut à droite. Tel de Gaulle, 18 juin 1940, ou comme le, dans le film Le discours d'un roi, vous vous souvenez Et de le fait de lire un discours. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il lit Pourquoi il lit Il regarde quasiment pas la caméra. Et le fait de lire un discours sans regarder de la caméra permet aussi de surimposer plus facilement des images. Donc, il y a le côté euh, image. Puis il y a le côté aussi, euh, finalement, de, de faire comme De Gaulle, euh, puisque pour l'appel du 18 juin, euh, effectivement, De Gaulle lisait ses notes aussi. Donc peut-être un petit clin d'œil au passé. Et ce n'est pas le seul clin d'œil au passé. Cette utilisation en permanence d'images d'illustrations, cette osé, dit cette sémiologue, et le résultat est scandaleux. Quand il parle d'accompagner votre mère aux urgences à l'hôpital, par exemple, on voit à l'écran une image de caméra de surveillance dans un hôpital où a lieu une bagarre. Ça se prononce pièce, me dit-on. Ok, merci. Une bagarre. Et elle dit, donc Madame Spiès, c'est quand même ici l'exemple parfait d'une manipulation de discours. Généralement, quand on râle aux urgences, vous serez d'accord avec moi, c'est parce que l'attente est trop longue, c'est pas parce qu'il y a une baston. Baston, il y en a eu à l'hôpital, bien sûr, mais la phrase de Zemmour, c'est euh, quand il parle d'accompagner votre mère aux urgences de l'hôpital. Et il met des images de baston. Donc elle dit, c'est malhonnête. Elle continue. Les images jouent le rôle ici d'illustration au profit d'un discours de pouvoir, mais pas du tout au service du réel. La vérité ne compte plus, la seule chose importante est d'atteindre ses fins, la croyance devient plus importante que le réel. Essayons de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu, dit-elle. Zemmour ne fait pas la preuve par l'image, il utilise les images et les médias pour les mettre à son service. La parole maintenant à André Günther, donc de l'école des hautes études en sciences sociales, encore un chercheur. Il dit lui quelque chose de pas très différent finalement. C'est à droite, pardon, je dézoome un petit peu. Il dit, cette complainte ne développe aucun programme politique. Le ton n'est pas combatif, mais celui de quelqu'un qui souffre, entièrement tourné vers le passé, d'où l'usage du noir et blanc. Les références sont vieillottes, comme celle du Concorde, un avion qui n'existe même plus. Il conçoit le rôle d'un président comme celui d'un commentateur et s'est donné une mission, raconter une histoire. Et le chercheur, il dit, c'est pas un programme, il dit, c'est 20 ans D'édito au Figaro qui défile dans cette vidéo. Il ne dit rien de l'horizon politique qu'il vise. Le seul ressort qu'il utilise, comme dans ses discours, c'est la peur. Quelqu'un me dit, c'est un débat dans le chat. Lisons un petit peu. Lisons un petit peu. Euh... Il y a pour Poum, par exemple, il cherche à atteindre les sentiments, mais pas l'intelligence des gens. De temps en temps, il y a des soutiens de, 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 de Zemmour qui sont là et ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que même si on n'est pas d'accord sur, sur, sur les choses, sur les idées, l'important c'est de pouvoir en parler. Euh, voilà. Et de s'ignorer les uns les autres. Moi, je, je ne cache pas que je ne voterai jamais pour un candidat d'extrême droite, mais si, 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 s'ignorer les uns les autres, ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir en parler. Et, et moi, j'essaie de parler aussi avec les gens. Je suis pas d'accord. Donc, de temps en temps, je vois des des prosémures, des, des, des vives et mours, vive le Z dans le chat. En soi, ça ne me dérange pas. Du moment où vous l'exprimez de façon correcte vis-à-vis euh, -vis des autres viewers et, et puis que évidemment vous ne, vous ne tenez pas des propos illégaux, puisque je rappelle encore une fois que le racisme n'est pas une idée, euh, mais un délit. Des propos racistes. Euh, donc voyons un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez bah, Je trouve que ça se fight pas trop dans le chat justement. Un peu. Alors comme dit Chamanite... En même temps, Zemmour, c'est un polémiste, pas un politicien. Oui, mais le problème, c'est qu'il veut devenir président de la République. Donc maintenant, on, ce qu'on veut, c'est un programme. C'était pas forcément le Alors, comme le dit Ishish, et ça, j'entends l'argument, c'était pas forcément le moment de dévoiler son programme aussi. C'est vrai. C'est vrai. Euh, la campagne ne fait que débuter. Donc ça, je peux entendre ça. C'est vrai. Mais euh, la critique de deux spécialistes en libération renvoie aussi à une autre critique qui est Zemmour ne parle finalement que d'une chose, d'immigration, euh, d'identité nationale, voilà, de ce passé glorieux qu'on a perdu, mais aujourd'hui euh, Zemmour ne parle pas, euh, en tout cas pas de façon euh, convaincante, d'emploi, de, de, de chômage, euh, de santé, d'économie, euh, de l'école. Que sais-je enfin, <laughs> Il veut être président de la République, donc à un moment, il y a beaucoup d'attentes par rapport à son programme, parce que pour l'instant, c'est pas très convaincant. Deux hein décembre. Ah, le programme va arriver, dit Caroc. Oui, de toute façon, c'est sûr, tu as raison, le programme va arriver, ou alors le mec est complètement fou. Il faut qu'il faut, il faut qu présente un programme, bien sûr. Adrenor ajoute c'est pas une vidéo à propos de son programme c'est juste une vidéo de déclaration d'entrée dans la course à la présidentielle et rien de plus vidéo de 10 ou 12 minutes le mec aurait pu glisser quand même quelques, quelques, quelques mesures quelques voilà euh, et, et pourquoi ça, ça lui reprochait c'est que justement au niveau programmatique c'est un petit peu faible pour l'instant c'est la différence entre un polémiste et un candidat ok allez un petit dernier commentaire là dessus j'essaie de trouver des des, com des commentaires euh, entre guillemets pro-Zemmour pour nourrir le débat puisque moi je ne suis pas tellement pro-Zemmour. Je, je valide King Duvis qui dit je suis loin d'être Zemmourien, loin d'être Zemmourien, mais je trouve ça étonnant qu'on retrouve la propagande politique avec lui. Soyons aussi critiques avec tous les autres candidats et là je suis complètement d'accord. mais je suis d'accord qu'il faut être critique avec tous les candidats et que la propagande politique, euh, Zemmour, n'en a pas euh, la, comment on dit, la, le monopole. Mais, 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 euh, penchons-nous sur euh, ce qui vient de se passer à droite. La primaire, le premier tour, il y a eu quatre débats. Et je ne sais pas si vous êtes tapé les quatre débats, mais ben, il y a eu échange. Il y a eu quatre candidats qui ont réussi d'abord à débattre sans se taper sur la gueule. Euh, alors qu'ils visaient tous <laughs> la même place, euh, leur représentant la représentante du parti à la présidentielle, et on faisant des propositions extrêmement concrètes. Euh, on en a lu plein ici euh, sur l'économie, sur le chômage, sur les impôts, sur l'immigration aussi bien sûr, euh, sur l'école. Donc voilà, donc euh, comment dire, euh, tout, tout le monde n'est pas juste dans euh, le clip historique avec des images de Jeanne d'Arc dedans et un, un, un truc vaguement où on dit que c'était mieux avant. Quoi. Parfois, les politiques sont quand même un peu, un peu plus concrets. Donc là, la, la, la propagande politique, euh, Zemmour n'en a pas le monopole. Mais ce qui vient de se passer à droite, par exemple, bah, montre qu'il euh, y a quand même des candidats qui font des propositions. Aujourd'hui, vous regardez... Je sais pas. Vous prenez le, le, comment, le, 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 le candidat communiste, là, bon, qui le secrétaire national du Parti communiste qui, qui, qui mène campagne, alors avec un sondage des sondages très très faibles, bon bah il a un programme, hein il a un programme. Vous vous trouvez les, les propositions assez facilement. Euh, Anne Hidalgo, pareil, elle perce pas dans les sondages, mais euh, elle a un programme. Voilà. Qui, 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 qui convainc pas, mais elle, elle a un programme. On n'est pas dans la euh, Quel était le mot que tu as utilisé la, la propagande politique, quoi. Pourquoi il n'est pas mis en prison si c'est illégal, Chikamaru euh, Bah c'est la base. Il a, été, il a été condamné deux fois déjà pour incitation à la haine raciale, pour incitation à la haine religieuse. Ça c'est des faits et, et c'est ce, des, des peines qui en France sont pas condamnées, sont, ne, 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 comment, ne sont pas sanctionnées par des peines de prison. Merci d'essence, donc condamné. Mais tu, tu, tu sais qu'il y a différents, euh, différents niveaux dans la réponse euh, de la justice à des infractions, des délits ou des crimes. Et il n'y a pas que la prison dans la vie. Il hein. y a aussi le, les, les amendes, la prison avec sursis, euh, voilà, des peines d'inéligibilité, par exemple, puisque le candidat communiste à la présidentielle que j'évoquais, lui propose de changer la loi pour qu'un un candidat qui ait un jour été condamné pour incitation à la haine raciale, euh, eh bien, ne puisse pas se présenter à une élection. Voilà. Voilà. Une dernière là-dessus, parce qu'on ne va, pas va pas passer notre vie sur Zemmour. Euh, Il bah, y a Tarzan qui dit, et un mec condamné, à l'incitation à la haine raciale peut se présenter. Oui. En droit français, si tu as été condamné pour incitation à la haine raciale, tu peux aujourd'hui te présenter. C'est pour ça que certains demandent le changement de la loi. Bon. Voilà. Euh, condamné tout court, pourquoi spécifier la haine raciale bah, Parce que être condamné pour avoir pour, fraudé le fisc, pour avoir volé une caisse d'orange pour avoir assassiné quelqu'un ou pour incitation à l'âne raciale, ça n'est pas la même chose. Donc là, c'est juste parce que je suis journaliste. Et si je te dis que Zemmour a été condamné, bah, si je ne fais pas mon boulot. Je, si, si je te dis que Zemmour a été condamné, tu vas me dire, bah, il, si tu te poses un peu des questions sur l'actu, tu, tu vas me dire, mais il est condamné pour quoi Il est condamné parce qu'il a volé des trucs Il est condamné pour agression sexuelle Il est condamné pour fraude fiscale Il est condamné pour que sais-je encore euh, non, il n'est pas, pas, pas juste condamné, il est condamné pour incitation à la haine raciale et condamné pour incitation à la haine religieuse. Aujourd'hui, dans son casier, il y a ces deux mentions, et puis il y a un troisième procès en, en cours euh, où le procureur a réclamé une amende aussi également pour incitation à la haine raciale. Voilà. Donc là, c'est juste, ça c'est parce qu'il faut être un petit, peu, euh, un petit peu un petit peu carré, un petit peu, un petit peu précis. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, puisque bientôt il va, il va sans doute préciser son programme. Euh, en tout cas, ce qui fait l'actualité, là, c'est plutôt, vous le voyez, Figaro. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout la même lecture que Libération. Euh, Ciotti et Pécresse en duel pour incarner la droite, ce second tour de la primaire LR qui surprend beaucoup. C'est intéressant parce que bon, bah, Libération s'inquiète de ce que Libé estime être une dérive à droite de LR, notamment représentée par Eric Ciotti. Et le Figaro n'est pas du tout gêné. Et c'est ça qui est intéressant, de vous lire des articles différents, euh, avec des angles différents, des regards différents, pour qu'après vous fassiez, vous, votre propre opinion. Que dit justement euh, Le Figaro ce matin, et l'édito de Vincent Trémollet de Villers qui est là en bas On le lit Ligne droite, ligne claire. Je zoome un petit peu pour mes petits yeux. Voilà. Euh, en tête au premier tour, Eric Ciotti... Bah, personne n'attendait. l'attendait. Ses détracteurs expliquaient déjà que son succès repose sur un électorat rétréci, en oubliant qu'à force de se ruer vers le centre, LR a laissé beaucoup sur sa droite d'électeurs. Voilà, plus de 35% des Français estiment le Figaro. Et pour le Figaro, cette analyse, c'est une illusion d'optique. Les adhérents qui ont voté pour Ciotti, estiment le Figaro ce matin, ne sont pas le dernier carré, mais l'avant-garde, des bataillons de la droite. Ciotti en tête, donc, c'est une précieuse boussole pour naviguer en eau favorable. Vous avez vu la différence de regard entre Libération et Figaro Ligne claire, ligne droite. Le député a rappelé enfin le plus sûr chemin qu'il y a entre un représentant et ses électeurs. Entre lui et Valérie Pécresse, les différences sont de degré plutôt que de nature. La présidente de la région île de france montre dans ses discours, mais aussi à la tête de sa région, une vraie clairvoyance sur, dit le Figaro, Merci PSR Bab pour ce, cet abonnement pour trois mois d'avance. C'est super gentil. Et donc Figaro explique que Pécresse a montré une vraie clairvoyance pour l'affaissement du pays, pression migratoire, insoutenable, c'est le Figaro hein, qui écrit, insécurité galopante, autorité en lambeaux, endettement vertigineux, délire intersectionnel, natalité en déclin. Ça, c'est le Figaro qui l'écrit. Et qui conclut les soutiens du président Macron, hein. Proclame qu'ils ont le monopole de la compétence et de la modernité, Valérie Pécresse, on sait matière n'a rien à craindre, ses adversaires sont prévenus, la droite relève la tête, donc vous voyez que le Figaro, euh, l'édito hein, du Figaro, valide et en fait approuve totalement et se réjouit en fait de ce second tour. Étonnant. Hein la différence de regard. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de lire des journaux différents, justement. Euh, en encore un édito euh, de Guillaume Tabar, en bas à gauche, là, qui reprend un petit peu euh, l'idée. La victoire de la méthode et de la clarté. Bon, ben ça aussi, ça a le mérite de la clarté. Euh, Guillaume Tabar qui écrit On peut dire que Valérie Pécresse a gagné une bataille, mais elle n'a pas encore gagné la guerre. Avec 655 voix de retard seulement sur Ciotti, et désormais soutenue par les trois autres candidats, c'est vrai, la voici, la voici quasi assurée d'emporter la primaire interne aux républicains. Il y a cependant encore loin d'ici à un retour de la droite à l'Elysée, puisque là, on parle vachement de la primaire, de la primaire, de la primaire, de la primaire. Mais. Alors il est. Enfin, je vais me faire un petit café rapide. Euh, la primaire. N'oublions pas qu'après il y aura la présidentielle. On finit cet édito. Je vais me chercher un petit café parce que ma tasse est vide. là. Euh, Éric Ciotti et Valérie Pécresse ont tenu des discours et des postures qui en faisaient les deux concurrents les plus assumés à droite. Cette clarté estime Guillaume Tabar a payé une forme de radicalité qui a séduit les militants. Guillaume Tabar qui conclut. La droite après avoir réussi sa primaire. Hop, c'est ici à droite. Va entamer la partie la plus escarpée du parcours vers l'Elysée. Valérie Pécresse, si c'est bien elle qui l'emporte samedi, à maintenant. Donc demain, trois adversaires à battre. Emmanuel Macron, qui se retrouve en finale. Voilà. Cette bataille ultime est tout sauf gagnée, mais ce serait une hypothèse où la candidate LR pourrait miser, par exemple, sur un tout sauf Macron. Imaginons un second tour Pécresse-Macron, certains disent ben, tous les gens qui sont opposés à Macron pourraient voter Pécresse. Bon, ça pourrait euh, lui être favorable, euh, y compris des gens à gauche et des extrêmes. Mais, deuxième adversaire, pour cela, il faut d'abord accéder au second tour, donc devancer Éric Zemmour et Marine Le Pen. Voici les trois adversaires. Elle part avec un retard certain sur Zemmour, sur Le Pen, écrit Le Figaro. Il reste du chemin pour récupérer un électorat qui fut à droite, mais a été déçu par elle, par la droite. Passer de 10 ou au 12 aux 16 à 20 qui lui seront nécessaires pour se qualifier pour le second tour ne sera pas un défi facile. Valérie Pécresse ou éventuellement avec Ciotti, auront 4 mois pour le relever. Intéressant l'article du Figaro. Euh, qu'est-ce que j'ai après Après j'ai oublié un truc sur les on va revenir sur l'école puisqu'on a vu un truc dans le Parisien tout à l'heure vachement intéressant sur l'école. J'ai un article sur le Figaro qui apporte, apporte un autre éclairage là-dessus, mais après 2h20 de stream, je crois que j'ai le droit à un petit café. Est-ce que vous validez le petit café Est-ce que je dois aller me chercher un petit café Je recule ma chaise pour commencer à me préparer mais voilà, c'est est-ce que vous validez oui, j'ai droit à un petit café je vais une minute 30 hein, rapide hein, okay donc petit écran de pause très vite je vous mets petite musique qui va bien pour les abonnés petit rock tout ouais, ça, ouais. Plutôt ça. Ouais, je cherche un truc sympa ouais ok je vous mets ça euh, 2 minutes 49 la minute enfin, je, je, la musique faut aller très très vite je vous mets la musique pour les abonnés euh, petite pub euh, pour ceux qui ne le sont pas et je reviens avec mon café. Vous êtes toujours là Ah, ça va Moi, bon, j'ai un peu triché, monsieur fait aussi Deux petits chocolats. Ah zut La Benjamin qui me dit qu'il est parti. La poume qui est partie aussi. Ah oh zut mmh. Ah, zut. ah, tout le monde est parti, il y a Mazé qui dit qu'on est tous partis. Ah, zut. Ah. Les bruits de bouche, là, c'est désolé, mais le café, c'est carburant, mais le chocolat, c'est la vie. Hein. Ouais d'accord. Validez. Ah, il y a Zirus qui est revenu. Merci. Vous êtes encore un petit peu, ça va. Tant mieux parce qu'on a un article du... Non, la blague du son. Il euh... y a Shuky qui me fait la blague du son. Ah, il n'y a plus de son. Hein. Non, ça, je me faisais avoir en première saison, mais plus maintenant. Et Valve, euh, merci beaucoup pour ce soutien. Que dis-je Pour ce quatrième mois d'abonnement, c'est trop gentil. Je pars. <laughs> Lexi qui dit Je pars aussi trop de bruit de bouche. Ouais, mais le chocolat, c'est la vie, le chocolat. T'enlèves le chocolat, il reste quoi euh, Neluge17, merci pour ton soutien. Hein, T'enlèves le chocolat, qu'est-ce qui reste, quoi Hélène, qu'est-ce qui reste si on lève le chocolat Les bonbons dit Hélène. Hélène, elle, 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 elle mange pas de chocolat, elle mange des bonbons. Et moi, je mange pas de bonbons, je mange du chocolat. C'est quand même euh, très complémentaire. Il y a euh, Divelas qui dit, Samuel, les viewers ont besoin d'un gargarisme au café. OK Merci, euh, Voilà, 974 pour le soutien. Et c'est parti pour le gargarisme au café. Il y a Hélène qui fait... gueux. Voilà, c'est fait. Gargarisme au café, il a rien de mieux. Il euh, y a Famous qui dit « Je déteste ça, arrête, c'est trop tard. » Parce que euh, d'abord, ça fait du bien. Et ensuite, ça enlève le chocolat. Et après, je salive moins. Et donc, on peut lire les articles, comme Le Figaro. Et il y a Hélène qui est en train de partir à l'école. Euh, à tout à l'heure, alors euh, bah, Pas ce soir. <laughs> ce soir, minuit trente, deux heures sur France 2. Je ne vais pas revenir avant 3h du mat, je pense. Waouh, super. En fait, je vais revenir à la maison. Euh, je vais finir mon émission à l'heure où je me lève d'habitude. Ça va être bizarre. Donc, euh, ben, à tout à l'heure. Et bon courage pour cet après-midi. Donc, on a lu tout à l'heure un article du Parisien. C'était même la une. Ah, je vais. Ah, Hélène me, donne la... me rend la super chaise. Euh, merci. De... Merci. Parce qu'on a deux chaises dans se... cette pièce. Il y, une... y a une super chaise très confortable que je laisse à mon épouse quand même quand elle est là. Et, euh... Et là, elle est partie, donc elle me la donne. C'est trop gentil. L'amour, quoi. Ah Oui Ah Mieux Hein, quoi Je dors combien de temps je... Pourquoi dormir Pourquoi faire voilà. Ah oh. Est-ce qu'elle est belle, Hélène Il y a cha, chaque bl qui demande est-ce qu'elle est belle, Hélène Hélène, elle n'est pas. Hélène, c'est la plus belle. Ce n'est pas qu'elle est, est, qu est belle. C'est que c'est la plus belle. C'est Hélène. Quand même. Donc, tout à l'heure, on a lu la une du Parisien, que je vous montre rapidement pour ceux que, qui n'étaient pas là il y a 2h28. Du Parisien, c'est euh, Trop de profs absents. Trop de profs absents pour des raisons diverses et variées euh, de santé, de, de formation. Euh, et le problème, c'est pas tant qu'ils soient absents, le problème, c'est qu'ils ne sont pas remplacés, ce qui pose des problèmes quant à la continuité pédagogique. J'adore glisser des expressions genre je m'y connais quoi. Et donc le Figaro se penche aussi là-dessus et nous explique qu'en fait l'accusation, elle est quand même lancée par la Cour des comptes. Ça n'est pas rien. Euh, dans un rapport publié hier, la mauvaise gestion des absences, c'est ce que je viens de dire. Et les remplacements d'enseignants est pointé du doigt. Voilà. Donc là, on va un petit peu plus loin avec le Figaro. Je zoome un petit peu trop et après vous ne pouvez plus lire. Je me recale sur ma nouvelle chaise. Je me cale les trucs dans le dos. Vous verrez quand vous. aurez mon âge. Vous ne vous moquez pas. Ce que bon, le dos, c'est un des premiers trucs qui. Ah Ah, petit coup, ça va. ah... Pas bien là. Joli. Éducation. Dans un rapport publié hier la cour des comptes fustige la gestion par le ministère de l'éducation des absences des enseignants au collège au lycée elle fait valoir que les deux tiers des absences de courte durée sont liées au fonctionnement de l'institution pas, pas à la maladie des profs hein, mais à des dysfonctionnements d'organisation les deux tiers les deux tiers ça va pas un tiers est lié à des problèmes de santé familiaux, ok En toile de fond de leurs recommandations, les sages de la rue Cambon, c'est à court des comptes, on dit les sages de la rue Cambon, invitent les professeurs à travailler davantage. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. On va se pencher là, sur ce, cette question du travail des profs, d'ailleurs, parce que on lit parfois beaucoup de bêtises là-dessus. De quoi susciter un fort agacement dans les rangs des organisations syndicales, dans les couloirs de la rue de Grenelle, ça, c'est le ministère de l'Éducation, euh, même si au ministère, on explique être habitué au yaka faucon de la Cour des comptes. Euh, alors c'est vrai que les chiffres des, des remplacements, là, euh, ou plutôt du non-remplacement, se dégradent par rapport à 2017. La Cour, euh, la cour des comptes s'était déjà penchée sur la question. Avec un changement majeur, cependant, les familles acceptent de moins en moins cette situation. Quelqu'un qui me dit qu'il faut que j'achète une chaise Herman Miller. Qu'est-ce que c'est que ça Chaise. C'est top ça. C'est le top du top. Pas avoir mal au dos. Encore un truc qui va coûter 10 000 euros. Vous connaissez ça oh, C'est pas joli, hein C'est une chaise de gamer. Hein C'est trop cher. 1200 euros. Pfff. Ah ouais, mais je... ah non, j'aime pas ça. Moi, je. Non, non. J'en ai vu déjà des comme ça. Je trouve ça pas très très beau déjà. En vrai. C'est bien ça, c'est vraiment bien. Oh là là, 1500. Oh là 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 là. C'est la meilleure des chaises ergonomiques. C'est pas très joli, hein. Hélène, elle va m'interdire. Hélène, je crois, le, le dos est. Le dos, le dos est, elle est ok, mais elle veut, que, elle veut que ce soit joli. Elle veut que ce soit joli à la maison, sinon elle me dit ton hey, ta chaise. Acheté... Moi, je lui ai, je lui ai dit, hein, est-ce que je peux m'acheter une chaise de gamer Parce que la déco, c'est Hélène, quand même, faut pas déconner. Elle me dit, non, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Elle me dit, si tu ne ramènes pas ça à la maison, quoi. Dis-lui que tu auras un joli dos. Je crois qu'elle s'en fout. Elle s'en fout. Je crois elle préfère que, que, que j'ai une jolie chaise. Oh Et alors là, c'est pas possible, ça. Les roulettes, les accoudoirs, là. Non, non. Non, ça va pas être possible. Non, non, désolé. Il faut que je... En fait, il faut que je trouve une chaise comme ça, mais très belle très belle. Voilà, à France à fond, on a des chaises un peu comme ça. Euh, ben, D'abord, je ne trouve pas super confortable. En vrai, hein. Voilà. Et, euh, et puis, je trouve ça très, très moche. Non, une chaise de, de base avec des petits coussins qui vont bien, ça va quoi. Euh, pardon, je, 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 je m'éloigne de l'éducation nationale, c'est quand même ce qui nous importe. Donc, effectivement, ça se dégrade, hein, les non-remplacements des, des enseignants. voilà. Sauf que les familles, elles acceptent ça de moins en moins. Le Figaro écrit ce matin à ce propos. Dans les établissements du second degré, les magistrats relèvent que les deux tiers des absences de courte durée ont une cause institutionnelle. C'est fou Alors, qu'est-ce qu'on appelle les causes institutionnelles des absences Fermeture d'établissements pour cause d'examen, par exemple. Réunion de jury. Sortie. Voyage scolaire facultatif. Mais surtout la formation continue des enseignants qui, contrairement à celle des enseignants du primaire, se déroule essentiellement sur le temps d'enseignement. Ah merde, la scène Voilà. Alors du côté du, du ministère, qu'est-ce qu'on dit euh, On explique que depuis 2019, les formations peuvent être dispensées pendant les vacances scolaires, d'accord, pour répondre à ce problème, en échange d'une indemnité de 120 euros par jour. Ça règle le truc, ça. Alors, la Cour des comptes dit, bon, attendez, euh, les profs se forment sur le temps, leur temps de cours, ils ne sont pas remplacés, c'est le bordel, euh, non. Alors le, le ministère dit, ah bah justement, depuis 2019, on tente des trucs les formations peuvent être faites sur les vacances scolaires en échange, c'est normal, d'une indemnité de 120 euros par jour. Ah bah ben, sauf que la Cour des comptes dit, bah non, non, c est, c est, ce serait pas super ça. Bon, peut-être parce que ça coûterait trop de sous. Les magistrats rappellent au passage que les obligations réglementaires de service des enseignants, donc les heures devant les élèves, euh, varient de 540 heures par an pour un agrégé à 972 pour un professeur des écoles. Là où le temps dû par un fonctionnaire est fixé à 1607 heures. Alors là, si on prend une lecture simple, rapide, basique, simple, basique, comme dirait Oelsan. Du truc, on dit, bah, les profs, ils bossent vachement moins que les autres. Donc ça, c'est si on, si on va un peu vite. Euh, sauf que les enseignants et les syndicats rappellent que le temps passé devant les élèves n'est pas le, le seul temps de travail des enseignants. Et, soyons honnêtes, c'est vrai. La préparation des cours, ça demande du temps. La correction des copies, ça demande du temps. Et ne riez pas, moi j'ai été une année dans ma vie prof. Comme Ponce d'ailleurs, on parlait avec Ponce tout à l'heure, qui était dans le chat, c'était cool. Euh, J'étais prof dans une école de, de journalisme une année en plus du reste comme d'habitude, parce que avec moi c'est toujours en plus, et donc j'avais euh, pas grand chose pourtant, hein. un cours par semaine je crois, un cours par semaine à des étudiants. Oh, le temps que ça me prenait, mais en fait pour je sais pas le cours il, il dirait une heure et demie ou deux heures, mais le temps que ça me prenait en prépa parce que en fait arrive devant euh, 30 gamins, t'as pas bossé ton sujet, euh, tu vas te faire déchirer, quoi. D'abord, c'est pas honnête, et, euh, et, et ils, ont, ils vont vite... <laughs> L'arnaque, il la capte en deux minutes. Donc, t'as as intérêt à arriver euh, préparé, prêt, avec un cours pertinent, parce que si t'as pas un truc intéressant à leur dire toutes les 30 secondes, et c'est normal, ben, en fait, ça décroche, quoi. Et tu perds les regards, et tu, tu te dis, ça y est, ben ouais, ben j'ai merdé, j'ai échoué, quoi. je J'ai pas bossé. Donc, tu t'as prépa, ça te demande vachement de temps, Là, je parle d'étudiants adultes, mais c'est pareil pour les enfants. Hein, le, 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 c'est quand même un des, un des métiers les plus, un des, les, les plus beaux au monde. Est, on est dans la transmission de la connaissance, de la formation des, des intelligences. Donc, bah, tu n'arrives pas comme ça, genre, oh, tiens, moi, ce matin, va, tiens, tiens, ce matin, on va faire... On va non Donc, la prépa, et après, tu as la correction des copies. Enfin, des, euh, moi, euh, moi, je donnais euh, régulièrement des, 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 des devoirs sur table pour vérifier un petit peu ce qui retenait de ce que je leur racontais. Donc bah, faire une, faire une interro, c'est cool. Et puis après, t as, t as, putain, mais le temps que ça me prenait à corriger les copies. Donc donc le calcul, ah ben bah, il passe que tant d'heures en cours, ça va, ça va, c'est des privilégiés. Non, ça ne bah, pas du tout en fait. D'ailleurs, c'est Le Figaro qui le dit, qui est pas <laughs> le journal le plus à gauche que je connaisse. Le Figaro dit, en donnant la, 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 la parole à un syndicaliste, le travail des enseignants ne se résume pas aux heures devant les élèves, les enquêtes du ministère, donc c'est le ministère qui le dit, hein, ce ne sont pas les syndicats montrent d'ailleurs qu'ils font en moyenne 42 heures par semaine. Le ministère de l'Éducation nationale a fait des calculs, les enseignants en moyenne font 42 heures par semaine. Voilà, donc arrêtons avec le truc, euh, les enseignants ne travaillent pas, euh, ouais ils ne sont pas très bien payés, mais du coup euh, vu leur temps de travail, les vacances, tout ça, c'est normal. Non, ce n'est pas vrai, ça bosse, on, on parle en général, vous avez, vous avez, on, va, on a tous en mémoire un prof qui ne faisait pas son taf. <laughs> qui préparait pas ses cours, de même que vous avez des gens avec qui ne taffent pas, vous avez des, vous avez des plombiers qui ne taffent pas, vous avez, enfin, je veux dire, voilà, dans, dans tous les métiers, il y a des gens qui font leur boulot, d'autres moins. Quoi. Mais, euh, mais arrêtons de dire que les enseignants travaillent pas. Euh, je vais vous dire un truc tout simple. Euh, bon, moi, je ne suis pas enseignant, je suis pas fils d'enseignant, j'ai rien à défendre là-dedans, mais j'ai du respect pour, métier, pour les gens qui font ce métier, qui est un métier qui est difficile, qui est essentiel et qui est mal payé. Si ce métier était vraiment si cool, euh, si euh, de, demandait si peu d'efforts... D'heures de travail, il y aura des afflux de candidatures. Or, c'est un, un métier qui n'arrive pas à recruter aujourd'hui. Hein. Parce que c'est parce que un métier dur, parce que c'est un métier avec de la pression, c'est un métier avec de la responsabilité et c'est un métier qui est mal payé. Alors, arrêtons de dire que les enseignants ont la, on, on, on la vie cool. Euh, les gens ne veulent plus devenir enseignants. Les concours, il les n'y concours, a, a, a pas assez de candidats aux concours on est obligé de baisser le niveau dans certaines matières pour recruter, parce qu'il n'y a plus de candidats. Et il y a des démissions. Ce n'est pas massif, mais il y a plus de démissions qu'avant. Donc euh, voilà. Euh, là, voilà. Donc là, au contraire, aujourd'hui, il faut, il faut, la, la vraie question aujourd'hui, c'est comment on revalorise le travail. Ça ne passe pas que par l'argent. Il y a la question des salaires. Vous savez que les, les, les enseignants français ne sont pas très bien payés par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a la question des salaires, mais ça n'est pas tout. Il y a aussi la, la, la considération. Le respect est aujourd'hui de la part de la société, de la part des parents d'élèves, et du coup de la part des élèves, parce que si les enfants ne sentent pas qu'il y a du respect des parents pour les profs, il n'y en aura pas non plus de la part des élèves, donc ça vient aussi de là, et bien il y a aussi un problème. Et donc si on veut que nos enfants euh... apprennent dans de bonnes conditions, euh... qu'on leur transmette de la connaissance de la culture dans de bonnes conditions, qu'on leur apprenne un peu à réfléchir, qu'on les prépare à... Trouver un beau métier qui va les rendre heureux et les rendre équilibrés. Et puis euh, voilà. Euh, et ben, acceptons de s'interroger un petit peu sur notre système éducatif. Quoi. Hein? Bon, je sais pas. Ce n'est que mon avis. Je me suis, suis parti dans un petit édito là. Mais bon, je n'ai pas mille convictions. J'en ai quelques-unes notamment sur ce truc. Et j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Euh, ouais, pardon pour ce <laughs> petite parenthèse là. Euh, bon, on la croit. Alors. <laughs> Quand je lis la croix depuis quelques semaines, la mode, c'est de dire euh, la croix et la bannière. Le jeu de mots qui part tout de suite dans le chat là. donc vous allez voir. Qui va... Voilà, c'est Stephen Huon qui a gagné le concours de rapidité. Donc tous ceux qui vont arriver avec la croix et la bannière, vous êtes battus par Stephen Huon ce soir. Donc le, le jeu de mots est fait. On peut continuer. Intéressant cette histoire de du monseigneur de monseigneur au, pet, au petit pardon, hein euh, l'archevêque de Paris, qui donc avait Vient de, de, de quitter sa charge, puisque sa charge, il l'avait remise dans les mains du, du pape, pour ne pas dire présenter sa démission, dans un langage un peu plus profane. Et alors, on s'était interrogé un petit peu là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Archevêque de Paris, c'est quelque chose. Hein genre, genre, dans, dans le monde des entreprises, le mec, il est CEO, quoi. C'est un, un gros PDG, quoi. Donc, euh, on, on démissionne pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, on a lu des articles qui pas très clairs. Euh, qui disait qu'il y avait une histoire d'une liaison, une relation amoureuse, sexuelle, avec une femme majeure. Euh, non, mais bah, précisons quand même. Euh, Rappelons-nous du, du, rap, du rapport sauvé quand même, euh, sans faire de l'anticléricalisme primaire, ce que je ne fais pas. Euh, et puis, sauf que du côté de, de monseigneur Opetit... Euh, il euh, ben, y a totale négation du truc en disant pas du tout euh, c'était une amitié voilà et puis les proches de monseigneur au petit disaient mais pas du tout on a tout confondu euh, c'est elle en fait qui le poursuivait de, ses, de, de son assiduité et que et lui euh, se défendait et un mail échangé a été mal interprété et j'ai jamais eu d'histoire sauf que le pape vient d'accepter le pape François la démission de monseigneur au petit ah donc là pose une question et on lit la croix pour essayer de comprendre qui s'est passé. La décision intervient une semaine après que l'archevêque de Paris a remis sa charge à la suite d'accusations sur sa gouvernance et sa vie personnelle. Décision surprenante, tant elle a été rapide. En général, le pape François ne se presse pas trop pour prendre ce, ce genre de décision, pour pas qu'on dise qu'il réagit à la pression. Et là, ça a été très rapide. Euh, le pape François a accepté jeudi la Démission de Monseigneur au Petit. Voilà. Une semaine seulement, finalement, après qu'il ait présenté sa démission, à la suite aussi de la sortie dans la presse d'articles critiquant sa gouvernance, le mot est important, et euh, la vie privée de l'archevêque la, de, de la capitale. Le pape François, écrit la croix, a donc accepté jeudi, hier, la démission de Monseigneur au Petit. L'archevêque de Paris, 70 ans, avait remis sa charge il y a une semaine seulement. C'est ça qui est un peu bizarre à la suite d'accusations dans la presse sur sa gouvernance et sa vie personnelle. C'est une annonce inattendue, écrit La Croix, surtout à la cause de sa rapidité. Euh, la Croix qui rappelle que tout est parti euh, d'un article dans le magazine Le Point, lundi 22 novembre, un article sévère, où monseigneur au petit était accusé d'avoir géré brutalement un certain nombre de dossiers. Donc là, on parle de la gouvernance, des dossiers dont il avait la charge. Voilà. Et en plus de ces tensions sur le... Gouvernement du diocèse parisien, le point affirmait que l'archevêque avait entretenu une liaison avec une femme majeure consentante. L'hebdomadaire évoquait un courriel, un mail, envoyé par Mégarde, justement, à sa secrétaire en 2012. L'archevêque avait réfuté avec force euh, d'avoir eu un comportement ambigu. Voilà. Euh. Ah non, pardon, soyons précis. Il avait réfuté avec force l'accusation, donc la liaison, mais avait reconnu qu'il avait pu avoir un comportement ambigu laissant sous-entendre l'existence entre nous d'une relation intime et de rapports sexuels. Donc, petit sa défense, défoncé. On a mal interprété le mail reçu par erreur que j'avais envoyé. La liaison qui lui aurait été prêtée avec une femme il y a près de dix ans pourrait-elle être, pourrait être la cause de ça C'est le moment le plus intéressant de cet article. En fait, la Croix nous dit ce matin cette histoire de femme. L'Église en était, était au courant depuis très longtemps. Ça fait dix ans qu'on qu en parle. Et c'est pas ça. Qui a sans doute provoqué euh, son départ. Non, c'est plutôt son histoire de gouvernance, les dossiers euh, qu'il avait à gérer. Euh, ah, bah ben si, euh, revenons juste sur les, la liaison. Il y a euh, Anna euh, Azanamon euh, Tempus qui dit Si elle est majeure et consentante, il n'y a rien d'illégal, où est le problème C'est pas illégal, <laughs> c'est juste, juste interdit pour les prêtres. Euh, je ne sais pas si le célibat des prêtres et le vœu de chasteté dit quelque chose, mais bon. Euh, L'Église, c'est une organisation, c'est une institution, il y a des règles internes. L'une des règles, c'est le vœu de chasteté. Donc ce n'est pas illégal au sens du code pénal, mais c'est illégal, comme le dit Ardéchois 07 à l'instant, dans la loi canonique ecclésiastique. Donc ce n'est pas une question de droit et de loi, une question du respect des règles de l'Église, bien sûr. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour ça, a priori, qu'il a été démissionné, c'est ce que pense la Croix mais plutôt sur sa mauvaise gestion de certains dossiers. Voilà. Et ça, le Vatican suivait ça depuis plusieurs mois. L'article de la Croix nous met un petit peu sur une autre piste. C'est intéressant, ok Bon, si jamais j'ai du nouveau là-dessus, je vous en parlerai, mais a priori, c'est ce qui semble être l'histoire. Euh, ah, merci la Croix, parce que c'est assez intéressant aujourd'hui la Croix. Regardez, la Croix nous parle de plein de choses, comme nous parle de ça, il nous parle de, du variant Omicron, et puis nous parle aussi de Pécresse. Donc là, et puis, il y a ah, eu aussi un échange passionnant avec un, un aumônier dans une détenue, pardon un aumônier dans une prison avec des détenus. L'histoire m'a beaucoup touché. Mais merci à La Croix d'abord, ben, qui, euh, qui est le journal qui fait le point le plus précis, le plus complet sur la crise euh, sanitaire. Voilà, déjà dans le chat, c'est parti pour le débat euh, de prononciation. Euh, Altec dit, ah, on prononce bien Omicron et pas Omicron. Bon, moi, je suis de la team... Omicron, parce que, parce que d'abord j'ai commencé à en parler avec vous il y a quelques jours, et je disais Omicron, et dans le chat, des hélénistes, donc des gens qui avaient fait grec à l'école, m'ont dit, mais non Samuel, Omicron c'est une lettre grecque, comme Epsilon, et donc on dit omicron, parce que c'est une lettre grecque, donc il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat, il n'y a pas échange, il n'y a pas, euh, oui, hein, pas micron comme Macron, c'est... Omicron, parce que c'est une lettre grecque comme Epsilon. Donc moi, j'ai dit, ok, d'accord, ok, let's go pour Omicron. Et puis à France Télévisions, quand je suis revenu bosser, euh, effectivement, euh, Fran France Télévisions, euh, sur, parce qu'on se, se pose aussi des questions là-dessus, avait décidé, merci le Revo Rama pour ton sub, c'est super gentil, avait décidé qu'on qu s'alignait sur Omicron. Parce qu'à un moment, sur une chaîne donnée, on, sur les noms étrangers, sur les prononciations, on se, on se met d'accord pour que tout le monde dise la même chose. Voilà, comme par exemple le ou la Covid, on s'est posé beaucoup de questions. À un moment, on s'est dit, même si l'académie avait euh, décidé qu'on disait la Covid, nous on s'est dit l'usage prime. Ça, c'est un choix. L'usage prime. La majorité des gens disent le Covid. On va rester sur le Covid. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai des chroniqueurs qui disent la Covid et, euh, et on ne dit rien. Quoi. Donc, Omicron. Et en même temps, on s'en fout. Parce que ce n'est pas, pas la prononciation qui est importante, euh, c'est ce qu'il y a derrière. Et la Croix fait un super dossier, Lison. Donc Lison qui n'est pas une amie, qui s'appelle Lison, qui est une, une invitation à lire ensemble, bien sûr. Euh, des premiers cas d'infection aux variants Omicron, donc détectés dans l'Hexagone. Alors que la cinquième vague liée au delta préoccupe les hôpitaux, les scientifiques redoublent le d'efforts pour mieux comprendre cette souche très différente des précédentes. Les fabricants de vaccins réfléchissent déjà à une adaptation de leurs produits. On a lu déjà pas mal de choses là-dessus. Euh, ces derniers jours, mais là, on fait le point sur ce variant Omicron et aussi sur le, le variant Delta, parce que euh, dans les prochains jours, si jamais les hôpitaux se retrouvent submergés, ce sera surtout à cause de Delta, pour l'instant. La Croix qui écrit des hôpitaux qui, pour l'heure, voilà, craignent surtout que la cinquième vague à la propagation du variant Delta ne sature encore leur service. Après Mulhouse et Colmar, le CHU de Strasbourg a de nouveau déclenché le plan blanc. Jeudi, vous vous rappelez, le plan blanc, on entendait ça beaucoup euh, au plus fort de, de la crise sanitaire en France, c'est quand les hôpitaux se mettent en ordre de bataille encore plus pour accueillir les personnes euh, avec des symptômes lourds du Covid. Donc les hôpitaux commencent à euh, se mettre encore en plan blanc. Ce variant, Omicron, est-il plus contagieux Est-il plus contagieux Est-il plus dangereux Est-il moins sensible au vaccin Autant de questions importantes, mais en suspens pour l'instant, on ne sait pas. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, il est probable qu'il devienne majoritaire dans les tout prochains mois, probable, mais rien de certain à ce stade. Omicron n'a été identifié qu'il y a une quinzaine de jours et les études débutent à peine. Voilà. C'est un virologue qui l'explique. Qui explique, bah, il, on essaie de faire vite, mais laissez-nous quelques jours aux scientifiques parce que ça ne se trouve pas comme ça. On n'analyse pas un variant comme ça une fois un petit peu de temps. Comptez au moins dix jours, d'ailleurs, c'est précisé. Pour les premiers éléments sur une éventuelle résistance du variant au vaccin disponible, par exemple. Voilà. En parallèle des recherches des laboratoires publics, eh bien, les fabricants de vaccins mènent leurs propres recherches, sachez-le, pour savoir s'ils doivent adapter leurs produits. Ça, c'est important, bien sûr. Alors, Le patron de Moderna, par exemple, euh, regardez le titre du, du papier en haut Un Nouveau vaccin pour être mis sur le marché en trois mois. Voilà. Euh, ça c'est important parce que quand on a commencé à parler d'Omicron il y a quelques jours, quelqu'un dans le chat m'a dit bah alors du coup moi je vais attendre pour la troisième dose parce que euh, autant que le nouveau vaccin prenne en compte ce, ce variant. Bon. Et sauf qu'au même moment, on lisait un article qui montrait que à supposer qu'on décrète d'ici 15 jours qu'effectivement euh, Omicron euh, est problématique, eh bien, il faudra plusieurs mois avant l'élaboration d'un nouveau vaccin. Euh, alors là, l'article dit trois mois. En fait, ce serait plutôt 4 5 mois. Voilà. Euh, malgré la mobilisation des, de, de très nombreux scientifiques, vous le savez. Euh, Moderna, par exemple, le patron, il dit que lui, il lui faudrait entre 60 et 90 jours, donc deux à trois mois, pour développer une nouvelle version. Mais ça, c'est pour, juste pour la recherche. Euh, Pfizer, ils disent à peu près la même chose. Ils disent 95 jours. Donc, on est sur trois mois. Trois mois pour élaborer le nouveau vaccin. D'accord mais après, il faut compter les délais de production de masse. Oh, le petit raid de Dave Duf. Voilà. Il y a l'ami Poulpe qui a raid tout à l'heure. Euh, en général, ça raid euh, quasiment ensemble. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de sympathique dans une vie intérieure, mais depuis quelques temps, je suis raid quasiment tous les jours par vous deux. Dave Duf, merci beaucoup. Euh... Ça me fait trop plaisir. Alors, bah, allons... hey, le... Le, le, la règle, c'est d'aller voir la page de, de Dave Duf. mais 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 mais, 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 mais ouais, 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 mon ordinateur voilà voilà c'est trop gentil ah, merci euh, aux, aux, aux streamers euh, et merci aux viewers de nous rejoindre on est dans la matinée étienne on lit des articles notamment là on est en train de lire euh, un papier de, de la Croix qui fait un petit peu le, le point sur euh, la crise sanitaire en France et le variant Omicron alors à chaque fois il y a des débats de fou Omicron Omicron et moi je dis on s'en fout c'est pas important ce qui est important c'est euh, où on en est comment on, se, on lutte contre cette euh, saloperie. Hop. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais Je fais n'importe quoi, là. Pas réveillé. Hein voilà. Voilà. Pas réveillé du tout. J'ai un temps de réaction, de latence. Comme disent les scientifiques, qui est catastrophique. Ah, mais Dave Duf, mais, 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 mais c'est. C'est pas d'avis. C'est pas d'avis. De... C'est pas David Mourier, c'est Dave Duf. C est, c est... Attends, j'ai été raid par David Dufresne Le David Dufresne Le David Dufresne Let's go. Parce que, bon, pour la petite histoire, euh, euh, j'ai confondu. Vous avez compris Vous avez compris Parce que depuis quelques jours, il euh, y a deux streamers qui me raident tous les jours, je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait très plaisir. On va pas faire un truc, un truc ensemble c'est euh, Monsieur Poulpe euh, et euh, David Mourier. Et là, mais non, je suis parti sur autre chose. David Dufresne, le journaliste avec qui j'ai travaillé il y a quelques années à ITélé, e et c'est un bon souvenir, qui nous raide. Ah, mais merci beaucoup, David. Voilà. Et euh, j'ai déjà raconté l'anecdote, mais bon, David, c'est un journaliste. Euh, il a travaillé euh, un petit peu en télévision, puisque je l'ai connu à ITélé. E euh, le choix d'ITélé, e hein, quand c'était avant CNews. Euh, mais il, aussi, il écrit énormément. Euh, non, on va voir sa bio d'ailleurs. Voilà. Et David Dufresne, bah regardez, hop, petit résumé de la page. Voilà, il y a un petit peu de monde, 10 000 followers déjà. Liberté publique, liberté fondamentale, police. Hein, David a beaucoup écrit sur la violence policière. Euh, Souveillance et contre-filature. Causerie provoquée par le réalisateur David Dufresne. Euh, chaque lundi et chaque jeudi. Ah ok, mais quelle journée on, on est vendredi Ça va pas du tout Ça va pas du tout euh, Suivez la chaîne pour être notifié. Voilà. Et David Dufresne. Donc, euh, dans une autre vie, il a été rédacteur en chef à ITélé, le chouette ITélé, hein, le, le ITélé qui était très proche de Canal Plus de l'époque, de gens comme Bernard Zécry, tout ça. C'était un bel espace de liberté. Et euh, David, un jour, je présentais les journaux avec Marie Drucker à l'époque à ITélé, et un jour, il, il me dit un truc qui, qui m'est resté. Et il m'a dit Mais pourquoi tu, dis, euh, pourquoi, pourquoi tu dis voici les titres du journal Pourquoi tu dis voici les titres C'est pas les titres, c'est tes titres. C'est les titres de iTélé c'est le regard de iTélé sur l'actualité. Tu devrais dire, voici nos titres, parce que c'est plus, plus juste, c'est plus honnête. Et, et, donc il me dit ça comme ça, quelques jours, et puis après je réfléchis, puis il dit oui. Et ça rejoint tout ce que je vous explique le matin, c'est-à-dire que malgré tout, toute l'honnêteté que les journalistes mettent dans leur travail, et bien on est bourré de filtres, conscients, inconscients, de, de lignes éditoriales, consciemment ou pas d'ailleurs, et, euh, et donc un journal c'est un regard sur l'actualité, voilà, qui normalement ne doit pas avancer masqué, hein. euh, honnêtement doit euh, afficher un petit peu la couleur, comme le fait Libération, comme le fait l Libération, comme le fait euh, le Fid, comme le fait l'Uma, comme le fait l'Opinion, comme le fait la Croix, qu'on vient de dire à l'instant. Comme voilà, c'est plutôt, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. les articles sont signés. Et donc c'est un regard sur l'actualité. Et donc depuis, je ne dis plus voici les titres, je dis voici nos titres. Et c'était, c'était il y a c'était il y a longtemps parce que je suis depuis 13 ans sur France Télévisions et donc c'était il y a euh, euh, pff, très longtemps voilà et ça m'est resté et je vois que David m'envoie le bonjour de Jean-Pierre Canet qui est aussi un très bon souvenir de cette époque Jean-Pierre Canet qui était grand reporter à Canal et du coup qui était à iTélé aussi voilà Tout top bon alors n'hésitez pas à aller voir cette chaîne donc c'est très bizarre parce que normalement c'est pas le vendredi mais la chaîne de David Dufresne Dave Duf voilà et ben c'est normalement le Lundi et chaque jeudi. Ah, et souvent plus. Samuel, il faut lire jusqu'au bout. Mais quel, quel apprenti journalier je suis. Voilà. Euh, je ne sais pas si David nous a mis un petit message dans le chat. Que je follow d'ailleurs. Peut-être que je follow. Peut-être parce que je n'ai pas ce réflexe de follow puisque comme les, les journées sont un petit peu chargées. Quick. Voilà. Euh... Eh ben, je pense pas toujours à follow les, les gens que j'aime bien. Euh, donc, j'ai vu le bonjour de Jean-Pierre Canet. Je remonte un petit peu dans le chat. Et après. Voilà. Cool. Cool. Bien sûr, bien sûr je connais Jean-Pierre Canet. Ah Et donc, David me dit on était avec Jean-Pierre Canet sur les Egypt Papers. Ah, génial. Ben moi aussi, il va falloir que je trouve des articles là-dessus. Je pense que dans les prochains jours, on va en trouver. Bon, merci à tous les deux. Ah c'est cool. Ah Jean-Pierre était là aussi. Ah je comprends alors. Top C'est incroyable. Bon. Reconstitution de Ligue dissoute un petit peu à l'instant. Bon, on était donc en train de lire un article de la Croix qui est plutôt bien foutu ce matin, sur la crise sanitaire en France, et on se penchait un petit peu sur le, le délai que prendrait éventuellement, c'est l'article à droite là, sur la production d'un nouveau vaccin qui intégrerait le variant Omicron. Donc, pour répondre notamment à ceux qui disent Ah, moi je ne vais pas me faire vacciner, je ne vais pas faire la troisième dose tout de suite euh, pourquoi Parce que euh, bah, je vais attendre le prochain, celui qui intégrera au micron. Sauf que, si on calcule bien, là le, le trouve le titre un petit peu optimiste là-haut, euh, un nouveau vaccin pourrait être mis sur le marché en trois mois quand on lit l'article entre la recherche pour euh, euh, mettre au point un nouveau vaccin, alors ça va assez vite avec euh, la technologie ARM, bien sûr, mais la recherche, euh, les, les, les vérifications sanitaires, hein, qu'on qu ne nous injecte pas n'importe quoi, les vérifications sanitaires. La production de masse, bon, je pense que c'est quatre mois, cinq mois euh, minimum, quoi. Voilà ce que rappelle un petit peu l'article. Euh, ouais. Je parlais de la technologie euh, ARM. Euh, L'adaptation pourrait être rapide pour Pfizer, pour Moderna, plus lente pour ceux qui utilisent d'autres technologies, notamment les vaccins chinois et indiens, qui représentent la majorité des vaccins en volume dans le monde. Donc ça c'est problématique quand même. Donc cela ce sera encore plus lent. Euh, L'université d'Oxford, par exemple, qui est à l'origine d'AstraZeneca, je ne sais pas si vous savez, se déclare prête à faire de même. Sanofi, le français Sanofi, toujours pas de vaccin français hein, contre le Covid-19. Le français Sanofi, qui est seulement en train de terminer les essais de phase 3 de son candidat à vaccin, euh, pourrait être contraint de revoir une nouvelle fois sa copie euh, ce... Euh, ce, ce variant, n'est pas une très bonne nouvelle pour Sanofi. Quelle que soit la technologie utilisée, il reste en tout cas des délais incompressibles avant de produire en usine. Les procédures de contrôle pour toutes les étapes de fabrication demandent une semaine de travail. Il faut ensuite vérifier la stérilité du produit. Ça prend encore deux semaines, voire trois, un mois pour lancer les machines. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Euh, les autorités de santé aux États-Unis et en Europe pourraient freiner un peu le processus aussi. Hein. Elles peuvent demander, par exemple, de refaire des essais cliniques ou pas. Comme pour, pour la grippe, par exemple, il n'y a, a pas d'essai clinique, puisqu'on estime que c'est juste une adaptation du vaccin. Voilà. Bon, de temps en temps, je vois passer des petits messages de gens qui doutent du vaccin. On va pas, on, a, on a eu mille fois ce débat. D'une phrase, moi, modeste journaliste samuelitaine, de ce que j'ai compris de ma lecture de la presse et des chercheurs, des scientifiques qui s'expriment dans les journaux, j'ai compris. Que, à titre personnel, le vaccin nous protège contre les formes graves de la maladie. Le vaccin nous rend moins contaminants pour les autres. Je n'ai pas dit qu'on ne contaminait pas avec le vaccin. On peut toujours passer le Covid quand on est vacciné. Mais moins. Donc on protège les autres. Ça, c'est scientifique, c'est écrit, c'est affirmé, c'est ce que disent les scientifiques. Donc on se protège contre les formes graves de la maladie. Et on contribue à protéger les autres. Voilà. Euh, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc à titre personnel, je me suis fait vacciner une fois, deux fois, et j'ai eu la troisième dose il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc c'est juste personnel. Je ne suis pas scientifique, euh, je ne suis pas chercheur, ça n'engage que ma modeste compréhension de tout ça. Euh, je l'ai fait, je l'ai fait euh, trois fois, je suis toujours là, je n'ai pas eu le Covid. Bon. Mais ce que je dis aussi, c'est que... Pour lutter contre cette saloperie, pardon pour l'expression, on a différents outils. On a le vaccin, on a les gestes sanitaires, les gestes barrières. Donc n'oubliez pas, on continue le masque, l'aération des, des, des pièces, euh, on, se la, on continue de se laver les mains, euh, etc. Quoi. Euh, voilà. <laughs> Écoute, Jenny qui écrit parce qu'il faut, il faut savoir rire de tout et ça nous vaccine aussi contre la connerie. Je suis pas sûr parce que <laughs> plein de gens vaccinés autour de moi. <laughs> peu importe, bon c'est bien tu vois, tu as aussi à me faire rire sur ce sujet. Euh... Ah, je ne sais pas si on va rire là-dessus, euh, et c'est déjà pas mal. Euh... Oui, Chouki bah, a raison, Chouki dit la grande partie des gens vaccinés font plus attention aux gestes barrières, même pour le simple port du masque, je ne sais pas si la grande partie, en tout cas c'est une grosse connerie, euh, le vaccin protège mais ne protège pas complètement, le vaccin protège un peu les autres mais ne protège pas complètement, donc ce n'est qu'un outil, donc évidemment, quelqu'un me demande ce que je pense de l'obligation vaccinale, on va en parler. J'ai un article sur l'obligation vaccinale dans les échos, je crois. Ça, on va en parler, c'est très important. Euh, pardon. Euh, je, déjà, oui, donc, donc on a d'autres outils. Les outils sont les gestes barrières, les protections, euh, les mesures sanitaires. Et aussi. Il euh, y a aussi des mesures comme le télétravail, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, qu en France, le gouvernement devrait revenir à une incitation forte au télétravail. Je sais que les entreprises ne le souhaitent pas forcément. Euh, mais mais euh, je pense que c'est un outil qu'on n'utilise pas assez. Si je puis me permettre. Voilà. Bon, beaucoup de une ce matin. On a vu, c'est la une de Libération, c'est la une du Figaro sur ce premier tour très surprenant de la primaire LR et le résultat de ce premier tour. Donc, qualifié pour le second tour, Eric Ciotti et Valérie Pécresse. On a lu plein de choses là-dessus ce matin. Ciotti, c'est un peu une surprise, surtout qu'il soit en tête. Et Valérie Pécresse aussi. Donc, éliminer Xavier Bertrand, éliminer Michel Barnier aussi. Qu'écrit la croix de plus de ce qu'on a lu jusqu'ici, ce succès est un révélateur de l'évolution idéologique de la droite, estime Lacroix, car le programme d'Eric Ciotti emprunte des marqueurs le la suppression du droit du sol, au profit du seul droit du sang, penchons-nous un petit peu sur le programme d'Eric Ciotti la préférence nationale et européenne sur l'emploi, c'est vrai que ça rappelle. Un autre parti, les allocations sociales et le logement, et même la création, ça, ça a beaucoup euh, fait réagir, d'un Guantanamo à la française pour les terroristes. Comme Laurent Wauquiez, Eric Ciotti a d'ailleurs voté blanc au second tour de la présidentielle de 2017. Il n'a pas voulu voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et plus récemment, il a même indiqué qu'en cas de second tour, Macron-Zemmour, il l'a dit, hein, il votera Zemmour. C'est pour ça que la croix parle de l'évolution idéologique de la droite. Face aux champions de l'aile droite du parti, Valérie Pécresse estime la croix fait désormais figure de favorite. On va rappeler que les autres candidats, les trois autres Philippe Juvin euh, dont je parle un peu moins parce qu'il a fait 3 de mémoire, Xavier Bertrand et euh, Michel Barnier ont appelé à voter pour Pécresse. Donc du coup, elle fait figure de favorite. Moi je dis en politique tout est possible, on verra demain après les résultats leur point commun un programme économique nettement libéral dans la lignée de celui de Fillon. Et on lira un autre petit papier sur euh, Valérie Pécresse, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur Ciotti ce matin, mais si c'est la favorite, autant se pencher un petit peu sur elle. Est-ce qu'elle a une chance Est-ce qu'elle peut qualifier C'est ça la question. Imaginons qu'elle soit la candidate LR. Est-ce qu'elle peut qualifier le parti pour euh, le second tour de la présidentielle C'est intéressant. On lira un article là-dessus tout de à l'heure. Ça, c'est l'article qui m'a le plus touché ce matin. Je vous parle de l'actualité, je vous parle des, de, des, de ce qui fait la une, des grosses actus. Puis, de temps en temps, je tombe sur une petite pépite, voilà, une rencontre ou une histoire forte. Elle est là ce matin. C'est dans La Croix, c'est page 13. Euh, la rencontre avec frère Benoît Dubigeon. Je ne suis pas une grenouille de bénitier, mais on va quand même s'intéresser à ce métier, à ce personnage, pardon. Et aussi à ce métier, d'ailleurs. Frère Benoît Dubigeon, franciscain, aumônier de détenus. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc la Croix est allée en rencontre de ce, de ce religieux un peu particulier, puisque son, son, là où il travaille, c'est dans une prison, la maison d'arrêt de Fleury. Donc il, il explique, il rappelle que c'est la plus grande maison d'arrêt d'Europe. Quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure, c'était effectivement la plus grande prison d'Europe. Il y est aumônier depuis 8 ans. Il commence à avoir un petit peu de recul sur ça. Et dit, je la croix lui demande Qu'est-ce que vous faites en prison Un aumônier en prison. J'accompagne des hommes condamnés à des courtes peines, entre 3 et 18 mois, pour des délits, des vols, des violences conjugales pour les plus âgés. Beaucoup sont tombés dans une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Depuis peu, je vais voir aussi des mineurs âgés de 15 ans et plus. Ceux que j'ai pu rencontrer, donc là on parle des mineurs condamnés, ont manqué d'un père dans leur vie. Ils sont dans un cercle infernal placement dans des familles d'accueil, fugues à répétition, vol, toxicomanie. On a lu récemment beaucoup de papiers sur, sur, sur les, les enfants placés et sur les difficultés qu'ils qu ont à se construire après. La croix lui demande, est-ce que vous voyez d'autres déserts que, que la prison dans notre société euh, Et là, il nous parle de nous. Il nous parle de nous, il ne nous parle pas que de, des prisonniers, il nous parle de nous, ça va peut peut-être vous parler. Il dit euh, oui, il y a des déserts dans notre société, le manque d'intériorité. Nous sommes tellement affairés, distraits, que nous restons à la superficie de nous-mêmes. Nous voulons tout immédiatement et nous en devenons violents. Cette course effrénée nous empêche nous empêche quoi Nous empêche d'être des frères avec les autres et avec le loup qui habite en nous. Le loup ce sont les forces vitales mal orientées. Il ne s'agit pas de les éliminer, mais de les faire converger, de les convertir de telle sorte qu'au lieu de nous détruire ces forces négatives, eh bien, elles soient au service de la vie. La croix lui demande, mais comment vous accompagnez les détenus qui en font la demande Il hein, n'est pas, <laughs> pas obligé. Il répond, mon rôle est de les engager à se mettre sur la voie d'une vie positive, de chercher la face lumineuse en chacun. Un peu comme un orpailleur remue des tonnes de sable pour trouver une once d'or. J'ai accompagné des personnes en attente de jugement parfois pendant plusieurs années. Nous pouvions travailler sur le déni, la culpabilité, le pardon, tout ce qui se passe dans le cœur d'un homme lorsqu'il a commis des actes graves. La plus belle confession que j'ai reçue est celle d'un homme qui avait tué avec acte de barbarie. Elle a pu avoir lieu au terme d'un long parcours avec lui. Alors La Croix continue l'échange, c'est sur, sur, sur trois pages, c'est vraiment bien foutu. C'est pages 15, 14 et 13, on la croit aujourd'hui, si vous avez le temps de, de, de l'acheter et de le lire. Il raconte par exemple cette histoire, un jour en arrivant devant la cellule d'un détenu, j'entends cogner très fortement. Je frappe, j'ouvre la cellule, je vois un homme de 35 ans en train de se taper la tête contre les murs. Il commence à me raconter son histoire de souffrance. Frappé, violé dans l'enfance, placé. On y revient, dans des maisons d'accueil. Après l'avoir écouté pendant 45 minutes, je lui propose de lire le psaume 87, extrait du psaume. Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau. Tout le jour, ensemble, ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi, ami et familier, ma compagne. C'est la ténèbre. Donc le détenu lit cet extrait et il dit à l'aumônier, il dit mais ça c'est moi ça. Et la fin de notre rencontre explique le, le religieux, je lui ai dit ben vous pouvez continuer à vous taper la tête contre les murs mais il ne vous répondra jamais le mur. Tapez-vous la tête contre Dieu plutôt, dites-lui toute votre colère, toute la souffrance de votre vie. Dieu vous répondra peut-être à travers ma visite ou à travers un co-détenu qui vous euh, tendra une cigarette. Et il dit en prison ces paroles valent de l'or. Et puis il dit aussi qu'après cette première rencontre, il est allé rendre visite à cet homme chaque semaine. Je trouve ça assez beau, moi. Hein et euh, un jour, je ne l'ai pas reconnu, tellement il avait changé. Je sais qu'une fois sorti de prison, dit cet aumônier, beaucoup, hélas, reviennent à leur vieux démon. Pourtant, je continue d'espérer en l'homme et de croire qu'il gagne sa dignité. Alors certains disent c'est certains disent, euh, pas la peine de parler à Dieu, il ne répondra pas. <laughs> Mais je crois que ce n'est pas la question. Je, je, la question, c'est que. Dans, et moi, le premier, quand je vous parle d'église de, 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 et de religion dans l'actualité, bah c'est surtout pour dénoncer les travers, bien sûr. On a beaucoup parlé du rapport Sauvé en France sur les violences euh, sexuelles euh, commises par des prêtres euh, depuis les années 70 en France, euh, où on parle de l'affaire du, du, du de, de l'archevêque de, 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 de. Merde. Oh, c'est quoi son titre euh, Oui, l'archevêque de Paris, c'est ça. Euh, qui vient de démissionner. Donc on, voilà, on en parle que que pour de mauvaises raisons, et, et puis parfois on parle aussi de, de, de tous les errements de, 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 de la religion, ou plutôt de ce que les hommes en font, et puis je me dis que parfois il faut aussi rappeler que le message de la religion, à l'origine, c'est pas un message de violence, euh, ce n'est pas un, mes, un message de division, et que le, 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 tous les excès des, 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 des religions n'en sont que l'interprétation par, par, par les hommes, les mauvaises interprétations, quoi. Mais quand vous allez quand vous allez sur, sur les textes et sur le message originel des religions, la religion c'est religérer en latin c'est relié, c'est relié à Dieu pour un échange c'est relié aux autres aussi je crois et, euh, et donc il faut pas oublier que bah, dans, dans ces églises dans les religions il y a aussi des gens comme ce monsieur c'est pour ça que je voulais vous lire l'article qui va euh, voilà qui passe qui passe du temps euh, avec les, les détenus pour essayer de comme il le disait de trouver la petite paillette d'or qu'il a euh, dans dans les dans les vies violente et compliquée de, de, de ces hommes, puisque là, c'est une prison d'hommes. Voilà. C'est aussi l'illustration que bah, dans la vie et, de, et dans l'actualité, tout n'est jamais vraiment euh, noir et blanc, et que la, la réalité est plus souvent grise. Et euh, donc oui, la religion, on en parle souvent dans l'actualité pour dire que ça part souvent en sucette, euh, mais, mais aussi euh, peut-être se rappeler que l'immense majorité des de, de, de religieux en France. Religieux et religieuses n'ont rien à se reprocher et s'occupent plutôt de leur prochain. Voilà. Et je le dis avec d'autant plus de liberté et de facilité que moi-même je ne suis pas très très religieux. <laughs> voilà. euh, pardon pour cette petite parenthèse mais elle me semblait intéressante. Euh, ça c'est très important. Euh, merci Bubino pour le gentil message. Euh, là la WTA, l'organisation du tennis féminin, a fait quelque chose de très fort. Vraiment. Euh, je vous ai parlé longuement de l'affaire de la joueuse de tennis chinoise Peng Shui. Hein. On va rappeler les épisodes, pour ceux qui auraient raté, qui auraient été dans une grotte ces derniers jours. Peng Shui, euh, joueuse de tennis euh, chinoise, qui a été au, à haut niveau euh, pendant, à une époque, elle a gagné Roland Garros en double d'ailleurs, euh, a dénoncé dans un message sur l'équivalent chinois de Twitter euh, le fait qu'elle a été, il y a quelques années, agressée sexuellement par un haut cadre du Parti communiste chinois. Ouf. Pas sûr qu'on puisse dire ça en chine en fait je suis sûr qu'on peut qu'on peut pas le dire puisque le message a été supprimé au bout de 20 minutes pendant un certain temps euh, on pouvait plus trouver son nom sur le twitter chinois on pouvait plus même taper le hashtag tennis voilà. euh... et elle a disparu physiquement alors des voix se sont élevées puisque des internautes chinois avaient fait des captures d'écran bien sûr du message et puis il a circulé à l'étranger et des voix sont élevées pour demander et il y a eu un hashtag where is euh, Peng Shui. Où est Peng Shui voilà. Et de nombreux sportifs, notamment joueurs de tennis, ont relayé le message. Euh, et, pour euh, donner tous les épisodes, avant de lire l'article, elle, elle est réapparue. Une vidéo dans un restaurant, une espèce de fête d'anniversaire avec euh, son entraîneur, et une autre vidéo un peu plus tard où on la voyait à un tournoi euh, de, de tennis en Chine où elle remettait un, un, un prix. Voilà. Euh, alors, il y a des spécialistes de la langue chinoise qui me disent qu'on dit, pas shui, mais shui. Ok. Encore une fois, la prononciation, c'est très important, mais on s'en fout. L'important, c'est est-ce que cette femme est libre mais Je vais m'appliquer, je vais dire shui. Shui, shui, franchement. Euh... T'es en train de, 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 de. Stump, je te, je te kiffe, mais t'es de... quand même en train de. Hein Shui, shui. C'est pas, pas non plus un, pas un verbe irrégulier anglais, quoi. Shrink, shrunk, shrunk, etc. Quoi. En vrai, comme on veut, mais c'est comme euh, le Covid, la Covid. Au euh, micron, au micron, on s'en balaye, en, en, ba like, en fait. Hein. Ce qui est important, c'est euh, cette dame, est-ce qu'elle est libre? Puisque elle est réapparue, mais tout très vite, il y a eu des interrogations sur est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle n'est pas euh, en liberté très, 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 très euh, surveillée. Donc c'est euh, là, c'est très intéressant. La WTA, donc l'organisation euh, du tennis féminin au niveau mondial, a suspendu euh, toutes ces compétitions en Chine. Et ça, c'est extrêmement surprenant. Pourquoi Parce qu'il y a des millions de dollars en jeu. Voilà. Euh... Il y a un débat sur Shui Shui. <laughs> oh, il y a Marc qui me fait rire. Il dit, c'est plutôt Shuai. On fait comme on peut. Penchons-nous plutôt sur ce qu'a décidé la WTA parce que c'est assez dingue. L'instance organisatrice du circuit de tennis féminin est le premier acteur sportif à boycotter l'Empire du milieu en dépit de conséquences financières considérables. Une décision prise pour soutenir la joueuse de 35 ans, euh, Peng Shuai, qui n'est toujours pas libre de ses mouvements dans son pays. Coup de tonnerre, coup de tonnerre, comme le dit à l'instant euh, So Famous pour une fois qu'un organisme ne choisit pas l'argent chapeau, c'est exactement ça. Coup de tonnerre, l'annonce mercredi de la WTA, l'instance organisatrice du circuit de tennis féminin de la suspension de ses compétitions en Chine en soutien à la joueuse Peng Shuai, qui est accusée d'abus sexuels à un haut dignitaire du Parti communiste chinois, n'est pas passée inaperçue. Le président de la WTA, le monsieur, il s'appelle Steve Simon, c'est un américain, défend en effet sa décision, quelles qu'en soient les conséquences financières. Et elles sont lourdes, vous allez voir. C'est parfaitement remarquable. Car l'enjeu financier est considérable, souligne Jean-Pascal Gaillan qui est professeur d'économie euh, dans une université. Euh, cela va priver les joueuses de ressources très importantes aussi. La Chine accueille normalement neuf tournois sur son sol. S'ils ont tous été annulés en 2021 à cause de la crise sanitaire, le pays représentait avant la pandémie près de 50 des revenus de la WTA. 50 des revenus de la WTA venaient de Chine. Et ils viennent de faire une croix dessus. Tant qu'ils n'ont pas de nouvelles rassurantes, merci Chator pour le petit message adorable, tant qu'ils n'ont pas de nouvelles rassurantes de la joueuse. Qu'une organisation sportive ne cède pas à la pression économique, c'est totalement nouveau, observe Carole Gomez, qui est directrice de recherche en géopolitique du sport. Alors, euh, l'article de La Croix essaie de comprendre pourquoi le WTA a eu ce, le courage de cette décision. Euh, la spécificité de la WTA n'y est sans doute pas pour rien, comme l'ATP pour les hommes. La WTA est à l'origine un syndicat de joueuses, explique un spécialiste, c'est une différence culturellement très forte par rapport à d'autres organisations sportives. Même si sa décision n'est pas forcément le fruit d'une large consultation, le président qu'on a évoqué sait qu'il peut compter sur un soutien massif des joueuses. Nombre des joueuses, d'ailleurs, ont fait ont, parlé, ont applaudi la décision sur les réseaux sociaux, rejoint aussi par des joueurs comme Djokovic, par exemple. Le fond de l'affaire n'est également pas neutre dans cette adhésion des athlètes. Avec l'explosion du mouvement #MeToo et la question des violences sexuelles sur le devant de la scène, le monde est mûr pour se mobiliser sur un tel sujet. Analyse Carole Gomez, qu'on a cité un peu plus tôt, et les réseaux sociaux permettent de le faire plus vite, plus largement. Maintenant, la suite va dépendre de l'effet d'entraînement. Est-ce que la WTA va rester seule ou prendre la tête d'une coalition d'acteurs, de sportifs ou autres et vous mettre la pression sur la Chine qui accueille bientôt, on va rappeler, les Jeux d'hiver. C'est dans deux mois les Jeux. Olympique d'hiver. Donc, est-ce que, est que ça va aller plus loin Est-ce que ça va aller plus loin euh, Et la Croix parle aussi de, 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 comment dire, de la position beaucoup plus prudente, neutre du CIO, justement, dans cette affaire, le Comité international olympique, qui s'est empressé hier de faire entendre un son de cloche différent en assurant avoir eu un deuxième échange avec euh, Peng Shui. Après un premier entretien entre la joueuse et le président du CIO, Thomas Bach, il y a dix jours. Donc le CIO, déjà, a diffusé une première vidéo, euh, je crois, il y a 10 jours, en mode non, mais tout va bien. Et ils ont remis le coup hier. Ils ont, mis là, ils ont redit ça. Voilà. Donc le CIO n'est euh, pas du tout sur la ligne de la WTA, vous avez vu. Euh, un éventuel boycott des Jeux de Pékin, qui doivent s'ouvrir le 4 février prochain, reste en suspens. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur les Jeux Olympiques de cette affaire. Intéressant. En tout cas, à la WTA. Je crois qu'on est d'accord. Voilà pour la croix. Il y en avait des choses dans la croix ce matin, vous avez vu L'humanité. Qu'est-ce qu'il nous reste Pas mal de choses, J'ai lu beaucoup de choses ce matin. Oh la vache, il reste tout ça Il y a l'UMA sur l'hôpital français, ça va pas fort. Euh, le débat sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Là, il y aura sondage. Et l'équipe. Ah, ma Mais combien de temps il va durer ce stream 3h18 oh. C'est fou ça. Bon. Euh, parce qu'il faut que je dorme un peu cet après-midi, puisque ce soir c'était les tons. Ok, let's go pour l'UMA. L'hôpital public s'écroule sous nos yeux. Pourquoi cette une de l'humanité euh, 80 associations et syndicats appellent à se mobiliser ce samedi partout en France. Ça n'est pas rien. 80 associations et syndicats, il se passe quelque chose. L'Union fait la force pour sauver l'hôpital public, écrit Luma. Alors que les annonces de fermeture de services et de lits se multiplient, on en a parlé récemment ici, dégradant toujours plus la prise en charge des patients, 80 syndicats, associations collectives d'usagers appellent à se mobiliser ce samedi, donc demain, à travers la France. Lisons, ensemble. Pas un jour ne passe. Sans que soit annoncée, c'est vrai, la fermeture d'un service d'urgence. En matière de dégradation de la qualité des soins, tous les indicateurs sont au-delà du rouge. Même, écrit Luma, le président de la commission médicale établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Rémi Salomon, n'a pas mâché ses mots le 12 novembre. On est dans une situation où, dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital. Un effondrement de l'hôpital public. C'est quelqu'un de. de la PHP qui le dit, hein c'est pas un syndicat. En début de semaine, l'intersyndicale justement, faisait état d'un nombre de disparitions de lits impressionnants. En région parisienne, par exemple, 9 lits disponibles à l'hôpital Bichat en neurologie, contre 22 avant le Covid. Un service de 18 lits fermé à Avicenne, à Bobigny, depuis juin. Les syndicats relatent aussi ce week-end, écoutez bien, du 16 octobre au dernier, où 27 personnes âgées étaient sur des brancards. Dans les coulisses, pas. Pff, coulisses, je me suis cru à la télé. Dans les couloirs. Par manque de lits d'aval aux urgences du bicêtre. 27 personnes âgées sur des brancards dans les couloirs. C'est ouf, non C'est ouf. Je lis un petit peu vos commentaires. Euh, là, la situation est très, est très tendue aussi dans les services de pédiatrie. Voilà, partout, la même inquiétude domine. La parole à une neurologue, Sophie Crozier, qui est à la Pitié Salpêtrière. La, la, la parole un petit peu à ceux qui vivent ça euh, en première ligne. Elle dit dans certains services, il y a 50 à 60% de postes vacants. 50 à 60% de postes vacants. Euh, depuis l'été, les départs se sont accumulés. À la Pitié-Salpêtrière, on a un tiers des effectifs en moins. On travaille un week-end sur deux dans le meilleur des cas. C'est de la maltraitance institutionnelle. C'est également désagréable, dit-elle, d'entendre le gouvernement remettre en cause le nombre de fermetures de lits alors que les difficultés d'accès aux soins sont bien réelles. On est hyper mé méprisé. On se sent hyper méprisé. On nous prend pour des râleurs. Mais ce n'est pas pour rien que le personnel hospitalier en a ras-le-bol et veut partir. Ça fait plus de dix ans que nous alertons. Voilà. Il y a Loucheux qui dit J'ai bossé en maison de retraite. Parfois, on renonce à envoyer les résidents aux urgences, car on le sait, ils vont passer la nuit sur un brancard. Donc, on fait venir un médecin pour les soigner sur place. Un truc qui ne va pas quand même. Euh, la parole à Stéphanie, infirmière en néonatalogie. Néo Excusez-moi, néonat. Oh. un café. Infirmière en néonatalogie. Ah mais si c'était ça. Nous sommes devenus des robots, dit-elle. C'est ouf ce qu'elle raconte. Nous sommes désormais 37 infirmières au lieu d'une soixantaine en temps normal. 15 lits sont fermés. La situation est dangereuse. Au quotidien, il est... En plus désagréable de devoir aller très vite pour changer les prématurés, faire les soins de développement. Nous ne pouvons pas toujours respecter le rythme de l'enfant, le laisser dormir par exemple. Les parents voient que nous courons, n'osent pas nous demander de faire un pot à pot par exemple. Nous sommes des robots. Les bébés deviennent des poupées. Un maximum de petits patients est transféré pour ne garder que les cas les plus lourds. Normalement, les jumeaux par exemple ne sont pas séparés. Mais un bébé est resté ici tandis que son frère est allé à l'hôpital de Poissy avec la maman. Vous imaginez pour les parents, ce ragoût, Merci pour ton sub avec Prime. Hop, un petit abonnement Prime qui est, qui est allé au streamer. Il est difficile d'accompagner les familles dans ces conditions. Cette surcharge de travail pèse beaucoup sur notre morale. Voilà. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, l'humanité se penche sur cette mobilisation. C'est demain. 80 associations et syndicats appellent à se mobiliser. Quand vous verrez les manifs, quand vous verrez les images, vous penserez à cet article de l'UMA et à ces lits qui disparaissent, ces services qui ferment, et l'inquiétude de ses soignants et qui dénoncent des conditions de travail qui ne va pas. Quoi. Merci. Euh, sushi avec 3 heures. Je, je, je ne comprends pas la signification de ton pseudo, mais je le respecte. <laughs> et je te remercie surtout pour l'abonnement avec Prime. Et on, on, on pique l'abonnement familial pour s'abonner au streamer, c'est cool. Euh, les échos. Ah, le petit sondage qui arrive sur la vaccination obligatoire. Le débat qui monte en Europe. Ah, vaccination. Obligatoire. Ah, 3H la lettre, pas 3 heures, pardon. J'ai encore mal lu un pseudo. Vaccination obligatoire. Vaccination obligatoire Pardon, c'est 3H, c'est pas 3 heures. Okay. Après l'Autriche, Autriche vaccination obligatoire contre le Covid. L'Allemagne, prête à imposer la vaccination obligatoire dès février, ils en discutent. Le gouvernement français donne, lui, la priorité, c'est pas d'actualité chez nous pour l'instant, au rappel vaccinal et au pass sanitaire. On a un article sur Pécresse aussi. On va commencer par ça. Le dossier sur la vaccination obligatoire, on va le lire dans un instant. On va faire un sondage là-dessus. Euh, merci, euh, Sadi. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est quelqu'un qui travaille en hôpital qui me dit de, Merci d'avoir lu l'article. Alors, on a lu plein d'articles sur Eric Ciotti ce matin, mais on peut peut-être s'intéresser un petit peu aussi à Valérie Pécresse quand même, non puisque, puisque certains disent qu'elle est favorite pour gagner. L'investiture de LR de la droite pour la présidentielle. Peut-être qu'on peut se pencher un petit peu sur, euh, sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez Pécresse, la remontée de la dame en rouge. Euh, C'est une rediffusion ou pas, s'il vous plaît Me dit Marche la marche. J'ai une tête de rediffusion J'ai une tête de rediffusion Est-ce que j'ai une. Est -ce que, sondage dans le chat, est-ce que j'ai une tête de rediffusion Vous en pensez quoi Est-ce est que j'ai pas plutôt une tête de live Vous en pensez quoi il y a Amrit qui dit oui c'est de la rediff. Ça c'est l'humour que j'aime, Alastair qui dit oui c'est de la rediff. Voilà. C'est complètement une rediff, j'avais oublié l'humour très particulier de nos amis viewers. Donc non, c'est aussi pour ça que je lis ton commentaire. c'est pour Oh, l'avez jamais fait ça. Ah. Donnez-moi des défis à relever en live, je vous montrerai que je serai en live. Euh, non, pas montrer ses fesses par exemple, ça n'est pas, ça pas, ça pas un, un défi Pécresse, intéressons-nous à, à Valérie Pécresse euh, Pécresse, la remontée de la dame en rouge celle qui a de bonnes chances de devenir la candidate pour la présidentielle sera une adversaire compliquée pour euh, le président Macron ça, on n'en a pas parlé ce matin là, les charmes d'une campagne, d'abord écrit euh, Cécile Cornudet dans les échos, début des novembre rappelons-nous celle de LR débute avec deux favoris. Hein. On nous dit Michel Barnier, l'homme de l'appareil, Xavier Bertrand, l'homme qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron. En tout cas, les sondages étaient plutôt bons au niveau national. Un mois et quatre débats télévisés plus tard, surprise double. Donc, c'est pas du tout Bertrand, c'est pas du tout Barnier, c'est Ciotti et Pécresse. Valérie voilà. bah, Pécresse, a priori, aujourd'hui la seule des deux susceptible de rouvrir le jeu pour la présidentielle, estime. La journaliste des échos, c'est ainsi d'ailleurs que ses comparses battus le comprennent. Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier lui apportent très vite leur soutien. Pourquoi Tout à l'heure on s'est dit, mais pourquoi les trois apportent le soutien à Pécresse Vous vous êtes pas posé la question euh, S'il y a une chance sur un million qu'un candidat LR puisse détrôner Emmanuel Macron, ben il pense que c'est avec Pécresse, pas avec Ciotti. Voilà pourquoi ce soutien. Eric voilà. Ciotti est la révélation de cette primaire interne. Valérie Pécresse, on est là surprise avec de grandes chances de pouvoir l'emporter samedi en un mois elle a su rattraper son retard faire oublier qu'elle était un temps considérée comme Macron compatible pugnace dans les débats porteuse d'un projet à la Fillon comme Ciotti d'ailleurs dur sur l'immigration libérale en économie active en coulisses aussi pendant la campagne pour convaincre les militants de s'inscrire au vote elle a bossé elle a bossé euh, puis femme 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 assumée Écrit euh, les échos, plutôt écrivent les échos. Pour la première fois dans sa carrière politique, elle sent que le moment le permet et joue ouvertement cette carte de la féminité portant une veste rouge dans le débat pour mieux se différencier. Ayez l'audace de choisir une femme libre, dit-elle, jeudi avant le second tour. L'effet femme était un handicap à l'intérieur du parti, mais il sera un considérable atout face au pays, estime Alain Minck. Comment boxer une femme? Peut-être certains estiment que c'est une adversaire. Plus compliqué qu'un homme. Bon. OK. En tout cas, c'est un poids lourd du gouvernement qui le pense et qui concède, en direct, même il l'a dit, on s'était préparé à Xavier Bertrand, on rêvait secrètement d'Éric Ciotti. Ce serait une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Glisse un autre de la majorité. On ne sait pas trop comment l'apprendre. Voilà. Est-ce l'effet femme, effectivement, ou la relative proximité de leur profil bon. bon. Il y a des trucs parfois. Parfois un petit peu dans, je, dans, le, hein, dans le regard sur les femmes politiques, et notamment sur Pécresse, petit côté, petit peu, petit peu, petit peu boomer parfois, hein Petit peu boomer, euh, peu importe. Bon, euh, cette jolie petite affiche pour le Téléthon me permet de rappeler à ceux qui nous rejoignent que ce soir, je serai, alors je fais pas ma pub, je fais plutôt la pub du Téléthon, en direct sur France 2, minuit 30, 2h, pour euh, une émission intitulée Téléthon Gaming, c'est sur France 2. C'est pas sur Twitch, c'est sur France 2. On va se mobiliser pour le téléthon, pour euh, continuer à financer les traitements contre les maladies rares, euh, avec des gamers, avec des streamers. Voilà. Avec des gamers valides, des gamers en situation de handicap, des jeunes. Voilà. Il euh, y aura des streamers qui seront sur le plateau. Voilà. Un grand plateau. On aura un grand plateau ce soir. Des streamers qui seront en train de streamer sur leur chaîne pour euh, récolter des fonds pour le téléthon. Il y aura euh, des streamers, il y aura des gamers, il y aura. Euh, des spécialistes des jeux vidéo qui nous parleront de l'histoire du jeu vidéo, de l'actualité du jeu vidéo, du futur du jeu vidéo. On va parler de VR, on va parler de réalité virtuelle, on va parler de, de métavers. Euh, et il y aura, il euh, y a à l'instant DC Black qui me demande il y a qui le Twitch Et eh bien, il y aura en invité principaux, en quelque sorte, en fil rouge, ils vont m'accompagner pendant une heure et demie. Je sais pas s'ils le savent d'ailleurs. Euh, domingo, le Domingo, le PA, le Domingo de Popcorn, qui sera avec moi de minuit 30 à deux heures. Et il y aura Little Big Whale aussi. Voilà, Il euh, y aura Marianne qui sera là aussi. Voilà, ils seront tous les deux avec moi pendant 1h30 et bon, bon, ils vont, vont m'accompagner pour, euh, pour cette émission. C'est cool ou pas C'est cool, 1h30. Hein, c'est super. C'est minuit 30, 2h, c'est un petit peu tard. C'est sur France 2, c'est cool. C'est la première fois que France 2 consacre une émission au Téléthon Gaming qui existe depuis quelques années. Hein. C'est pas la première fois que les streamers se mobilisent contre, contre les maladies rares et pour le Téléthon. Euh, Domingo, Little Big Whale, il y, euh, y aura un live sur Twitch, il hein, y aura un before avant euh, de 22h à minuit 30, je crois. Voilà, qui sera sur la chaîne Twitch de France Télévisions. C'est pas moi qui le fais, ce sont des, des journalistes de France Télévisions. Ça va être sympa. Donc c'est sur la chaîne Twitch de France Télévisions de 22h à minuit 30. De minuit 30 à 2h, c'est sur France 2. Je ferai peut-être un petit pré-live, moi, cest un before du before. Ouf. Genre 20h-22h sur ma chaîne. Voilà. fait longtemps que je pas vu mes SMS d'ailleurs parce que j'ai aussi l'émission à préparer. Euh, et donc il y aura peut-être sur ma chaîne Twitch un petit, bi, un petit before genre 20h-22h. Je vous montrerai les coulisses peut-être de la préparation de cette émission que j'espère belle et réussie. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises sur le, le gaming, euh, le monde du jeu vidéo et du stream. Et donc un petit before peut-être de 20h à 22h sur les coulisses si j'ai pas trop de taf euh, et puis après je, 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 je ferai un raid vers la chaîne de France Télévisions qui elle-même <laughs> invitera à regarder France 2 de minuit 30 à deux heures. C'est vrai que c'est un créneau qui est pas super exposé, mais c'est quand même une première. Donc c'est cool. Euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de chaînes françaises aient consacré une émission d'une heure et demie en direct au gaming, aux jeux vidéo, au stream, même si on est d'accord que c'est sur un, un horaire un petit peu tardif. D'où cette petite image du Téléthon. Voilà. Euh, bon, on se penche la question de la vaccination obligatoire. Hein Allemagne, tour de vis immédiat pour les non-vaccinés, vaccin, vaccin obligatoire en février. Qu'est-ce qui se passe chez nos voisins allemands Les autorités, en effet, ont décidé jeudi d'interdire l'entrée des magasins non essentiels, restaurants et loisirs aux non-vaccinés. Donc là, c'est euh, fait. Hein Donc je rappelle, magasins non essentiels, restaurants, loisirs non pour les non-vaccinés. Ça, c'est décision en Allemagne. Obligation générale de vaccination, introduite dès février, a priori. La décision n'est pas encore validée. Sachant que les deux tiers des Allemands, selon les sondages, valident cette décision euh, d'obligation vaccinale. On va en parler. Lisons l'article d'abord de Nathalie Staever, qui est la correspondante à Berlin, du journal Les Echos. Euh, non, alors Carcajou... Non, ça, c'est pas possible. Ce genre de commentaire-là, avec le parce qu'on parle de l'Allemagne la petite comparaison pas subtile que tu viens de faire avec euh, la solution finale euh, des nazis euh, écoute euh, non donc ça je sais pas ce qu'on en termes de modération on va dire moi je, 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 je plaide le droit à l'erreur donc c'est ban temporaire voilà mais euh, réfléchissons un petit peu quoi donc là comparer euh, cette actualité euh, à la solution finale, euh, ce qui s'est passé au, dans l'Allemagne nazie. un petit peu de subtilité dans les, voilà, oh ça m'a fatigué ça. Dans les arguments, normalement, la... bon, sur n'importe quelle chaîne, c'était bandef d'eff. Bon, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut toujours laisser une deuxième chance. Parfois, on, parfois on dit une connerie parce que allez, vrai. allez, on est sur Internet, on se fait plaisir. Euh, donc c'est un, un, un petit ban, euh, un petit ban provisoire. Et euh, le, bon, la prochaine fois, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible, sérieux. Qu'à 99% des gens euh, qui s'expriment correctement, non des arguments qui sont un petit, un petit peu la haute, mais la comparaison euh, entre la vaccination obligatoire en Allemagne et, euh, et la solution finale des nazis, euh, pff, franchement, je, je veux bien faire des efforts dans l'échange, mais là, hein Ouais, d'accord. Euh, continuons l'article. Pardon, hein, le ton s'est un petit peu durci du côté du streamer Samuel, mais là, quand même, parfois, il y a des trucs qu'on lit. Ouf, ça pique les yeux, hein <laughs> Bon, euh, on y revient de façon un peu plus intelligente. Un confinement, donc, de. Donc l'Allemagne passe en mode état d'urgence devant la violence de l'épidémie, de puisque il y a des gens qui s'inquiètent quand même pour la santé des gens. Euh, un confinement de facto pour les non-vaccinés a été décidé. En fait, les, les, les non-vaccinés sont, sont confinés, hein, c'est ça qui a été décidé. Décidé, euh, lors d'une rencontre entre Angela Merkel, la chancelière sortante, et son successeur, hein, le social-démocrate, donc de l'autre côté. De l'échiquier politique, Olaf Scholz, qui n'est pas encore euh, en place, mais qui le sera bientôt, et les présidents des régions allemandes. Donc, ça, c'est une faculté que notre pays n'a pas. En Allemagne, on arrive entre partis très différents assez facilement à discuter, notamment pour les choses compliquées. Le gouvernement de coalition, c'est assez fréquent en Allemagne. D'ailleurs, le prochain qui arrive, c'est un gouvernement de coalition sociodémocrate, libéraux et écologistes. Donc là, on a Angela Merkel, son successeur social-démocrate et les présidents des régions qui se sont réunis et ils ont pris ensemble. Cette décision, donc, de confinement qui ne dit pas son nom pour les non-vaccinés et peut-être de euh, vaccination obligatoire à compter de février. Pourquoi La situation est grave, a déclaré Angela Merkel. Au rythme actuel, plus de 6000 patients Covid pour être en soins intensifs d'ici Noël. Seules les personnes vaccinées ou guéries récemment pourront désormais accéder aux bars théâtre, cinéma et autres lieux de loisirs, on l'a dit, les non-vaccinés ne pourront plus entrer dans les magasins non-essentiels ni dans les marchés de Noël. D'une manière générale, les fêtes de Noël seront très compromises pour les rétifs du vaccin, qui devront également limiter leurs contacts privés, à domicile ou à l'extérieur, à deux autres personnes maximum d'un autre foyer. Donc pour les fêtes, ça va être compliqué. Et euh, le maire de Berlin justifie cette politique, parce que je suis sûr que... je. je, 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 je je ne lève pas le, les yeux sur le chat, là, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui vont trouver ça excessif. Le maire de Berlin, Berlin déclare, à propos de ce confinement pour les non-vaccinés, dit Il n'est pas normal qu'une minorité de personnes qui ne sont pas vaccinées soit à l'origine de l'essentiel des contaminations. Les chiffres, les voici. L'incidence en Allemagne aujourd'hui est trois fois plus élevée chez les personnes non vaccinées âgées de 18 à 59 ans. Moins de 70% de la population allemande est complètement vaccinée contre un peu plus de 75% en France. Voilà. Alors ça c'est le confinement, le quasi confinement pour les non vaccinés en Allemagne. Euh, c'est pas tout. Le nouveau Parlement devra prochainement se prononcer sur la vaccination obligatoire. Elle pourrait commencer dès le mois de février prochain si les doses sont disponibles. Ce serait une révolution dans un pays où aucun vaccin n'est obligatoire en plus. En Allemagne, c'est aussi un défi tant les centres de vaccination, les cabinets de médecins sont déjà surchargés. Le futur gouvernement de coalition de Lav Scholz, le social-démocrate, aura derrière lui une grande partie de l'opinion publique, puisque 65% des Allemands sont favorables à ce confinement qui ne dit pas son nom pour les non-vaccinés. 64% des Allemands sont pour la vaccination obligatoire. Voilà. Euh, le futur chancelier sera intronisé le 8 décembre prochain. C'est en 5 jours par le Bundestag. Et c'est pas tout, puisque ce débat sur la, la vaccination obligatoire, eh ben, il se développe euh, un petit peu partout en Europe. Regardez, c'est le petit article en bas à droite. Après l'Autriche, l'Allemagne, donc, en parle. Euh, c'est une décision rare dans le monde, quand même, mais qui a été prise par quelques pays. Donc l'Autriche a pris cette décision, l'Indonésie a pris cette décision, le Turkménistan a pris cette décision, et, et la Micronésie, cette petite île du Pacifique Sud du Pacifique, après cette décision. Ailleurs, il y a une obligation vaccinale aussi parfois, mais pour des catégories professionnelles, les soignants en France, vous vous rappelez du débat, les soignants en France ont l'obligation de se vacciner. Les fonctionnaires fédéraux aux États-Unis, au Canada, sont obligés de se faire vacciner. Les employés en contact au, avec le public, à Moscou aussi. Le sujet monte en Europe en raison de la cinquième vague qui arrive et qui inquiète. Euh pourquoi Parce que, bah parce que les, les cas se multiplient, parce que la vaccination, aussi, le principal axe de la lutte anti-Covid, et eh bien, stagne. Après avoir bondi au printemps et à l'été, le nombre de nouvelles doses administrées en Europe a nettement ralenti depuis la rentrée. En novembre, 64% de la population du continent avait reçu deux doses de vaccin, à peine trois points, trois points de plus que deux mois plus tôt. Voilà. Je poursuis l'article. Les disparités se creusent entre les bons et les mauvais élèves de l'Europe. Portugal, Espagne toujours en tête, 87-80% des habitants totalement vaccinés. L'Europe centrale est à la traîne. En Bulgarie, la couverture vaccinale autour de 25%. Slovaquie, 43%. La Grèce, 64% de la population vaccinée, fait un pas aussi vers l'obligation vaccinale cette semaine. À compter du 16 janvier, tous les plus de 60 ans devront être vaccinés sous peine d'une amende de 100 euros par mois. Ça, c'est pour la Grèce. Ça, c'est pour la Grèce et on a envie de dire, et maintenant la France eh bien, la France, les Échos, le journal prennent parti. Bien sûr, Motoko, qu'on va faire un sondage là-dessus. D'abord, je voulais vous lire cet article. Euh, les Échos prennent parti et disent la vaccination obligatoire n'est, en tout cas pour la France, n'est pas une bonne solution. Voilà ce que disent les Échos. Je lis. Donc c'est bien l'analyse de la rédaction. C'est vraiment les Échos qui, bah, vraiment, les Échos qui assument et qui disent bon, voilà ce qu'on en pense. Ils disent, on n'est pas pour. La France a moins de raisons d'opter pour une telle contrainte, du moins à ce stade. En France, l'obligation vaccinale a des partisans, à gauche, à droite. Il hein, y a des gens qui disent qu'il faut le faire. Euh, et même en Macronie. Anne Hidalgo dit pourquoi pas. Michel Barnier juge que vacciner tout le monde est la seule solution pour sortir de la crise. François Bayrou pense que le débat doit être ouvert. Le ministre de la Santé lui botte en touche, répète que notre pays a fait un autre choix, celui du pass sanitaire, voilà, qui a d'ailleurs inspiré d'autres pays européens. Euh, ce. Alors. David, un petit message. Hop. des nouvelles de l'équipe. Pardon. Okay. Excusez-moi, c'est euh, parce que je continue à travailler sur d'autres trucs parfois. Pourquoi le, pourquoi le ministère de la Santé ne semble pas s'intéresser à cette obligation vaccinale Eh bien, le journal explique. La première raison, elle est évidente la vaccination est déjà devenue quasi obligatoire. Avec le pass sanitaire en France. La vaccination est devenue quasi obligatoire, de toute façon, avec le pass sanitaire. Voilà. Euh, et avec le succès qu'on connaît. Alors pourquoi changer cette recette qui marche euh, Jeudi 25 novembre, le rappel vaccinal a été élargi à tous les adultes, on le rappelle, intégré au pass sanitaire à partir du 15 janvier. Résultat explosion de, des, 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 des prises de rendez-vous 4 millions de rendez-vous pris en 5 jours après le fameux discours d'Emmanuel de, de, Macron. Nombre d'injections quotidiennes remontait autour de 400 000, 500 000. Donc, par jour. La plupart sont des rappels, mais chaque jour, vous avez quand même trente mille personnes qui reçoivent aussi leur première injection, ce qui ne pourrait pas faire loin d'un million de nouveaux convertis sur un mois, ce qui n'est pas rien. On pourrait toutefois ne pas se contenter de cette lente conquête pour aller plus loin. Alors, dans ce cas-là, pourquoi pas faire l'obligation vaccinale, effectivement euh, alors les échos essaient de défendre cette thèse et, et, cette thèse et, et disent c'est la santé publique qui est en jeu les vaccins ont montré un excellent rapport bénéfice risque euh, rappelons que 8 milliards, 8 milliards de doses ont été euh, injectées dans le monde mais se demandent les échos est-ce que le jeu en vaut la chandelle voilà. obligation ne rime pas avec 100% sachant que 9 adultes sur 10 en France, 9 adultes sur 10 en France et 8 ados sur 10 sont désormais vaccinés Grappiller quelques points de vaccination supplémentaire serait un maigre butin. A l'inverse, on risque d'émousser la fierté de l'adhésion volontaire en envoyant un signal de défiance. Or, dans une épidémie, l'acceptation sociale des mesures contraignantes est la clé. Les échos concluent la vaccination obligatoire n'est pas la panacée. Vacciner, c'est pas fini. Vacciner les enfants à partir de janvier pourrait s'avérer plus efficace. Il faut également attendre de voir si Omicron est. Dangereux, faites péter les mots sondage, je vous pose la question. Nouveau sondage. Donc, c'est vraiment politique sanitaire fiction, euh, vaccination euh, obligatoire, puisque la question ne se pose pas du tout, puisque le, le ministère de la Santé n'y semble pas favorable. Vaccination obligatoire en France, si jamais la question se posait, imaginons vraiment que les contaminations explosent en France, que les hôpitaux se retrouvent de nouveau euh, submergés. C'est vraiment de la politique sanitaire totalement fiction. Mais si, ça se... si la question se posait, vaccination obligatoire en France, est-ce que vous seriez pour, dans ces conditions-là, on est d'accord, hein pas aujourd'hui, hein je, je, je cadre exprès, hein Alors, si vraiment la situation sanitaire se dégradait, est-ce que vous seriez pour ou contre la vaccination obligatoire avec tous les arguments que je vous ai lus là-dessus. Voilà. C'est un peu binaire, mais je sais que. Merci, Stump. Euh, c'est gentil. 1337 pour l'abonnement. Le, le, c'est gentil. Euh, c'est un peu binaire, hein, c'est un sondage. Évidemment, la, les, les, votre réponse est forcément plus complexe. Votons quand même. Ça donne quoi Je lis un témoignage en attendant le résultat de. De Saga Death. En tant que médecin réanimateur, je peux t'assurer, Sam, que la situation devient de plus en plus inquiétante. La vaccination chez les patients à risque s'impose, à mon avis. Pour le reste de la population, c'est discutable. Le grand problème avec le Covid est le fait qu'il retarde la prise en charge des autres maladies. Ça aussi. Alors les, le sondage. Euh, ah ouais, ah bah. Ouais. Ah bah je pensais que vous seriez moi, mais vous êtes une majorité. Dans l'hypothèse que j'ai évoquée d'une dégradation de la crise sanitaire en France, vous êtes une majorité à souhaiter dans ce cas une vaccination obligatoire en France. Okay. Et 37% contre. Et 8% seulement, je ne sais pas. Ok. Bah c'est très intéressant. Bon, rappelons qu'en Allemagne, où la situation sanitaire est bien plus grave que la nôtre, c'est de l'ordre des de, de deux tiers des Allemands qui soutiennent la vaccination obligatoire, mais n'en est pas si loin finalement. Ok. C'est intéressant. Merci en tout cas. On n'a on a, on a, on a pas, pas abusé. Le, bon, les chiffres ne changent plus. Euh, en tout cas, les valeurs ne changent plus. Hop, j'arrête le sondage. On n'a pas abusé des sondages ce matin. C'est bien. Parfois, enfin, je suis d'une humeur très sondagère. Vous êtes aussi quelques-uns à nous dire, euh, comme euh, cet amach, je suis pour la vaccination, mais pas l'obligation, par exemple. Je viens de revenir après 1h30 et tu es encore là, quel homme C'est vrai que je sais, il est long mon stream de ce matin, 3h45. Bon, mon record est plutôt de l'ordre de 4h19, je crois. On va voir. Mais euh, normalement, je suis censé aller dormir pour être en forme pour euh, le téléthon ce soir à minuit 30. Euh, mais, euh, mais, mais bon, j'ai pas pu streamer beaucoup cette semaine parce que j'étais en double journée France Info, question pour un champion. Sauf le stream top. Euh, sauf le stream top d'hier sur les coulisses de. De, de la matinale de France. Je me permets de dire top parce que vous êtes vous nombreux à bien avoir aimé. C'est pas moi qui dis que c'est top. Et puis Ça a été beaucoup regardé. C'était cool. Mais donc, du coup, bah, hein, je me un petit retard sur la presse et voilà pourquoi c'est un petit peu long ce matin. Euh, ah, dans bon, les journaux, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Euh, puisque le métier du journaliste, c'est quand même sur, de se pencher sur ce qui ne va pas dans ce monde pour euh, peut-être qu'on en parle ensemble et essayer d'arranger les choses. C'est un peu ma vision du journalisme. Et, mais parfois, ça fait du bien de lire un article. Euh, bah, qui dit que tout n'est pas catastrophique dans le, dans le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que je, je vous lis cet édito euh, en dernière page des Échos. Formidable résilience et sur la crise sanitaire. Avec un petit peu d'espoir dedans. On lit Je zoome. Voilà. Formidable résilience. Je pense que ça va vous faire plaisir. Enfin, vous intéresser. Un variant Delta qui repart de plus belle. Un nouveau variant, Omicron, terriblement contagieux. Normalement, nous devrions être tous être barricadés chez nous pour éviter le pire. L'économie devrait replonger, l'angoisse devrait nous gagner, et pourtant, il n'en est rien. Face à un choc d'une brutalité inouïe, nos sociétés modernes, très sophistiquées, donc très fragiles, font preuve d'une résilience impressionnante. C'est sans doute à ce jour la plus grande leçon à tirer de cette épidémie. Cette résilience vient d'abord du progrès technique, aux grands dames de tous ceux d'ailleurs qui prennent désormais ce concept avec des pincettes, il suffit d'imaginer, écrit Jean-Marc Vittori, l'état dans lequel nous serions individuellement, collectivement, sans la conception, la production, la diffusion d'un vaccin à plus de 4 milliards d'êtres humains. Des médicaments commencent à arriver, les malades du Covid sont infiniment mieux pris en charge dans l'hôpital malgré la fatigue des équipes médicales. La résistance au choc sanitaire vient ensuite d'un monde ouvert où ont pu circuler les idées, les brevets, les produits aussi technique qu'un vaccin, aussi basique qu'un masque. Elle vient enfin de notre fantastique capacité à faire des apprentissages individuels et collectifs. Les États ont monté de nouveaux dispositifs d'information, ils savent désormais jouer sur toute une palette d'instruments sanitaires économiques en fonction de, des sautes du virus. Ils ajustent leurs interventions beaucoup plus finement, même si rien n'est parfait, et si les critiques nombreuses sont souvent justifiées. Les entreprises ont su changer aussi en profondeur leur manière de produire même les moins souples d'entre elles, et chacun d'entre nous eh bien, a appris à vivre autrement, à porter un masque, à se laver plus souvent les mains, à travailler différemment, à trouver de nouvelles manières d'organiser son quotidien. Tout redevient possible. Dans la noirceur des temps présents se dissimule le plus grand signe d'espoir depuis des décennies. Je que c'est cool ça. C'est ça aussi, <laughs> de temps en temps se dire que... Ouais, la période qu'on vit, elle est super chelou, mais, mais la réaction de, des peuples, des États, des nations, des entreprises, parfois, bah, c'est avec quelque chose de beau aussi, voilà. Oui, je vois Lapin Pinou qui a un esprit un peu critique, je valide, hein, dit « Les échos, tout va bien, n'hésitez pas à consommer ». Oui, un petit peu de ça aussi, hein, mais quand même, quand même, on peut peut-être se réjouir de cette euh, résilience, voilà capacité de s'adapter de, 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 des humains et voilà c'est ce qu'on comme le dit euh, Wenix TV j'aime bien ça c'est ce qu'on appelle vivre en société voilà. je ne sais pas ce qui se passe okay. j'ai plein de messages de l'équipe de France Info ça parle ça parle ça parle ça parle ça parle ça, parle, ça bien. Euh, pardon euh, on en est où ça c'est compliqué, une autre fois ça. Euh, non, non on va, on va s'aérer un petit peu. On va on va pour terminer, donc pour glisser vers les 4 heures de stream à peu près. Cool. Euh, demain matin ça va être compliqué hein, parce que je vais me coucher vers. Euh... Merci Mila pour ce sub avec Prime, c'est cool. Merci à toi. Euh, demain matin, je... fin d'émission sur France 2, 2 heures du mat' ce soir. Je vais rentrer à la maison, il sera 3h, heures, 3h30. Heures temps de manger un petit peu. Un petit, un petit animé sur une, sur une plateforme de VOD. Euh, normalement, je me lève à 5h pour lire les journaux, donc là je vais me coucher vers cette heure-là. Pas sûr de stream demain matin, hein. ça va être compliqué. Pe peut-être peut la lecture de, des magazines dans l'après-midi, je sais pas. Hein, je me connais, je vais peut-être réussir à vous caler un truc, mais demain matin ça va être chaud. Donc là, euh, on, va, on va essayer de pousser vers les 4h avec l'équipe. Euh, vous, 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 vous savez que l'équipe euh, de France de handball féminin. À remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques, hein, je pense, à Tokyo, c'est quelque chose. Et ben, voilà le championnat du monde, si je ne dis pas de bêtises, qui débute. Voilà, c'est ça. France-Angola, premier match, 18h. Ballon d'or. Hein, beau ce titre. Ballon d'or. Euh, donc les Bleus, euh, archi-favorites, championnes olympiques en titre. Voilà. Euh, le problème, c'est que qu'elles bah, sont un peu crevées et elles doivent assumer un statut de favorite. Voilà. Euh, J'étais un peu surpris en fait, de cet article, mais l'équipe est allée à la rencontre des, 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 des Françaises, des joueuses de l'équipe de France, et en fait elles sont crevées. Elles ont, elles ont eu un sacré euh, contre-coup après leur titre olympique, d'où ce titre un peu surprenant, le revers de la médaille. Les Bleus lancent le mondial aujourd'hui en Espagne avec l'objectif d'un nouveau podium, donc c'est en Espagne le mondial. Mais auparavant elles ont dû digérer leur titre olympique de l'été à Tokyo qui les a laissés à plat. Août. A été une consécration pour les Françaises. Elles ont complété la triple couronne, puisqu'elles avaient, elles avaient été champion, championnes du monde en 2017, championnes d'Europe en 2018, voilà. mais elles ont surtout vu le revers depuis. Elles sont nombreuses, les joueuses de l'équipe de France de handball. Salut Trévis, bonne journée. Euh, elles sont nombreuses à avoir connu ce, ce blues olympique qui mêle une vraie usure physique et un épuisement mental. Voilà, donc, leur mettons pas trop la pression. Elles sont un peu favorites quand même, parce que c'est les champions olympiques de ce mondial qui débute aujourd'hui, match à 18h contre l'Angola. Hein, on les soutient, les françaises. Allez, les bleus, allez. C'est un petit côté cocardier qui ressort parfois. Messi, je ne vais pas vous lire un article sur le PSG tous les jours, mais, mais c'est une vraie question. Messi, un des plus grands. Tout à l'heure, je dis attaquant, je me suis fait engueuler par certains qui disaient non, c'est un, un milieu offensif. C'est ça qu'on m'a dit tout à l'heure. Bref, le joueur de foot. Messi, septuple tubes ballon d'or. On est d'accord que c'est un des plus grands joueurs de foot au monde, je pense. On n'a pas sept ballons d'or comme ça. Il a marqué un but en Ligue 1. Alors, bah, l'équipe se pose des questions ce matin. Messi, but sur la Ligue 1. Ah, joli, le titre, je n'avais pas... pas perdu. Messi, je... je trouvais ça bizarre ce titre. Messi, but sur la Ligue 1, but, c'est bizarre. But, but, je l'ai. Messi bute sur la Ligue 1. Le septuple ballon d'or, décevant en Ligue 1 depuis son arrivée, ne parvient pas à hisser son niveau d'efficacité face au but. Après 600 minutes, il n'a marqué qu'une fois. Explication voilà. Alors l'équipe commence un petit peu gênée. L'article d'Hugo de, de l'homme. Oui, il y a un côté un, peu, un petit peu surréaliste à s'interroger sur l'efficacité d'un joueur qui a laissé une telle trace dans, dans le foot mondial depuis 15 ans. Hein, c'est quand même Messi, c'est quand même 7 ballons d'or. Et pourtant. 112 jours après sa signature au PSG. Au lendemain d'une nouvelle soirée difficile face à Nice, match nul 0, 0 partout, le bilan chiffré en Ligue 1 de l'Argentin de 34 ans soulève des questions. Ces trois maigres passes décisives, mais surtout son unique but, on nourrit ce doute sur le niveau d'efficacité dans l'hexagone de la Pulga, c'est la puce je crois, hein, à travers le revisionnage de ses matchs. Ah, en fait l'équipe s'est retapé tous les matchs de, euh, du joueur en Ligue 1. Surtout les derniers, pour essayer de comprendre le pourquoi du, du comment. Et euh, c'est intéressant ce décryptage de l'équipe ce matin. Bon, je dis ce matin, il est 13h30. Hein. Mais j'ai commencé ce stream ce matin. Il euh, y a un élément limpide quand on revoit les récents matchs de l'Argentin en Ligue 1. Dans le dernier geste, Messi fait preuve d'une très inhabituelle maladresse. Au-delà de ces duels ratés, l'Argentin a égaré ce côté létal qui a participé à construire sa légende. Par exemple, cette frappe au-dessus. Euh, en fin de match face à Nice, la tentative trop croisée contre Nantes, encore cette volée totalement dévissée contre Lille. Sous l'effet de la dilution des responsabilités et la présence des deux autres stars, le numéro 30 frappe moins au but qu'à sa période barcelonaise. Il cadre beaucoup moins aussi. Conséquence d'un déficit physique Ah, la batterie. Ah bah quand le stream est trop long, c'est rien ça. Je suis le seul streamer au monde à, à streamer sur batterie pour des raisons obscures. Mais j'en ai une autre. Bougez pas. Ah! Oui, je, je, dans, mon, dans, dans la caméra, il y a une batterie, on va refaire le point. Et, bien sûr, et, hop, et hop là! là. C'est pas beau ça, la technologie. Euh, ce qui est bien pratique d'ailleurs, parce que quand, quand, les enfants, quand les enfants déboulent, et le grand jeu des, 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 de Malo et Solal, quand je stream, les habitués le savent, c'est de se diriger très rapidement avant que je réagisse vers la multiprise. Voilà. Euh, où euh, tous mes câbles convergent avec un câble management totalement affreux et donc déteindre la multiprise voilà. euh, et heureusement comme je suis sur batterie euh, sur mon PC parce que je stream avec un PC portable comme je suis sur batterie sur la caméra et eh ben ça ne coupe pas tout voilà. c'est aussi une protection contre les enfants donc là on a streamé 3h56 avec une batterie c'est pas mal et eh ben j'ai la deuxième qui prend le relais c'est cool non Voilà euh, pourquoi ne pas changer vers une multiprise sans bouton Hmm. m'a très bon ça. <laughs> Je note. On était, à, on était avec Messi, donc, avec l'équipe qui analyse tous ses matchs pour comprendre pourquoi il est, il est moins bon qu'avant. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème physique Pas vraiment, dit l'équipe, puisque même en début de match, il manque de justesse. Ce qui interroge aussi, c'est la difficulté qu'il a dans, dans la précision, dans le cadrage. Alors, au fil de ces interviews récentes, Messi ne s'est pas caché de ces questions. C'est la dimension physique qui l'a le plus surpris en Ligue 1. Voilà. comme si le dribbleur le plus créatif de sa génération mesurait son incapacité à résister aux impacts et à faire la différence. Il trouve qu'il est, il est, en fait, il est surpris par les impacts en, dé, de, en défense, quoi, au niveau de la Ligue 1. C'est ce qu'il dit. Bon, il est trop vieux, dit Miss aya C'est pas très gentil ça. Voilà. C'est physique de ouf la Ligue 1. Bah voilà, Il y a Guy qui suit un peu la Ligue 1. Moi, je ne je, je, je suis pas un grand spécialiste de football qui dit qu'on voilà, a, on a un championnat physique. Vive notre championnat, dit Edgar. j'aimerais bien voir Messi marquer des buts, moi. C'est quelque chose, quand même. Voilà. Ah, ouais, il ne peut pas se faufiler partout comme il aime faire, dit toi-même. Ah ouais, en fait, vous êtes, vous partagez l'analyse de l'équipe. Okay. Voilà, puis tout à l'heure, on a fêté, euh, fêté l'opinion. J'avais un petit peu oublié de, de lire, mais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la une de l'opinion est aussi consacrée au duel Ciotti et Pécresse. La petite surprise. On va juste lire dans l'opinion, parce qu'après, il faut que j'aille dormir quand même, parce que je suis en train de me dire qu'on approche des 14 heures et il faut que je dorme, fasse une petite sieste euh, avant de rejoindre les amis du Téléthon. Euh, juste l'édito de Rémi Godot, parce que je, le, le titre m'intrigue un petit peu. Euh, 113 038 votants ne feront pas la France. Vous avez compris que ce sont les militants LR qui ont voté au premier tour de la primaire. Euh, et Rémi Godot qui écrit pour les républicains le plus dur reste à faire la qualification de Chioti et de Pécresse constitue une victoire pour le parti de droite le ralliement ordonné des perdants montre que sélection ne rimera pas avec désunion c'est vrai ça c'est a raison hein. c'est quelque chose déjà sur l'immigration ou la fiscalité la ligne forte des deux finalistes aux oppositions surmontables laisse à LR l'espoir de retrouver une identité, ça n'est pas rien donc une offre politique lisible distinctive Capable de perturber le jeu présidentiel. Donc, ça, c'est tout ce qui est positif. Mais, mais, 113 038 votants ne font pas la France. Et le vainqueur de samedi devra vite abandonner la logique de la primaire, les facilités militantes, se recentrer sans trop édulcorer c'est ça qui est dur incarner une rupture sans verser dans l'aventure réhabiliter la réforme par tant de surenchères. Bref, braconner à la fois en lisière des terres d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour sans rien leur céder. L'équation s'annonce complexe, et bien c'était dit À vrai dire, elle ne peut se résoudre que par la responsabilité, la crédibilité, la clarté à rebours des dérives du populisme ambiant. Hmm. Je suis content d'avoir terminé avec cet article parce que je le trouve intéressant. Oh c'est drôle. Au moment où j'ai regardé l'horloge, 4 heures, c'était 4 heures et 5 secondes de stream. Ce timing, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Hop, enlevage de tablette qui va aller maintenant dans la chambre dans le lit un petit animé un petit animé pour s'endormir voilà je vais mettre le bon je vais pas m'endormir avant 14h30 là le temps de le temps d'atterrir euh, je comptais aller en fin d'après-midi faudrait que je dorme au moins 3 heures Une bonne grosse sieste ouais pour euh, ouais arriver en ouais, je voulais arriver vers 17-18h sera plutôt 19h sur le plateau pour bien réviser tout lire les fiches euh, rencontrer les invités pour le téléthon gaming, voilà, faire une petite répète, les déplacements, les caméras, la lumière, le maquillage, faut que je m'occupe de mon stylisme, je sais. Comment je m'habille Comment je m'habille pour ce soir Comment je m'habille pour ce soir Ce soir, j'anime téléthon gaming sur France 2 pour le téléthon avec des gamers. Comment je m'habille Je pensais mettre un jean propre, une jolie veste et un t-shirt. T-shirt blanc ou t-shirt sérigraphié non, en pyjama, non. Cosplay, non. Non, c'est blanc. T-shirt blanc ou t-shirt euh, un peu original Veste blanche, non. Claquette, chaussette, short hmm. T-shirt The j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est naze et c'est considéré comme une marque. Pas, alors que c'est pas du tout une marque. Je kifferais de mettre, je kiff, je, je kifferais de mettre mon t-shirt The je peux te dire. Blanc, petit t-shirt moderne, torse nu hmm. euh, J'ai un peu de bedouin hein, parce que comme j'ai levé le pied sur le sport, mauvaise idée. Euh, quelles sont chaussettes? Bavoir peignoir, t-shirt event. <laughs> Vous êtes plein à avoir eu l'idée. Sérigraphié, blanc valeur sûre blanc, peignoir léopard. Les t-shirts que je mets à question sont vachement bien. Ok, pull de Noël, bonne idée. T-shirt gaming. Ouais, t-shirt gaming, ça va faire genre euh, papy Sam qui fait un gros clin d'œil à la communauté euh, des gamers. Je veux pas, je vais, on va pas me louper. Hein. Impossible t-shirt gaming, je vais, je vais prendre trop cher. Tout le monde sait que je suis pas un gamer quoi ça ferait trop, ça ferait trop. Euh, T-shirt Star Wars, peignoir satiné, <laughs> sérigraphié, tipo... ah non en polo non, combi en latex, chaos hmm. euh... <laughs> d'ogreste, petit body painting, Youhou et là on est où d'ailleurs? Laure Vallée. Laure Vallée, euh, la streameuse, la... journaliste spécialiste en gaming, elle devait pas faire un de body painting descendre euh, en body painting sur les, les champs-élysées là elle l'a fait ou pas c'est prévu l'or comment ça se passe l'or valet vous êtes au courant de, de ce que de c'était un c'était une histoire de au niveau du mercato là de... des gamers là elle a fait ou pas bubu ouais elle a, elle a fait son Champs-Elysées, ouais, j'ai pas oublié, personne n'a oublié. Elle est en vacances au Seychelles Ouais, ouais, ouais. on n'oublie pas. L'or, on n'oublie pas, hein Le body painting, la descente sur les champs Élysées là. hein, On n'oublie pas, hein, l'or. Voilà. Faut <laughs> lui passer le message. <laughs> Elle a dit qu'elle le ferait, hein euh, Bon Bon, pour le stylisme, ça va être jean, petite basket, euh, jolie veste, saget, t-shirt... On va voir si un t-shirt blanc ou un t-shirt un petit peu euh, sérigraphié. Voilà. Euh, bon, peu importe. Je vous pose des questions qui n'ont aucun intérêt. Je vous embête avec mes histoires. Bon, merci. C'était super. Bon, 4 heures de stream. C'est cool. Avait, on a lu des choses intéressantes. Euh, que voulais-je dire N'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur euh, Twitch. Voilà. À la suivre. 447 000 followers. Bientôt 448 000. OK. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter. Pourquoi J'ai dit plein de bêtises. Et puis aussi, c'est là que j'annonce mes streams. Euh, N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, merci à tous ceux qui l'ont fait hier, à sub, à vous abonner pour soutenir l'activité de votre streamer. Euh, et puis, bon, on se retrouve ce soir, peut-être pour un petit live Twitch, un petit, un petit before sur ma chaîne, avant ce Téléthon Gaming euh, qui sera sur France 2. Mais sinon, minuit 30, 2h, sur France 2, Téléthon Gaming. Bon, euh, soyez, euh, soyez cool, hein, parce que je ne suis quand même pas un gamer. Euh, je ne suis pas un gamer, euh, je suis un apprenti streamer, donc je vais faire ce que je peux, je vais surtout écouter les autres, euh, voilà, je vais faire, je vais faire le, le maximum. Euh, on, se fait un petit, on se fait un petit raid, d'accord On se fait un petit raid, donc n'hésitez pas maintenant à me proposer dans, dans le chat des noms de streamers qui sont en live, là vers qui on pourrait aller euh, raid un petit peu pour euh, exposer le, leur travail, vous en pensez quoi Pourrait être une bonne idée hein J'aime bien ça, ça. Euh, d'autant que récemment j'ai reçu des super jolis raids. Euh, voilà, de, de, de David Dufresne tout à l'heure, de, de l'ami euh, Monsieur Poulpe, euh, hier de Zerator et de Little Big Whale. Alors j'étais vraiment super, super fier. Donc, comme d'habitude, je vous mets un petit euh, écran de pause, un petit peu de musique pour les abonnés, le temps de regarder vos propositions. Je ne vous envoie pas.